Salut. Comment dire? Nous avons partagé avec vous pas moins de 3 saisons d'aventure sur le bazar du grenier, et pendant une centaine d'épisodes, vous avez pu vivre et voir évoluer des personnages emblématiques. Emblématiques. Ces aventures existent dans un jeu de rôle que vous connaissez maintenant très bien. Mais avant de commencer cette nouvelle saison, il faut d'abord que je vous dise 2 ou 3 trucs. Pour entrer dans la saison 4, vous n'avez pas besoin de connaître les 3 autres saisons, tout simplement parce qu'elles posent de nouveaux enjeux dans un nouveau contexte. Du coup, elle ne sera pas vraiment titrée saison 4, même si elle reste dans la continuité. Par contre, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder les épisodes 0 de la série, qui montrent les évolutions. Alors pas besoin d'être calé en système de règles pour suivre Aventure, c'est surtout si vous voulez comprendre comment on se raconte l'histoire avec Seb, Fred, Bob et Crane. C'est un jeu de rôle et comme dans tous les jeux, il y a des règles. D'ailleurs, vous êtes dans l'épisode 0 de cette nouvelle saison, et du côté du système de règles, on va vous proposer de nouvelles possibilités. Ça, c'est une fiche d'aventurier comme vous la connaissez. Ça, c'est la fiche des nouveaux aventuriers. Avec l'apparition de spécialités liées aux caractéristiques de physique, sociale, mentale. La valeur de puissance représente la force, la vigueur. La finesse représente l'agilité, la rapidité. L'aura, c'est le charisme. Relation représente les échanges, le relationnel. La valeur instinct représente l'intuition de l'aventurier et le savoir indique ses connaissances. Ces sous-caractéristiques permettent non seulement de mettre en avant les spécificités des aventuriers, mais aussi elles apportent plus de profondeur à la partie. Voilà comment ça va se passer. Imaginez Théo qui soulève un adversaire en combat. Au lieu de tester sa condition physique avec un dé de sang, on va plutôt précisément tester sa puissance. Alors on lancera non pas un dé de 100 mais un dé de 6. Si on obtient la valeur ou moins sur ce dé, c'est un succès. Si par contre la difficulté est plus élevée, il suffira tout simplement de lancer un dé plus gros, comme un dé de 8 ou un dé de 10. Plus la situation sera difficile, plus le dé sera gros. Maintenant, l'autre évolution qui va changer pas mal de choses, il s'agit des dégâts de caractéristiques. Vous êtes souvent demandé ce qui peut se produire quand un aventurier subit un manque de sommeil, un empoisonnement ou une charge au bouclier. Oui, oui, vous êtes souvent demandé ça, oui. Et bien maintenant, on va pouvoir représenter cela avec ce système. Dans ces situations, le maître de jeu peut imposer de cocher une case dans une spécialité. Avec une coche, l'aventurier obtient un malus de 1 point et donc de 10% dans sa caractéristique liée. Alors bien sûr, ça n'exclut pas les blessures, voire la mort. Et qu'est-ce qu'il se passe quand ce cher MJ donne à cocher une deuxième case? Eh bien, toute la spécialité est bloquée et le personnage a un malus encore plus important à sa caractéristique. Nos aventuriers devront dorénavant être plus prudents s'ils ne veulent pas finir infirmes, impotents, malades, vulnérables, bref. Plus que jamais, les risques vont se faire sentir. Et Fred va carrément pouvoir se faire plaisir. Attendez. Oui, j'ai dit Fred, car cette saison sera racontée par lui, et moi, je serai joueur et j'incarnerai Manny le Double, un elfe botaniste au talent particulier. Quant au reste du groupe, vous retrouverez Seb, qui incarnera Shin, l'archer demi-élémentaire, Crane, qui incarnera lui le nain ingénieur Grunlek, et Bob, dans le rôle de Balthazar Octavius Barnabé, le pyromage. Et enfin, un dernier truc, vous trouverez désormais 2 nouvelles séries de JDR sur la chaîne Bazar du Grenier. Du coup, ce sera l'occasion pour nous de vous proposer un rythme plus adapté pour un contenu plus varié. Il y aura pour la première série Fred derrière l'écran avec Aventure, et pour la seconde série, ce sera moi. L'univers reste encore une surprise, mais en tout cas, je peux vous dire que le thème parlera à plusieurs d'entre vous. En tout cas, c'est un genre qui me plaît tout particulièrement. Thank you.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'aventure, une saison un peu spéciale puisque ce coup-ci ça sera pas Maillard, ça sera moi qui tiendrai le rôle du maître du jeu et Maillard lui va passer en tant que joueur. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu les trois premières saisons, ça n'est pas obligatoire parce qu'on part sur une nouvelle campagne. Et avant de commencer, deux petites choses. Déjà premièrement, si vous n'avez pas vu l'épisode 0, celui-ci est disponible sur la chaîne Réussite Critique de Maillard. Donc il y a quelques nouvelles règles très légères et très faciles à comprendre, vous allez très très vite les comprendre pour cette nouvelle saison. Et deuxième chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par l'épilogue de la saison précédente. Le monde a largement changé depuis la défaite du géant de Mana. La magie avait quitté le monde par des puits reliant l'éther et le monde physique. Le monde était à sec, asséché. L'histoire appellera plus tard cet âge l'âge de fer. La géopolitique en a été largement chamboulée. Les savants du monde entier s'engagent alors dans une course à la technologie sans précédent pour trouver des alternatives à la magie. Et privés du puissant pouvoir des églises, assassinats et espionnage deviennent monnaie courante. Un climat de paranoïa s'empare du cratère. Un monde où les dernières gemmes magiques valent bien plus que l'or. Alors que le monde s'habitue lentement à sa nouvelle forme, soudainement, dans les contrées de l'Est, la magie revient. Comme une fleur qui surgit après un hiver trop long. Et par effet de vase communicant, des failles s'ouvrent à différents endroits. Des créatures magiques étranges apparaissent. Qui? Comment? Et surtout pourquoi? Est-ce que les mages ont trouvé un moyen de réouvrir la voie vers l'éther? Est-ce que c'est le hasard? Personne ne le sait. Nous retrouvons les aventuriers autour de la cité de Castelblanc, ville de naissance du jeune Théo Silverberg et siège central de l'Ordre de l'Église de la Lumière. La grande lumière qui baignait la salle centrale de l'église s'est soudainement rallumée sans explication et la magie est ressortie des entrailles même de la cité. Pour l'Église de la Lumière, la réponse est simple, c'est l'œuvre de la lumière. Après tout, n'est-ce pas là la preuve que c'est la seule et unique vraie religion? Mais tout diamant attire des convoitises. La convoitise se transforme en méfiance, la méfiance se transforme en colère, et la colère n'amène rien de bon. La ville voisine de Castelblanc, Kirov, dirigée par le vieil empereur Franz, hurle au complot. Pourquoi? Pourquoi la magie est-elle revenue à Castelblanc? Pourquoi n'est-elle pas revenue à Kirov? Les paladins de l'Église de la Lumière doivent avoir un secret et refusent de le partager. Alors que le peuple de Kirov se tourne lentement vers la lumière, des émissaires de Castelblanc sont dépêchés à Kirov pour prévenir une guerre. Mais le mal est déjà fait. La graine de la discorde est plantée. Bonjour tout le monde du coup et bienvenue dans cette nouvelle saison d'aventure qui s'intitule Bataille pour Castelblanc et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc actuellement, vous êtes dans le Sénat. Mais avant de commencer, vous êtes dans le Sénat de Kirov, mais avant de commencer, je vous propose de prendre quelques minutes pour me décrire rapidement, en quelques phrases, vos personnages, aussi bien physiquement que mentalement. C'est-à-dire comment vous vous situez, comment est votre personnage suite donc à ces deux années qui ont passé, suite à ces deux années sans magie qu'on appelle l'âge de fer. Donc on va commencer par Grandleck. Von Leck von Crane, un nain d'origine royale mais qui a fui ses responsabilités parce qu'il était infirme, il lui manquait le bras droit. Il a rencontré une sorte d'alchimiste ingénieur qui lui a fabriqué un bras métallique et au cours de cette aventure, il a également perdu son œil gauche. Donc il a un bras en métal et un œil. À la place de l'œil, il y a une sorte de bille de métal. Il est vraiment trapu, il est équipé d'une cotte de maille avec du cuir par-dessus. Son état d'esprit, bah, dans le monde, c'est un petit peu le bordel actuellement avec la magie qui a disparu. Et il essaye de parcourir avec ses amis le monde et voir s'il peut aider ou s'il y a des choses à faire pour éviter que ce soit encore plus le conflit. Et puis, ces fameuses créatures magiques, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas du tout. Voilà, donc vous êtes aussi évidemment accompagné de Shin, l'archer du groupe. Shin. Alors Shin Dakori de son vrai nom, qui vient d'un clan vivant en forêt et qui est décédé, oui tout à fait, je suis désolé, alors nom du père, du fils de... Oui, mais qui est renaquis en demi-élémentaire, qui a été choisi pour les élémentaires, et donc je suis un demi-élémentaire d'eau qui peut manipuler l'eau donc et la glace, et je suis spécialisé dans l'archerie. Donc j'ai perdu la vie et j'ai essayé de retrouver tant bien que mal celui qui est responsable de mon assassinat, et j'essaie d'évoluer dans ce monde avec mes amis aventuriers, et suite à l'année qui s'est écoulée après ce fameux cataclysme de la disparition de la magie dans le cratère, j'essaye de faire un peu profil bas parce que déjà qu'à l'époque j'étais une créature regardée avec méfiance, j'essaie de retrouver ma place dans ce monde, essayer de poursuivre l'équité, essayer de réconcilier créature magique et être élémentaire, demi-élémentaire avec les hommes, et ça va être difficile parce que plus je me mêle dans des conflits où il y a des problèmes géopolitiques, ce genre de choses, et plus j'envenime la situation, donc je doute de plus en plus sur ma mission.
Ah, t'as galéré à le placer, équité. Exactement, c'est, j'ai gagné. Là, j'ai ma liste. Voilà, alors, équité, machin. Non, mais donc... ça ressemblait à une élection de Miss Monde. On était bien. C'est ça. Donc, vous êtes aussi également accompagné d'un personnage que vous avez déjà rencontré lors d'une autre aventure à Castelblanc, Manny le Double. Et vous avez évidemment tous confiance en lui, n'est-ce pas? Donc, Manny, présente-nous ton perso. Alors, Manny est un elfe botaniste, peut-être un tout petit peu filou à 16 heures. Il ressemble à un voyageur et s'enthousiasme assez facilement par tout ce qui l'entoure. D'ailleurs, il trouve la situation actuelle particulièrement fascinante. Mais c'est génial, ça génère des emplois, tout le monde bouge, on est dans une vraie fourmilière. C'est très passionné et du coup, il a rejoint le groupe parce que c'est un aventurier aussi et parce que bah, il les a déjà rencontrés et aussi, accessoirement, c'est le groupe qui l'a engagé, enfin plus particulièrement Théo. Si, je ne m'abuse. Oui, effectivement, tu as suivi le groupe depuis quelques temps, au moment où la magie est revenue à Castelblanc, donc tu as fait partie des gens qui ont été appelés pour voir s'ils avaient une quelconque idée sur la situation et comment la magie était revenue. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Si, t'en, enfin, si, non, si, ça, oui, tu n'en savais rien, c'est tout, voilà, je, c'est ça. Je regarde l'horizon. Ça... Oui. Et enfin, évidemment, Bob Balthazar Octavius Barnaby. Exactement, Balthazar Octavius Barnabé, donc je suis un pyromage de métier aventurier qui a quitté sa tour pour prouver qu'il pouvait faire le bien avec le feu, hein. Basiquement c'est assez basique mais c'est pour ça. Je me suis retrouvé à faire des aventures complètement folles avec mes alliés et mes amis, et le fait que je sois un pyromage aussi jeune, parce que ça prend beaucoup de temps normalement pour apprendre de la magie, vient du fait que malheureusement mon père était un démon, ce qui fait de moi un demi-démon et donc une hérésie ambulante. Mais c'est pas grave, hein, je suis quand même ami avec le plus de gens possible quand je ne les molle pas dans 1000 ans de souffrance et de supernova. Du coup, dans l'idée là actuellement, politiquement parlant, c'est un peu le Bronx le plus total ici dans le cratère, puisque la destruction du géant de mana a détruit littéralement toutes les sources de mana environnantes, sauf à Castelblanc, comme le scénario nous l'explique. Et malheureusement, c'est pas que ça va engendrer des grosses guerres et qu'on était un petit peu au centre. Au point zéro finalement hein, de l'événement qui a déclenché tout ceci, mais j'aimerais bien savoir ce qui va se passer politiquement et aussi surtout militairement pour Castelblanc et la ville de Kirov. C'est pour ça qu'on s'est rendu ici aujourd'hui au Sénat avec nos amis face à l'Empereur. Et enfin, vous êtes accompagné donc du cinquième que je vais décrire, Théo Silverberg, donc, qui est paladin et inquisiteur de l'Église de la Lumière, ça dépend des jours, et qui était donc aussi avec vous au moment de la fin de la saison 3, et qui est évidemment devenu un paladin surpuissant depuis la fin de la saison 3, puisque c'était le seul paladin de Castelblanc à pouvoir faire de la magie, donc vraiment respecté, aimé par les gens. On se réveille à ce moment-là. Voilà, et c'est absolument pas le perso le que le MJ jouait précédemment, donc il a pas voilà. 18 femmes, 4 manoirs, une richesse incroyable, et découvert qu'il était le fils de Dieu et de Balthazar. Il a fallu qu'il ne pas MJ, quoi. Exactement. Et à ce moment-là, donc, il y a Ivanov donc, qui s'approche de vous, il jette un regard, un coup d'œil en arrière vers la direction du Sénat. Il vient vous voir en vous disant « Nous sommes prêts à rentrer dans la salle, si vous voulez bien m'accompagner. » Il y a un petit accent. Très bien. Est-ce qu'il y a un protocole à suivre en particulier? Aucun protocole, juste ne faites pas de magie. Ne faites pas de magie. MJ, il a l'air comment, le Ivanov? Alors Ivanov, donc, qui est le général de l'armée de Kirov, qui est un monsieur donc, d'un âge un peu avancé, il a des cheveux qui commencent à grisonner, il est affable, il est assez gentil avec vous. Ça fait quelques minutes que vous discutez avec lui. Où par il rapport vous dit au qu'il contexte actuel, il a l'air plutôt à l'aise, il a l'air de faire son taf juste ou... Il a l'air de faire son travail, c'est pas genre le général de l'armée ennemie, genre « je suis le général, je vais tous vous tuer », c'est juste, il fait son travail, vous avez discuté avec lui quelques minutes, il vous a confié que tant qu'à faire, s'il pouvait éviter une guerre, même si c'était son métier, ça l'arrangerait, parce que les guerres, c'est toujours des morts inutiles, et que lui, ça lui plaît pas. Mais ça génère des emplois, c'est positif. Non, Manny, non. Pas de toute façon, c'est une mission Patrick, diplomatique, non. Donc il est là pour ça. Piller des choses, c'est pas un emploi à piller. Il vous accompagne donc à l'intérieur de la salle. Au moment où il entre et il passe la porte, donc il annonce « Les aventuriers de Castelblanc ». Donc, et là, il se met légèrement sur le côté. Et il vous laisse passer. On est carrément les aventuriers de Castelblanc. Ouais. Écoute, c'est des gens en premier. Les aventuriers Théo qui se retourne, non, mais tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. Vous venez de Castelblanc. On a eu de la chance. Les aventuriers de Théo, ça aurait pu être. Hein, c'est ça, la bande de Théo. Théo et ses potes.
Donc vous arrivez jusque vous passez devant les sénateurs qui vous fusillent du regard. Certains vous regardent d'un air un peu inquiet, d'autres un peu interrogatif, mais la plupart vous dévisagent vraiment comme s'ils avaient vu un tas de merde avec des pieds en train de marcher. Donc vous arrivez. Oui, parce que faut comprendre, vous venez d'une ville où il y a la magie, eux ils ont pas de magie, ils sont jaloux, c'est tout, cherchez pas plus loin. Donc Victoria, quand elle vous voit arriver, vous fait un clin d'œil, s'écarte légèrement. Victoria, à qui j'ai dû remettre un document qu'elle m'avait demandé de récupérer, c'est ça ? Oui, effectivement, tu lui remets un document discrètement, c'est-à-dire pas devant 50 000 sénateurs. Qui est Victoria, sinon ? Alors Victoria, donc c'est Victoria Silverberg, la grande sœur de Théo. Elle a... Oh putain, oh la vache, ils se reproduisent. Ils se reproduisent pendant qu'on regarde pas. Panique, planquez les enfants. Est-ce qu'il y a du sang d'enfant sur son bouclier? Vérifiez, un test ADN tout de suite. Non, Victoria, donc, est une grande femme. Elle est presque légèrement plus grande que Théo. Elle est blonde, elle a les cheveux attachés en chignon. Elle a un air assez sévère, mais en même temps, elle plaisante régulièrement avec vous, ce qui vous fait dire qu'elle est quand même assez ouverte. Il y a également Warren, qui est à votre droite et qui lui, par contre, est complètement fermé, qui est un homme en armure massive. Et d'ailleurs, vous avez pensé que c'était une armure vivante jusqu'au moment où vous l'avez vu enlever son casque. Et enfin, il y a Milish Oppenheimer qui est juste ici et qui lui est donc le troisième, le numéro 3 de l'Église de la Lumière et qui est donc le représentant de Castelblanc que vous avez accompagné jusqu'ici. Et c'est lui qui a parlé au Sénat jusque-là. Et tous ces gens en mission diplomatique, face à ce que j'assume être, enfin, ce que je présume être l'empereur, ont leur épée tirée au clair. Direct. Oui, c'est le token qui est comme ça. Ils sont tous nerveux. Écoute, il va falloir on parler mal de tes tokens. On ne critique pas les tokens du MJ, s'il vous plaît. Oh, ça en va, face de avec vous, nous, critique ces tokens, fais pas ton chien. En face de vous, avec nous, il y a donc le vieil empereur Franz, qui est donc lourdement la tête appuyée sur son poing, qui a l'air fatigué, qui a l'air vieux. Tout simplement. Il est accompagné de l'impératrice Manaril, donc sa femme, qui est beaucoup plus jeune que lui. Et derrière lui, il y a donc un homme sombre qui s'appelle Pesmerga, qui est son conseiller et qui murmure en permanence des choses à l'oreille de France. Voilà. Et l'homme de confiance. Pesmerga, c'est son nom le plus connu. Le moins connu, c'est Pesmerga Judas Jaffa. Le double. Comme un certain. Oui. C'est donc ça le Pesmerga descend légèrement les escaliers. Pesmerga. Ah, Pesmerga. Pesmerga descend légèrement les escaliers vers vous. Et donc, vous lance cette phrase. Aventurier, nous vous avons laissé entrer dans ce Sénat par égard pour votre célébrité. Dites ce que vous avez à nous dire. Pourquoi devrions-nous croire des émissaires de Castelblanc qui nous ont toujours caché des choses depuis aussi longtemps qu'on se souvienne ? On est là de tout d'abord, horizons. Grand vizir, sachez que ce n'est pas par notre célébrité que nous nous tenons ici. Et par notre stature et notre compétence, sinon le monde sur lequel vos pieds reposent en cet instant même n'existerait plus. Ensuite, vis-à-vis de la réapparition soudaine de la magie en Castelblanc, nous n'avons pas plus d'indices que vous. Ça prouve bien que vous le cachez mieux qu'on le pensait. Il y a un mec dans le public qui hurle ça. Tout ce que ça prouve, c'est que vous l'avez bien caché. Menteur! On est tous là pour le même problème. On est dans la même mouise. On est là ensemble. Bon, on est là différents horizons, mais quand même, on est là pour face au même problème. S'il vous plaît, j'essaie de vous êtes indifférent aux souffrances de notre peuple. Vous êtes indifférent à la souffrance des habitants de Kirov. Oui, mais c'est pas là le problème. Alors ça, c'était très très maladroit. Je vais m'avancer. Je peux tirer Mani un peu derrière. Effectivement, au moment où Mani a dit ça, je vais considérer qu'il a dit ça. Des gens se sont retournés offusqués dans le Sénat et certains ont commencé à jeter des feuilles et même certains ont commencé à sortir de la salle au passage. Ah, s'il vous plaît, restez dans la salle. Comme dans les matchs de foot. Empereur, impératrice, chers membres du Sénat, nous ne faisons pas partie de Castelblanc. Nous étions au cœur des événements, nous avons rejoint Castelblanc pour pouvoir venir dans cette mission diplomatique. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de conflit. J'aurais une question à vous poser. Y a-t-il ici une personne, et j'espère que non, qui souhaite la guerre entre Kirov et Castelblanc ? Bien sûr que non, personne ici ne souhaite la guerre, c'est Pesmerga qui te répond. La guerre n'est dans l'intérêt de personne. Nous sommes donc sur la même longueur d'onde. C'est vous qui cherchez la guerre depuis une éternité que Castelblanc convoite les terres de Kirov. Nous ne faisons pas partie de Castelblanc, ça tombe bien. Nous sommes là pour être sûrs qu'il y ait une solution trouvée entre Castelblanc et Kirov. La magie est réapparue pour des raisons qui nous sommes inconnues. Et il faut absolument que vous repreniez les relations diplomatiques.
Castelblanc a-t-elle fait le moindre geste agressif envers l'Empire de Kirov? Pas de notre connaissance, pas celle de vos propres espions. Ils ne cherchent pas la guerre, ni vous. Nous ne cherchons que des solutions, et nous cherchons la vérité. Malheureusement, nous ne la connaissons pas encore. Cependant, il nous faut enquêter sur les raisons de la réapparition de la magie, afin de, si possible, la répliquer pour que, enfin, tout le peuple du cratère puisse profiter librement de cette manne céleste. L'empereur, ça devient pénible d'avoir toutes ces gemmes pour utiliser les au moment où tu finis de parler, Bob, l'empereur donc lève la main, se lève lourdement, difficilement, parce qu'il est vieux, et te regarde et dit « Avez-vous la moindre preuve ? Avez-vous la moindre chose à nous dire qui prouve que vous ne mentez pas ?»« On est gentil. » Qu'est-ce qui pourrait... On est actuellement dans deux situations. Vous croyez qu'on contrôle la magie et qu'on peut la partager. Et de notre côté, nous ne savons pas pourquoi elle est là. Si nous avons raison, nous n'avons aucun moyen de vous le prouver. Qu'est-ce qui pourrait vous apaiser et vous aider à prouver qu'on ne ment pas ? Donnez-nous votre secret. La magie n'est pas revenue. La magie n'est pas revenue à Castelblanc. Eh bien, envoyez vos émissaires. Reprenez les relations diplomatiques. Mais nous l'avons déjà fait. Que pensez-vous ? Vous avez des espions dans nos rangs comme nous avons des espions dans les vôtres. Nous prenez-vous pour des idiots ? Nous avons déjà... Regardez, nous avons déjà enquêté. Nous n'avons rien trouvé. Tout ce que ça prouve... Si nous ne mentons pas, vous déclencheriez une guerre pour rien. C'est la seule problématique que je vois à l'heure actuelle. Il faut continuer de chercher. Il faut continuer de creuser et essayer de trouver les raisons de la magie. Castelblanc pense qu'elle est d'origine divine, que c'est la lumière. Ils n'ont pas d'explication. Il faut continuer de chercher pour établir la magie sur le monde de façon équitable. Et je on est là pour ça. Je ne déclencherai pas la guerre, dit l'empereur de Kirov. Je ne déclencherai pas la guerre maintenant. Mais le temps passe. Je me fais vieux. Ça se voit. Ne perdez pas espoir, continuez de chercher. Nous trouverons une solution tous ensemble. Et puis, quel est votre intérêt soudain pour la magie? Je pensais que votre peuple se dispensait, ne vivait pas à travers ça depuis toutes ces années. Alors là, c'est pas l'empereur qui te répond, mais la magie, il y a toujours eu de la magie dans le royaume de Castelblanc. Ouais, mais c'était pas... Et tu dis, il célébrait plutôt l'agriculture et puis un autre truc, je sais mais pas. Oui, d'un point de vue économique, c'était pas au centre. Mais la magie faisait partie du... La magie, comme dans tous les royaumes, faisait partie de la vie de Kirov. Et le jour où elle a disparu, en fait, Kirov a subi des lourdes émeutes et des révoltes dans certains endroits du royaume qui a fait que l'Empire, pour rétablir l'ordre, a dû... quand même brûler quelques villages au passage. Donc imagine que du jour au lendemain, une institution aussi importante que les toubibs, les hôpitaux, les dentistes, tout ce qui se rapporte aux soins, c'est juste pour imaginer. Imagine du jour au lendemain, ça disparaît. Alors pendant les 5 premiers jours, tout va bien, tu vois. Mais pendant les 15 qui suivent, c'est la merde. Et pendant l'année qui suivent, c'est encore plus la merde. Tu vois, c'est pour ça. Donc, ce que vous savez de la cité de Kirov, je vous le dis, c'est qu'effectivement, Kirov, l'âge de fer a été vécu différemment selon les endroits du cratère. À Castelblanc, il y avait déjà une église en place, qui était l'église des paladins, qui n'avait pas forcément besoin de magie, parce que les paladins, ça a aussi un bouclier et une épée. Mais à d'autres endroits, ça a été un peu plus difficile, et Kirov a subi de lourdes émeutes et des rébellions qui ont mené donc à des réprimandes de la part de l'Empire, en fait. Ouais, alors, donc ils sont extrêmement dépendants de la magie. Si je peux juste m'adresser à l'Empereur juste avant, je vais reprendre en tapant un petit peu le bâton et en faisant: quel intérêt aurions-nous eu à sauver le cratère pour le condamner? Quel intérêt aurions-nous à retenir la magie de son peuple? Quel intérêt aurions-nous à déclencher une guerre dont évidemment nous ne voulons pas ou ne souhaitons pas l'issue? Quel intérêt aurions-nous à nous présenter ici et à tenter de régler le problème ensemble ou à découvrir des solutions? Peut-être un moyen, des fonds, une investigation, une enquête? Quel intérêt aurions-nous à discuter et à être présents ici? J'ai ma magie, je pourrais quitter ces lieux et ne jamais en revenir sans jamais y jeter un regard. Et pourtant aujourd'hui, nous sommes là. Si cette preuve ne vous suffit pas, ô conseiller pusillanime, alors je ne sais pas ce qu'il vous faut, et tout espoir est perdu pour vous. Là, c'est Peshmerga qui prend la parole, te regarde. Pendant ce temps-là, l'empereur est en train de se lever et de quitter la pièce. Et Peshmerga te dit: l'intérêt, jeune mage, sortez d'ici, et vous le verrez dans les rues. Donc, suite à quoi l'empereur est parti, du coup, la foule se disperse, les sénateurs sont en train de quitter la pièce. Là, je vais juste chuchoter à Mani, par rapport à ce que j'ai dit,
Sa réponse, elle fait pas de sens ou je... En tout cas, l'empereur a quand même dit qu'il allait pas déclencher la guerre. Ça reste effectivement tout, une bonne donc nouvelle. Vous vous dirigez donc, vous sortez de la pièce donc, et vous vous dirigez vers la sortie de la ville de Kirov pour rentrer chez vous, tout simplement rentrer en direction de Castelblanc. Donc vous êtes en train de revenir à une des quatre grandes portes de Kirov pour quitter la ville, prendre vos chevaux et retourner en direction de Castelblanc. À un moment, vous passez dans une rue qui est noire de monde, encore plus noire de monde que les rues précédentes. Il y a un bouchon devant vous, il y a énormément de gens, il y a des gens qui crient, des gens qui il y a une personne qui est sur un banc en pierre et qui gueule devant elle, vous savez pas trop ce qui se passe. L'un d'entre vous va me faire du coup un jet de perception. L'un d'entre vous, pour voir ce qui se passe. Shin, on peut faire un jet ou les quatre. Oui, c'est instinct, c'est ça, perception, instinct. Ouais. D'accord, ok. Instinct, très bien. Donc on peut tous faire un jet. Tout le monde. Ouais, ouais. Tout le monde fait un jet. Allez-y. Ha, j'ai réussi. 2 sur 3. Un. Très bien. Oh là là. Donc tout le monde a réussi. Grundek. Réussi. Tout le monde a réussi. C'est parti. Donc effectivement, vous le voyez ici, à côté, sur ce banc. En pierre, il y a une personne qui est en train de lire à voix haute quelque chose à un groupe d'autres personnes devant elle. Et vous voyez un que... Hein? Un colporteur? Tu ne sais pas si c'est un colporteur. Est-ce que ça a l'air de générer des tensions? Ça a parfaitement l'air de générer des tensions, effectivement. Tu vois que certaines personnes sont en train de lui hurler dessus, d'autres sont en train d'applaudir. Et en fait, en prêtant l'oreille, tu vois que la personne qui est ici est en train de s'adresser à la foule devant lui en prêchant pour la lumière. Elle est en train de dire « Repentez-vous, vous voyez que la lumière est la vraie religion. Nous devons abandonner nos rites ancestraux et nos rites païens. La lumière est la seule religion qui compte. Regardez, la lumière est revenue à Castelblanc. La magie est revenue à Castelblanc. Je vous en prie, écoutez-moi. Nous devons suivre la lumière. » C'est littéralement le connard qui est à Blanche-Rive dans Skyrim, tu vois. C'est le vieux qui arrête pas de te hurler dessus, tu sais, c'est pour ça. Bon. Donc, approchez-vous, déplacez vos tokens pour vous approcher. Il y a des gardes autour. De ce qui est en train de se passer. Fred, il y a des gardes autour. Exactement, il y a des gardes qui sont en train d'approcher, qui poussent un petit peu les gens en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dégagez, c'est quoi cet agitateur ?» Et vous voyez que donc, au moment où les gardes s'approchent, il y a des gens parmi les civils, parmi les villageois, qui empêchent les gardes de passer, qui font « Non, repoussez-vous, il a raison, il faut qu'on l'écoute, il faut qu'on se convertisse à la lumière, c'est la seule façon pour que la lumière revienne ici aussi, nous devons faire revenir la magie à Kirov où nous sommes tous perdus !» Et Qui est figure d'autorité au niveau de la lumière le plus haut des personnes qui nous accompagnent? C'est Milish. Milish qui est juste ici. Je vais m'adresser à Milish et je vais dire « Milish, est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous pensez que c'est bon pour les relations diplomatiques? Je comprends que vous ayez besoin de prêcher pour la lumière, mais vous ne devez pas laisser une personne comme ça mettre en danger toute cette foule dans la rue. » Maître Nain, mais cette personne est de Kirov. Je ne contrôle pas ce qui se passe ici. Je ne suis pas responsable. Je vous pourriez prendre la parole tout de suite et calmer cette foule. Même cette personne vous écouterait parce qu'elle elle reconnaîtrait votre autorité. Donc vous avez une responsabilité. Je pense que vous devriez intervenir. Et qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? De ne pas suivre la voie de la lumière? Je vais faire diversion. Les gens sont libres. Vous pouvez lui dire d'être plus ouvert par rapport aux gens qui sont en face de lui, de ne pas changer. On a deux solutions là. De les convaincre de cette façon. Et puis la lumière, on en parle, mais pour moi, c'est soit on fait diversion, soit littéralement, on essaye de passer chemin. Parce que finalement, c'est pas vraiment notre problème. On peut pas peser sur la situation actuelle. Ce qui est en train de se produire avec le mec, il faut qu'on trace peut-être, non? Il faut que Milly s'en occupe devant vous. S'il y a un drame qui se déroule en pleine rue au nom de l'église de la lumière, ça va déclencher d'autres événements plus tragiques. Il y a une personne qui vous voit et qui fait « Regardez, ce sont les paladins !» Et il commence à applaudir « Ouais !» Donc il y a des gens de plus en plus qui se groupent autour de vous, qui fait « Ouais, bravo les aventuriers, bravo, ramenez la lumière doit venir nous sauver, la lumière est pour nous !» Et puis là, à un moment, il y a un monsieur dans le public qui est ici, qui est un peu énervé de voir les gens renier leur culte si facilement, et donc qui s'approche de la personne qui est la plus proche, qui est toi, Grunlek, et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre faute si on est en train d'abandonner nos cultes! C'est votre faute si on est dans cette situation !» Et donc, il s'approche vers toi et il va essayer de te donner un coup, littéralement. Grunlek. Ah, très bien. Mais c'est horrible, toute cette violence.
J'essaye du coup de le contourner pour l'immobiliser. Si je vois que Grandlake il réussit à toucher, qu'est-ce que tu fais? Parce que pour le coup, il vous a pris par surprise. Hein. Je veux dire, il y a tellement de gens autour de vous que c'est juste, il a poussé deux personnes. Tu es en posture défensive, Grandlake? Non, je suis en posture de focus. Je prends le coup sans broncher. Tu prends le coup sans broncher? Oui. Très bien, donc il te fait un des 4 de dégâts. Heureusement que c'était pas Théo. Il me fait pas de dégâts. Donc il fait un dégât. Donc il me fait rien. Il te fait rien du tout. Très bien. S'il vous plaît, cette violence est inutile. Donc Grunleg, tu viens de te prendre un coup. Tu as essayé de tenir un discours derrière, mais c'est très difficile parce que ça commence à crier au milieu de la foule. Il y a des gens qui hurlent, des gens qui vous bousculent. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont en train de bousculer, notamment, et ça c'est peut-être plus inquiétant, il y a des gens qui sont en train de bousculer les paladins derrière vous, les PNJ en armure. Et les PNJ en armure qui commencent à avoir l'arme au fourreau et qui hésitent à la sortir. Tour de table du coup, Grunleg, tu as essayé de faire ton action. Maintenant, Shin, qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu l'invitation de Grunleck à demander à Bob à faire un speech en fait pour essayer de convaincre les foules. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de faire de me faufiler à travers la foule et de me diriger vers la fontaine pour pouvoir la glacer. Oui. Comme ça tout le monde aura le regard dirigé vers la fontaine, donc vers le banc. Donc ça serait bien que Bob se mette dessus et surplombe la foule pour faire son speech. Dans ce cas-là, tu vas me faire un jet de finesse pour essayer de passer à travers les gens qui essayent de t'attraper. Est-ce que je peux faire une action coordonnée avec Shin pour l'aider à se faufiler, justement? C'est votre tour combiné, du coup. Tu vas me joindre des Bob. Est-ce que je peux les accompagner? Voilà. C'est moi qui vais masser les épaules à Shin, histoire qu'il soit détendu. Tu me mets de l'huile sur le corps. Non, mais aide Bob, ma Shin. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ah, 6, c'est raté. 6, c'est raté. C'est raté pour le commerce. Allez. Tu es attrapé, donc il y a des gens qui te saisissent. Alors tu sais pas trop si c'est pour te faire du mal ou si c'est pour essayer de te retenir. Mais Shin, il y a des gens, donc là, une femme qui est là, qui te saute dessus, et un monsieur de seconde. Une femme qui te saisit, qui te dit: je te reconnais, j'ai eu 5 enfants avec toi. Oui, Mani, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai annoncé préalablement que j'aidais Shin. Est-ce que je peux renverser la situation, étant donné que je t'ai déjà annoncé justement que je l'aidais au cas où? Alors si tu réussis un test de finesse, tu peux le débloquer, mais en te bloquant toi au passage. Sans problème, vu que c'est lui le focus, je vais essayer de le mettre en avant. Ça marche. Ouais, tu as réussi donc. Tu réussis à pousser la femme qui est ici. Donc la tu arraches le bébé de ses bras et tu dis: non, c'est le mien, Donc Mayer, par contre, effectivement, tu te fais saisir par deux personnes qui sont en train de te secouer. Alors je ne te fais pas faire de jet de dégâts ou d'esquive ou de machin, etc. Parce que c'est pas... Parce que je suis immobilisé de toute façon pour l'action. C'est juste, tu es immobilisé maintenant, de la même manière que les paladins. Shin, tu arrives par contre à te mouvoir. Donc, fais ce que je n'ai jamais pu faire. Alors, est-ce que je peux faufiler, avoir suivi Shin? Tu te faufiles donc jusqu'à la fontaine et tu essayes de la cristalliser. Tu vas me faire du coup un jet de mental ce coup-ci. Ok, c'est parti. Tac. Hop, 9, c'est réussi. Joli. Donc tu cristallises la fontaine. Moi par contre, je vais faire une espèce de jet de stress pour voir si les gens paniquent. Je vous rappelle que vous êtes dans Kirov, ils n'ont pas vu de magie depuis 3 ans. C'est pour ça. Est-ce que les gens vont prendre ça pour une action agressive ou est-ce qu'ils vont prendre ça pour ce que c'est, c'est-à-dire toi qui cristallises une fontaine. Donc je vais faire un jet ouvert sous 50 ou moins. 9, ouh, ça va, les gens sont impassibles, les gens se retournent au moment où tu cristallises la fontaine. Waouh, ils applaudissent. C'est joli. Par contre, ça n'a pas beaucoup plu aux gardes qui sont là, qui ont dégainé leur arme au passage et qui sont en train de s'amener vers vous en se disant: mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? Bah, je compte sur toi. Ah, très bien. Bah, là, je prends. Alors, j'ai profité, bien sûr, de l'accalmie pendant une seconde pour me faufiler, hein, gratos, vu que plus personne ne bouge, de monter sur le banc pendant qu'il finit. Au moment où tu montes sur le banc, les gens applaudissent et font: ouais, la lumière, Castelvan, les aventuriers, ouais. Hello, dans tout ça. Alors, dans ce cas, je vais juste lever la main. Peuple de Kirov, avez-vous donc perdu l'esprit? Regardez-vous, regardez autour de vous. Église de la lumière, religion de la lumière, religion de la fertilité, religion de Kirov. Vous êtes des citoyens du même pays, des frères. Durant 2 ans, vous avez versé le sang, ensemble, pour tenter de survivre. Est-ce que vous allez tout gâcher maintenant, pour vos convictions personnelles? Oui, la magie est revenue à Castelblanc. Nous trouverons et percerons le mystère. Elle reviendra ici aussi à Kirov. Si la lumière est réellement responsable du retour de la magie, alors oui, la lumière rendra la magie. Si la lumière n'est pas responsable du retour de la magie, je vous jure et fais le servant sur mon sang que nous retrouverons la véritable raison et la rapporterons partout dans les terres du cratère.
la magie reviendra, d'une manière ou d'une autre. En attendant, le sang versé n'est que du sang gâché. Rentrez chez vous et réfléchissez à ce que vous avez fait aujourd'hui. Et je vais donner un petit coup de bâton avec une petite flamme et descendre du truc. Et c'est sur ces paroles, donc, où les gens se dispersent et commencent à reprendre le cours de leur vie normale. Les gardes, qui étaient vraiment à deux doigts de sortir leurs armes et de prendre ça pour une action agressive, rangent leurs armes. Et c'est sur ces mots que vous quittez la ville de Kirov pour repartir vers Castelblanc. Une bonne rhétorique de la part de Bob et un self-control parfait de la part de Grunley ont permis aux aventuriers de temporiser la situation avec les sénateurs de Kirov. Est-ce que cela va durer longtemps ? Sur le chemin du retour vers Castelblanc, les stratèges de la lumière décident de changer de stratégie. Si guerre il y a, les paladins n'attendront pas qu'elle se fasse sur leur propre sol. L'armée de la lumière décide donc de s'avancer vers un vieux fort abandonné près de la frontière et de s'y installer. Fort Tigre. Messieurs les aventuriers, vous arrivez donc au pied de Fort Tigre. Et là, devant vous, vous voyez une chose. Vous allez me faire un jet de perception, tous, pour commencer. Oh, direct. Très bien. Dans perception, très bien. Comment il marche ton système? Instinct. D'accord. Okay. 92 de base, non. Moi, j'ai rien vu, moi. C'est trop haut. C'est un D6, je rappelle, c'est un D6. Ah, bah c'est un D6. Ah, ça par contre. Voilà. Bah voilà, les vrais strats. 5, mais j'ai quand même pas vu. T'es trop petit aussi. Tu peux monter sur tes épaules. Vous êtes tous trois alors. Crane, tu peux enlever ton casque s'il te plaît. Ah déjà ça commence, hein, mais voilà. C'est parce qu'il est trop petit. De toute façon, vous allez très vite lui répéter ce que vous venez de voir. En fait, au pied de la tour, vous le voyez ici, il y a, là où je ping, il y a deux bannières noires qui sont les bannières d'un clan gobelin qui tourne dans les environs à peu près. Et justement, à ce moment-là, Victoria, voyant ça, se retourne vers vous et vous dit, je crois qu'il y a des gobelins par ici. Je sais qu'on ne se connaît pas vraiment, mais est-ce que ça vous dérangerait de rentrer à l'intérieur de la tour et de nettoyer la tour pour qu'on puisse s'y installer? Nous, pendant ce temps-là, on va dresser le camp à l'extérieur et je pense que vous serez plus efficace que si on envoyait une armée immense. Pas de problème, mais c'est un problème récurrent, ça, parce qu'ils sont bien installés, les gobelins. Ils mettent les petites bannières, oui, ils font venir un teinturier, bientôt des tapis, je sais pas. Fortigre, je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais c'est quelqu'un de ta famille? Je monte les gobelins. Allez, c'est fine. Oui, il faut que Grenac revienne. Et du coup, pourquoi vous l'avez pas vidé le plus tôt, le fort? Parce que depuis que, voilà, je veux dire, les drapeaux, les fanions qui à l'entrée, je veux dire, c'est visible qu'il y a des gobelins qui occupent la tour. Et ils n'étaient pas en situation de conflit direct avec Kirov qui menaçait d'éclater. Là, mais des gobelins, c'est pour le sport le week-end, pour se détendre, pour s'entraîner. Ouais, mais ils veulent qu'on fasse le sale boulot à la place. De toute façon, Fort Tigre est un fort abandonné depuis un certain temps. On n'a pas forcément besoin de cet endroit. Il n'était pas très stratégique jusqu'à ce qu'on soit en conflit avec Kirov. Donc c'était pas utile, tout simplement. Je mets les mains sur les épaules de Grunlake et je le tourne dans la bonne direction pour lui montrer la tour. Ah, c'est cette tour-là! Ah, je comprenais pas parce que la petite cabane, tu lui relèves la tête, tu sais, avec le bout du menton. Théo, au passage, se retourne vers vous et vous dit bon, excusez-moi, les copains, mais je vais vous laisser y aller tout seul ce coup-ci. Moi, je vais rester là et dresser le camp avec les autres. Ouais, donc c'est bien les paladins de la lumière qui veulent pas se salir l'armure, quoi. J'ai une vraie question. Attends, les gobelins, c'est considéré comme des créatures lumineuses ou quoi? Je veux dire, vous êtes des paladins, des inquisiteurs ou... Ouais, ils en ont peur, c'est bizarre, Là, Théo, il renchaîne, il vous dit, bah écoutez, ça va, vous êtes des aventuriers, vous démerdez tout seul. Surtout qu'on a fait un gros discours de solidarité devant le Sénat. Si on n'est pas capable de donner le bon exemple, à un moment donné... Solidarité, je t'en foutrais, moi. Quand l'église de la lumière laisse des demi-démons... faire le boulot à leur place... Voilà, on t'en foutrais. Ok, l'arbinage, d'accord, mais parlons pognon. On veut une prime, je suis désolé. Prime de risque, tout ça, couverture santé... On va peut-être trouver des trucs dans le... Ah oui, non, ça nous appartient, quoi qu'il en soit. Rien du tout, hein. Exactement. Petite parenthèse, voilà, si on trouve des trucs, ça nous appartient. Vraie question, Grunlek, est-ce que ça se mange le gobelin? Ouf, on peut essayer, hein. Je sais pas, ça me paraît, à mon avis, ça doit être un peu dur, tout du ça. Du coup, non, parce vous vous approchez, tant qu'à faire. Approchez de la tour, donc avancez jusqu'ici, jusqu'au pied de la tour. Et au moment où vous rentrez, vous vous approchez de la tour, en fait, les portes sont défoncées. Les portes, il n'y a plus de portes, littéralement. Et vous voyez, en fait, par le couloir qui rentre à l'intérieur de la tour, qu'il y a du mouvement
au fond. Donc, dans quelle disposition est-ce que vous allez rentrer à l'intérieur ? Déjà, moi, je propose d'invoquer Icy pour l'envoyer déjà en éclaireuse. Un petit point, je vous propose un petit point strat, juste pour savoir exactement comment est-ce qu'on progresse. Si vous voulez faire un point strat, je allez-y, propose ça, déjà. Dites-moi votre disposition. Et effectivement, tu peux invoquer Icy pour aller voir à l'intérieur, simplement... Tu sais qu'il y a déjà du mouvement, c'est pas difficile de deviner. Ah, mais c'est juste pour établir une stratégie d'attaque si on doit rentrer. Pour le coup, je ne serais pas capable de stocker beaucoup de dégâts, mais en première ligne, ça je peux faire. Peut-être avec Grunlex s'il est OP. Bien et derrière, donc il peut nous couvrir à distance, donc Shin. Et bah, Bob déchaîne les enfers. Ouais, Bob peut nettoyer en prévention, de toute façon. Est-ce que tu peux nettoyer d'ici, Bob ? Oui, bah oui, clairement. Évidemment, balancer du feu à l'intérieur d'une tour qu'on est censé restaurer, sauver et garder en l'état. On peut tenter. Ils ont tout pourri, les gobelins, j'en suis sûr. On peut tenter une solution un peu différente, c'est des gobelins. Les gobelins, c'est facilement impressionnable. Imaginez, on rentre tous les quatre en criant et on court partout en criant comme ça. Et avec des flammes. Et en faisant un solo de guitare. Je vais vous demander de commencer à agir plutôt que de parler devant. Ah, ce point strat qui part dans tous les sens. Bon, une chose est sûre, c'est qu'ils vont avoir des équipements pourris, des dagues rouillées, des slips en peluche et des arcs pas empoisonnés. Mais tout ça, c'est inflammable. L'ordre de rentrer, qui va rentrer en premier? J'y vais en tête avec Grunlech. Ah bon. Oui, voilà. Je vais y aller. Je passe en défensif et je sors mon bouclier. Mmh. Enfin, je sors mon bouclier. Je passe en défensif. Ok, donc. Mettez vos postures, car maintenant, c'est l'action. Moi, je suis en focus, mais je génère des flèches de glace d'avance, histoire de ne voilà, de pas perdre de temps ensuite. Après, on peut frapper à la porte et leur demander gentiment, ça se trouve. Voilà. Oui, c'est S'ils vrai. S'ils sont pas cons, ils disent, regardez l'armée qu'il y a derrière, ce serait peut-être le bon moment pour changer de maison. Ils peuvent être maison. Courtois, ouais, voilà. En infériorité numérique. Mais t'as déjà négocié avec un gobelin ? Bah justement, non, c'est le problème, faudrait commencer, quoi, parce que... On comprend pas à travers les gens. Je crois que devant, il y a un danger devant. Je crois que devant, il y a effectivement un petit danger. Vous venez de rentrer dans la tour, effectivement. Est-ce donc que... Grunlech et Manny passent devant. Quand est-ce vous rentrez dans la tour, faire un test de discrétion. Excuse-moi, Fred. Est-ce qu'on peut faire un test de discrétion juste pour que je puisse faire un roulé-boulé sur le côté? Et tu ne peux pas faire de test de discrétion parce que les gobelins sont droit en face de toi. Vous êtes en face de la porte. Il n'y a pas plus. On a ouvert la porte. On a sonné. Et le jingle. On a demandé si c'était ici qu'ils voulaient des cavaliers. Le combat a commencé. Par contre, effectivement, au moment où vous rentrez dans la tour, la première chose qui vous surprend, c'est cette espèce de puanteur d'odeur de charogne qui vous remonte jusqu'aux narines. L'intérieur de la tour est très sombre, vous ne voyez quasiment pas ce qui se passe. Il y a des squelettes, il y a des crânes à votre gauche quand vous rentrez. Il y a des caisses renversées, des tonneaux brisés un peu partout. Et il y a donc des espèces de piliers qui marquent, qui cachent la vue un peu partout dans le donjon, ce qui fait qu'il pourrait y avoir des gobelins cachés derrière les piliers. Vous ne pourriez pas les voir tant que vous n'auriez pas fait le tour. Si je puis me permettre, déjà c'est une certitude qu'il y a une embuscade, et ensuite c'est pas la moisissure, les piles de crânes, la saleté, la chair purulente et tout le reste qui me dérange, c'est le fait que les gobelins ils aient des armes nucléaires. C'est quoi ce fût d'uranium là dans le coin là ? Voilà, j'ai des petites questions. Parce que les gobelins poser. Préparent des armes de destruction massive. Mais non, c'est du mutagène, ils ont muté, c'est des tortues ninja en fait, c'est ça. Ah bon, on va pas tuer des tortues au moment... ninja. Alors, ce qui va se passer, messieurs, c'est que donc vous venez de rentrer dans la salle. Au moment où vous rentrez, les gobelins se retournent vers vous. Vous voient, sont surpris parce qu'ils ne s'y attendaient pas, même bonjour. Si ils vous ont pas entendu arriver pour le coup. Je laisse donc deux personnes agir en entrant. Simplement, je vais imposer un petit malus, c'est que les deux personnes ne pourront être que Grunlech et Mayer, vu que les deux autres, vous êtes derrière. Alors, qui on va choisir du coup? C'est pas simple. On a peut-être besoin d'un est-ce point que tu veux agir, Grunlech? C'est pas facile. Est-ce que tu veux agir, Grunlech? On peut être que qui, deux. Qui va agir en premier? Sachant que donc vous êtes loin par rapport. Je vous te avez propose vu la, éventuellement. La distance, est-ce que tu te sens capable de tanker? Grunlech. Oui, c'est des gobelins, ça va le faire. Ok, ce que je te propose, c'est que je suis ton sillage, tu fonces vers eux si tu veux te retrouver corps à corps ou si tu veux pas, tu vois comment? Tu fonces au corps à corps? Bah, je vais pas foncer comme un débile parce que s'il y en a caché sur le côté, on je va m'en occupe justement, doucement. C'est là le point B. Moi, je suis ton sillage et arrivé à peu près à ce niveau-là, je fais le tour en fait. Pour ne pas qu'il y ait de personnes sur le côté qui te prennent en tenaille. Oui, mais tu peux pas faire les deux côtés. Bah, je passe par là,
Et comme ça, et si, mais en courant très très vite, en zigzag. C'est ça, bah, comme ça Flash, j'ai... en fait. J'ai marche sur les pieds. Je veux, je veux une action. Moi, j'avance, en frappant sur mon bouclier, comme ça, et en regardant à droite et à gauche si jamais il y a des gobelins derrière les piliers. Donc, tu avances jusque. Je te laisse avancer jusque ici, maximum, donc dans un rayon d'environ 35 pieds autour de la. Moi, je vais ici. La... Très bien. Donc. Fais-moi un jet, donc attends, Grunlek, si tu es le premier, tu me fais un jet d'instinct, s'il te plaît. C'est parti. Deux. Ça passe. Deux. Tu vois effectivement, au moment où tu avances, attends, Maya, recule un petit peu, tu t'es trop avancé parce que c'était Grunlek qui était devant toi. Au moment où tu avances, tu vois qu'ici, juste derrière les caisses, il y a un gobelin qui était caché juste derrière les caisses et qui sort au moment et qui va tirer. Est-ce que je peux bondir en hurlant? Oui, je suis en défensif, oui. Tu es en défensif, le gobelin va tirer. Il rate, le gobelin rate, il tire juste à côté, tu as une flèche qui te passe juste à côté de l'oreille. Et pendant ce temps-là, donc, Maillard, toi, tu étais juste derrière, qu'est-ce que tu veux faire en arrivant ici? Est-ce que tu te caches derrière le pied? Est-ce que tu fais autre chose? Bah, s'il tire, c'est que je vois la flèche passer juste devant, donc je continue. Je suis tu continue donc, défensif. Tu avances jusqu'ici, voilà. Et pendant ce temps-là, du coup, ça va être aux autres gobelins d'agir. Donc celui-là qui est je ici... Je me baisse quand même, je reste pas les bras en l'air, comme ça, pour le prochain tour. Eh bien... Donc tu te mets à couvert derrière les espèces de tonneaux d'uranium nucléaire, qui coulent, voilà. J'ai une question, est-ce qu'ils sont inflammables ces tonneaux d'uranium? Non, non, ça beaucoup non, non. Elle est rouge, les rouges. Non, ça marche sur les nains, ça marche pas sur moi. Très ancienne, qui a disparu depuis des centaines de milliers d'années. Voilà. Ça. Alors du coup, je vais tenir compte de votre nouvelle position pour vous révéler ce qu'il y a ici. Voilà, et donc. Oh, les effets spéciaux, mon gars! Ici également, et vous voyez justement qu'il y a un autre gobelin qui était caché un peu plus loin dans la pièce. Du coup, c'est aux trois gobelins d'agir, et maintenant ils vont te sauter dessus, Grunlek, puisque tu es le premier à porter, donc je vais faire des jets séparés pour chacun. Le premier, alors ils plonge, sont 40, il plonge, ils ont 40, le deuxième a raté, et il y en a un qui a réussi, donc il y en a un qui te saute dessus, tu me fais un jet d'esquive ou un jet de parade. Un jet de blocage, est-ce qu'en fait il y en a un qui est tombé, il a glissé sur le sol, le deuxième est tombé dessus. Ça rate, et donc il te fait, pardon, pas un descendre de dégâts. 93 de dégâts, c'était quoi? Il aurait fait mal, hein. You die. Il te fait 5 de dégâts. Alors vu que j'ai 8 d'armure avec le bouclier, il ne me fait pas de dégâts. Pour l'instant, ça ne te fait pas de dégâts effectivement, mais plus les coups vont s'accumuler et plus tu risques de prendre des dégâts au fur et à mesure que le combat avance. Est-ce qu'en fait, il y a un gobelin qui est venu vers lui, il a chuté, le deuxième il a chuté sur le deuxième gobelin et le troisième a monté sur ses cadavres, voilà, et a sauté dessus pour finalement se viander au ralenti sur le comme dans 300. Ils sont très très fans de Zack Snyder en fait. C'est ça. Du coup, est-ce qu'on a assisté à la scène avec Bob Bien sûr, vous avez assisté à la scène, évidemment, et c'est à vous d'agir maintenant. Pendant ce temps-là, juste, je fais agir un des derniers gobelins, celui qui est au fond, de la salle, fait demi-tour et est en train de se barrer. Oh, il est en train de se barrer. Ah, très le bien. Flibustier. Est-ce qu'il va tenter de prévenir ses petits camarades? Donc c'est à Shin. Peut-être. Est-ce que tu veux tenter un shot Shin, c'est à toi. Oui, parce que tu peux t'occuper casse de celui qui est à gauche, tu vois, je vais pinguer, voilà, c'est celui-là que je voulais m'occuper à la base. Non, mais juste à côté, juste à côté des barils explosifs. Je vais m'occuper Shin avec mes lames que je vais manipuler avec la télékinésie. Donc occupe-toi de celui qui s'enfuit, peut-être qu'il va prévenir ses camarades. Oui, et ça, oui, il est juste oui, hors de c'est question. C'est ce que j'allais faire. J'ai pas trop confiance en toi, Mani, mais il faut que. Moi non plus, j'ai pas trop confiance en moi. Il faut souder la communauté, il faut avoir confiance, donc voilà. C'est parti, donc je vais faire un G. Pourquoi faites pas confiance à Mani? Je sais pas. 27, donc, ça passe. 27, ça passe. Enfin, il y avait du malus, je suppose, par rapport à la distance. J'allais te mettre un malus parce qu'il est extrêmement loin. Mais tu réussis à le toucher et tu vas me faire tes jets de dégâts, s'il te plaît. Donc, je suis en focus, donc c'est 1 des 6 de dégâts. Tac, 4. 4 ! 4, oh, c'est vrai. Tu réussis à le blesser très sérieusement, mais il continue à avancer. Simplement, maintenant, il rampe au sol. Il est extrêmement blessé. Il a une flèche plantée dans le foie. Si tu ne le finis pas, il risque de continuer à monter les escaliers à son rythme et en rampant. Ça peut pas être facile. Mais c'est drama, c'est Senseiya. Bob, c'est à toi. Bob. C'est à moi. Alors déjà, je vais... soupirer beaucoup. Regarde, moi, ce que je te propose, c'est que tu as un pack de 3 gobelins là, juste à côté de Grunlek. Oui, tu as Grunlek à côté. Oublie pas. Voilà, exactement. J'ai déjà mis le feu aux nains une fois, c'est bien bon, ça va, 5 minutes. Mais surtout, c'est des gobelins, tout ceci me gave. On perd un temps fou. Ce que je vais faire, c'est aller jusqu'à cette torche et planter mon bâton dedans afin d'aspirer les flammes de la torche et les mettre autour de mon bâton de manière à pouvoir faire un spell plus tard.
qui me coûte pas grand chose parce que j'aurais déjà du feu qui est là. Donc je suis à découvert et je passe mon tour à aspirer le suc. Voilà. Très bien. Deux personnes vous peuvent agir en premier pour le tour suivant. Si vous êtes OP, Yashin qui peut achever celui qui rampe. Et Grunlake pour le coup, parce qu'il est au corps à corps, ça serait bien qu'il diminue les attaques. Tu dis il peut achever celui qui rentre, mais je sais pas s'il aura pas besoin de plus d'un tour pour atteindre les escaliers ou se mettre hors de vue. Peut-être que si, remarque, tu me diras. Mais je connais le MJ, il va être assez fourbe pour le faire partir à ce moment-là. Il aurait raison, c'est justifié. Donc Shin et Grunlake, donc c'est Grunlake qui agit en premier du coup parce qu'il est au corps à corps. Je frappe. 76. Ça passe. Ça passe. Tu me fais tes jets de dégâts. Est-ce que tu es en offensif, en défensif? Non, en défensif, oui. Donc c'est un des 6. Tu me fais tes jets de dégâts, s'il te plaît. 7. Presque 5 plus 2, très bien. Le premier, tu lui exploses le crâne. C'est des gobelins qui ne sont pas très forts. Il tombe et s'effondre au sol dans une flaque de sang. Shin, c'est à toi. Ok, je vais passer en offensif directement, comme ça je fais des gammax. Il va lancer un missile sur un mec qui rampe. Voilà. Oui, mais si je rate, ça sera sur l'un d'entre vous. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça au ralenti? Est-ce que tu peux faire ça au ralenti alors qu'on a un gros plan sur la tête du gobelin et que le gobelin il ressemble un peu à Dobby? Et je mets une chaussette au bout de la flèche, c'est comme ça. À la Rambo. Tu es libre. À toi. 52, est-ce que ça passe avec le malus? Oui, ça passe. Avec le malus. Ça passe, un malus de 10. Malus de 10, ça passe. Ah oui, ça passe, tranquille. Un malus de 10, ça passe. Donc, dégâts max, tu lui plantes la seconde flèche dans la tête. Il finit de ramper au sol et de se vider lentement de son sang. Maintenant, c'est aux autres. Dans le coup, pour lui, c'est le temps de finir de mourir. Il lui coupe la tête avec un gobelin d'agir. Un bout de liquide. Et pour commencer, celui qui est juste ici, qui va avoir donc, qui va tirer sur Mani et qui a un malus de 10 pour toucher parce que Mani donc, m'avait dit qu'il était à couvert. Au dernier tour. Derrière le baril. 4. J'ai trouvé leur chef. Il a un petit wall hack, le gobelin. Est-ce que je peux tenter un truc genre une parade de l'impossible ou T'es en défensif. Est-ce que tu es en défensif? Oui, je suis en défensif. Tu es en défensif, donc tu dois tenter une parade de l'impossible. Une parade critique. Une parade critique, peut-être. Ah bah 93 presque. Il passe presque pas du tout. Tu as pas fait le bruit de la parade, t'as fait Tu te prends donc du coup, il te fait les dégâts max, c'est-à-dire 6 de dégâts. Très bien. Sauf que comme il est en critique, c'est x2. Très bien. C'est 12, il était en offensif. Oui. Les archers sont tous en offensif. C'est bien le premier dégât que tu manges, 12. Bonjour. 12, tu es à, donc avec ton armure de combien? Avec mon armure de 9, activée avec mes lames, donc je prends 3. Tu prends 3 points de dégâts. Oh, c'est shonen. C'est comme les trucs de foot, tu sais, où t'as les 3 lames qui bloquent la flèche. C'est exactement ça. Et la pointe rentre dans mon flanc. C'était ça, le crâne, en fait. Tu te fais traîner, mais derrière la ligne des buts, tu sais. Et tu as mal, Mani, tu as particulièrement mal et tu vas te prendre aussi parce que je suis un enculé. Je suis un enculé jusqu'au bout. Je vais te mettre en plus un carton jaune en puissance. D'accord, très bien, c'est légitime. C'est tout à fait légitime. Malus de puissance. Absolument. Pendant ce temps-là, sur Grunlake, les deux autres gobelins attaquent. Le premier rate et le second rate. Ils sont impressionnés par ce qui est arrivé au troisième. Il y en a... Non, les deux rates. Donc, Grunlake, tu réussis parfaitement à esquiver les coups maladroits des gobelins. Et pendant ce temps-là, celui qui est ici fait également demi-tour et commence à se barrer vers les escaliers en voyant que le combat est en train de tourner à son désavantage. Bob. C'est à vous, messieurs. Alors, est-ce que je peux, moi, du coup? C'est à Shin et Bob. Parce que là, Shin a déjà agi en premier. C'est à vous de jouer. Mani et Bob. Bob et Grunlake. Oui, non, t'as raison, excuse-moi. Du coup, moi, si je peux, je vais tenter la. Vu que je l'ai chargée, elle est belle, essayer le petit tir, tu sais, qui sera pas mal. Si je peux faire un trait de feu avec ce que j'ai accumulé dans son dos, ce serait pas mal. Tu peux, mais il me faut un jet de mental. De mental, impeccable, essayons. 41, ça passe, bien évidemment, je fais ça d'un air nonchalant. Ça passe, donc effectivement, tu lances une espèce de trait de feu. De mini boules de feu, donc avec l'énergie que tu avais accumulée sur ta cible. Le token ne veut pas venir, mais c'est pas très grave, on en a pas besoin. C'est pas grave.
Il est là, donc, Tocatis, qui a fait popper là. Il est là, il est où? Oui, effectivement, voilà. Allez, hop, regardez, c'est joli. Voilà. Oula, 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 oula. Attends, j'en ai pas accumulé c'est autant. C'est ça, un petit trait de flamme. Oh la vache. Ouais, parce que donne-moi un briquet, je suis dieu, mon gars. Donc, le gobelin, on va même pas faire un jet de dégâts pour un trait de flamme. De toute façon, le gobelin n'a pas de résist magie. Il s'effondre au sol et commence à brûler. Oh, il roule et il hurle, et attends, il n'est pas libre. Du coup, on pourra goûter le gobelin grillé, c'est parfait. Ah ouais. Effectivement, ouais. Pas mal, pas mal. Mani. C'est bon. Du coup, Mani. Je me retourne parce que je me dis que la blessure critique doit vraiment inquiéter le reste du groupe. Et je constate que, bah non. Du coup, je regarde celui qui m'a attaqué. Je me mets en focus, à l'air un peu triste. Et j'envoie mes trois lames. Tu es un petit peu loin pour attaquer avec tes lames parce qu'il est quand même avec la télékinésie de toi. Je les manipule avec la télékinésie, je les envoie. Je sais très bien que tu les manipules avec la télékinésie, mais c'est pas non plus une télékinésie qui porte à 10 mètres. Je vais donc te demander quand même de faire un jet de finesse pour réussir à passer par-dessus les caisses avant de pouvoir faire ton jet d'attaque. D'accord, pas si de problème. Si tu te casses la gueule, alors, est-ce que si je constate que je me prends le pied sur une peau de banane, est-ce que je peux ne pas attaquer au dernier moment? Genre c'était... Et non, le problème, seulement c'est si tu pinces ton nez de clown comme ça. Les deux vont avec. Donc okay. Ah, je suis un connard. Ah non mais... C'est valide, je le fais. La finesse. Allez. Ah bah non. C'est ta blessure. Voilà. Tu essayes de sauter par-dessus le tonneau. Oui. Tu te alors, juste, je résume. Je résume. J'aime bien parce que. Je résume. Il commence, commence avec la musique d'Assassin's Creed. Il court. Puis il se viande dans les tonneaux. C'est exactement ça. Je suis en offensif. Donc j'ai plus aucun couvert. Je suis en hauteur. En focus, tu as dit. Non, je suis en offensif. J'ai, ah, t'as dit je focus, t'es trompé alors. Mais c'est pas grave. Je pensais offensif. Bon, offensif, oui, c'est plus logique. C'est à ça que je pensais. Donc du coup, je suis en hauteur. Il a son arc, je suis les mains en l'air et je suis en train de me déshabiller. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que tu rates ton jet de finesse. Au moment où tu mets le pied par-dessus la caisse était pourrie et ton pied passe à travers, tu t'enfonces dans la caisse. Je hurle, et Dr. Jones, Dr. Jones. Tu te retrouves littéralement nez à nez avec le gobelin qui a l'arc braqué sur ton visage pendant que toi, tu es dans l'impossibilité du coup d'attaquer pour ce tour. Kronnek. Nouveau tour. Oui. Ok, bah on va continuer de s'occuper des gobelins. Allez hop, c'est parti. Si je peux sauver Mani. 85, ça passe. Juste. Ça passe. J'avais deux personnes, donc c'était Grunleck et Shin. Si je peux sortir bien Mani sûr. De ce. À savoir, Mani, que je ne peux absolument pas t'aider parce que tu n'es pas dans ma ligne de vie. Je sais même pas que t'es blessé en fait. Non, bah y'a personne qui le sait. Tu vas me faire tes jets de dégâts si tu es en défensif, s'il te plaît. 8! Oh, dégâts max! 8! Annihile le second gobelin qui s'effondre le crâne brisé. Est-ce qu'il lui met un uppercut? Est-ce que le troisième il commence pas un petit peu à flipper? Je vais faire un jet, bonne idée, je vais faire un jet de mental. Courageux ou idiot? Ou 50, il reste. Il reste contre lui. 50! Oh la vache! Il se dit qu'il a sa chance. Ouais, t'as toutes tes chances, Billy. Shin, pour l'amour des glaçons, Shin! C'est à Shin, c'est à toi d'agir donc. Tu as une ligne de vue si tu veux, effectivement, tu as une ligne de vue. Simplement, la ligne de vue est un petit peu obstruée, donc je te mettrai un malus de 10 si tu veux toucher le gobelin qui est derrière la caisse. Si tu me sauves la vie, je te récompenserai comme il faut. Un peu obstruée, la seule chose qui lui bloque réellement la ligne de vue, c'est la torche, éventuellement, et cette caisse, en fait. Mais, Sinon, il doit y avoir du morceau de gobelin qui dépasse. Plutôt que de sauver Mani, vu que c'est ton tour, si tu cours vers le gobelin, tu peux être le premier à goûter le gobelin grillé. Non, vas-y, fonce. François Cornélien, fonce vers le gobelin. Dans ce cas-là, tu feras face à ma colère parce que c'est mon gobelin, c'est mon kill, c'est vrai, moi qui le mange. Il peut péter une cuisse quand même. Égoïste. Oui, bien sûr, mais allez, d'abord moi. La bouchée du roi, faut pas. On va aider Mani quand même, Allez, c'est parti, attention. Oh, je reste en offensive, sinon pour préciser, donc je bouffe quand même. Allez, un bon échec critique. Et un bon échec critique, ça fait une brochette de Mani. Allez, c'est parti, 57, ça passe. La base, donc tu es en offensive, donc offensive, tu one shot le gobelin qui se prend une flèche directe dans la tête. Il ne reste plus qu'un seul gobelin qui est au contact avec ma diversion Grunleck. Est parfaite. C'est à moi d'agir ce coup-ci. Est-ce que je vais réussir? Je vais rater. Je fais 48 sur 45. Du coup, c'est encore à vous d'agir pour finir. Il reste Bob. Sinon, on avance épuisé... directement à mon attaque vu que c'est du corps à corps. J'ai déjà épuisé cette. Ce que je vous propose de toute façon, vous êtes 4 contre un gobelin, donc on va laisser Grunleck. On sait jamais. J'ai raté. On sait jamais si Grun. Tu as raté. Oui, j'ai raté. Très bien. Donc pendant ce temps-là,
vous êtes un petit peu coincés, les autres, hein, vous ne pouvez pas trop agir vu que Manny a un pied enfoncé dans une caisse. Bob et Shin, votre ligne de vue est obstruée justement par la présence de Grundleg. Donc c'est un corps à corps final entre le dernier gobelin et Grundleg qui rate également. Donc c'est un combat splendide. J'ai réussi, je le touche. Tu le touches. Et je lui fais encore dégâts max. Vas-y. Oh, et c'est dommage. Parce que ce gobelin, il vivait le moment où tu as tué tous mes amis. Je vais les venger, vous. Il esquive. Ah, j'ai déjà vu ton attaque. Tu ne peux pas. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es un gobelin. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est il y a cru, tu vois. Vous finissez le combat. Vous avez tué quelques gobelins. Et le silence revient lentement à votre étage. Parce que à l'étage au-dessus, tout le broussouf qui s'est passé au rez-de-chaussée a attiré l'attention et vous entendez des... comme des espèces de cris incompréhensibles. Je crois que... Oh mon dieu, un meeting du Front National. Je crois que les gobelins on se mettent collectivement. Manny à sortir de sa caisse. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au moment où ils arrivent au pied des escaliers au bout, je leur dis, les gars, on les suppose que Manny garde sa caisse dans sa jambe. Une jambe en caisse comme ça maintenant, pendant toute l'aventure. Ça fera une grande armure. Vous aidez, tu peux te cacher comme dans certaines choses. Vous aidez Manny à sortir de sa caisse. Manny qui est un petit peu blessé, hein, du coup, qui a un morceau de flèche planté dans le flanc. Alors, je casse le bout de la flèche comme ça. Tu me diras, attends, c'est pas si grave. Dehors, on a une collectivité de paladins qui sont capables de caster des choses. J'aurais été anti-jeu. Est-ce qu'on est sous le wifi ici? Est-ce que ça capte? Vous êtes à portée de Castelblanc, effectivement. Ah, donc ils pourront te soigner dehors, oui, tu vois, pleure pas, oui, tout va bien. Effectivement. Donc, est-ce que vous avancez donc vers l'étage suivant? Vous n'attendez pas plus de temps. Il n'y a pas grand-chose à fouiller à cet endroit. Vous passez juste, effectivement, à côté d'un feu. Les gobelins étaient en train de préparer à manger. Ils étaient en train de manger du chien, si ça vous intéresse, puisque vous avez un cadavre de chien qui est assez frais, qui est juste à côté. C'est quelle race, ça dépend. Moi, les labradors, j'aime bien, mais le reste... Ah bah oui, c'est plus simple. Alors, juste au passage, par contre, Fred, je vais prendre quand même encore une torche et en réabsorber une qui passe au passage, parce que c'est bien pratique, en fait, ça. Moi aussi, je pense à Focus. Et je génère des flèches de glace. Maintenant qu'on voit la salle entièrement, est-ce qu'il n'y a rien qui nous attire l'œil de particulier? Oui, il y a une chose qui vous attire l'attention. Je ne vous fais pas faire de jet car c'est une chose assez imposante. Il y a une espèce d'immense tas de squelettes. Certains sont ensanglantés, certains ont les os brisés ici sur le côté là où je ping. Gros charnier ça, j'imagine c'est pas pour nourrir les gobelins. Il y a surtout ce qui vous inquiète plus, c'est qu'il y a des espèces de marques de dents, les os sont brisés comme s'ils avaient été vraiment, comme si on en avait sucé la moelle, comme s'ils avaient été aspirés. Voilà. Donc, je vous propose directement donc, de passer à l'étage suivant. Messieurs, donc, vous arrivez au troisième étage. Je vous ai fait sauter le deuxième étage. Pourquoi? Parce que le deuxième étage était effondré. Vous direz, non, vous êtes à la sortie de l'escalier. Attends, on l'a sauté, mais littéralement. C'est-à-dire, c'était écroulé, mais on s'est... le saut de 14 ans. vous l'avez passé, il n'y avait rien à voir. Les murs étaient écroulés, le passage était effondré. Donc, vous êtes directement passé au troisième étage. Vous arrivez à une espèce d'étage ouvert. C'est-à-dire que vous voyez ce qu'il y a en bas, en fait. L'étage est soutenu par des pylônes. Et il y a des armes de siège disposées aux quatre coins de l'étage. Vous sentez que c'est ça dont vous avez parlé, Victoria. L'emplacement de cette tour est stratégique puisqu'elle permet de contrôler le pont qui mène jusqu'à Castelblanc. Et justement, quand tu contrôles Fort Tigre, tu contrôles l'accès à Castelblanc puisque tu contrôles les armes de siège qui sont à l'intérieur de la tour. Il y a des scorpions. C'est donc surprenant. On aurait pu penser qu'une position militaire aussi importante, alors que des zones de tension allaient se développer entre deux pays qui allaient inéluctablement peut-être rentrer en guerre à cause de conflits d'intérêts, aurait peut-être pu être saisie par une armée et non pas par des mercenaires. Non, continue avec ton scénario. Très bien. Ou tu me mets un désavantage, s'il te plaît. Direct. Donc voilà, par contre, ce que vous avez entendu en montant les escaliers, pendant que vous étiez en train de monter au deuxième étage, c'est qu'il y avait des gobelins ici il y a quelques minutes et que visiblement, ils ont tous filé vers l'étage au-dessus. Il reste un étage, c'est pas le toit, c'est pas la charpente. Non, on n'est pas encore sur le toit, il reste encore un autre étage plus le toit. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le rapide tour de celui-ci pour voir s'il y a des saloperies qui traînent? C'est ça, il n'y a rien à voir ici. De toute façon, comme je vous ai dit, vous avez une vision absolument sur tout ce qu'il y a, parce que l'étage est très ouvert, parce que c'est un étage qui est fait pour poser des armes de siège et des archers. Donc il n'y a pas d'ennemis ici, vous le savez. Alors, par contre, il y a du matériel à récupérer ou pas? Non. Il y a des conneries, il y a de la viande, il y a quelques instruments. Si vous voulez fouiller, je vous laisse faire. Mais Bob, surtout, tu vas me faire un jet d'instinct. D'instinct, de savoir? Oui, d'instinct, et juste toi. D'instinct. Ok, très bien. 1. Oh, les mecs, on sent ce scénario, on dit quelque chose.
quelque chose. Bob, tu ressens qu'il y a une émanation magique, une émanation nécromantique peut-être même, qui vient au-dessus. Et tu sens que depuis quelques minutes, il y a peut-être une invocation qui est en train de se faire. Tu sens qu'on vient de, poser un cercle magique au sol, littéralement. Oh là, tu ne sais pas ce qui se passe. moche. Là, par contre, je vais prévenir les potes. Parce que je veux bien aller taper sur du gobelin, voire sur une grosse créature gobelin, genre un ogre ou une connerie comme ça. Mais si ça commence à invoquer du démon ou si ça commence à invoquer des morts vivants, faut qu'ils soient un peu au courant. Donc messieurs, si je vous ai emmené... a très bien fonctionné tout à l'heure. En voyant Mani devant se faire taper et on arrive derrière. Je le sens bien, mettre je une sens petite très couche. Là, il y a peut-être un truc nécromantique, donc l'inverse total de la lumière, tout ça. Mais encore une fois, on envoie les aventuriers et c'est non, pas non, les attends. Paladins. Mais oui, parce qu'on peut les supprimer de l'histoire. C'est ça qui est bien. Les garder tout le monde. Paladin, c'est fonctionnaire si tu préfères. Il est 17h. Pour leur excuse, c'est plus l'heure. Pour leur excuse, ils ne savaient pas qu'il y avait des saloperies nécromantiques dans la tour et pensaient qu'il n'y avait que des gobelins. Donc ça, je peux comprendre. Par contre, je propose un changement radical de plan. Je propose de préparer un sort, de passer devant, d'envoyer la sauce comme une grenade flash et ensuite vous y allez en Space Marines. Non, et je vous suis pas d'accord. Là, par contre, faut ici. Parce que tu sais pas, ouais, ça se trouve, il y a déjà un sort ici. Prêt où tu vas marcher sur un truc, un piège ou n'importe quoi, non, la fois ici. C'est pas bête. C'est ne pas serait-ce bête, que pour faire une diversion, pour les prendre par surprise. Enfin, oui. Non. Exploser. Le Nabo a raison, je dis oui. Oh. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Ah, ici. Moi, je mets mon pied dans une autre caisse pour équilibrer. Ou Mani ou Aïssi. Ou alors, comme dans Ratatouille, Aïssi sur la tête de Mani en train de tirer ses cheveux. Ouais, ça peut être drôle. Mais non, on va faire ça. Voyons ça. Tu invoques Aïssi, donc tu me fais un jet de mental, Shin, s'il te plaît. Ok. Donc, le mental. Ah ouais, un jet vanilla, donc pas de. Oui, un jet vanilla, de mental. Oh, raté. Merde, attends. Par contre, ouais, non, pour invoquer ici, je faisais jamais de G, ouais, il y a eu la même problématique. Non, mais c'est juste que ça te prend un petit peu plus de temps, en fait, que d'habitude. D'accord. Ce qui va peut-être laisser aussi plus de temps à l'ennemi pour se préparer. Ça tombe bien. Ah bah, là, ils ont eu le temps de construire un trébuchet, là. Ils ont déjà une économie qui fonctionne. Donc, tu invoques ici et tu l'envoies à l'étage au-dessus. Et donc, je vais te révéler uniquement à toi ce qui va se passer. Et tu auras la charge de le décrire aux autres. Shin, lorsque Icy arrive à l'étage au-dessus, alors il est tout petit, je ne te fais pas faire de jet de discrétion pour la simple raison qu'il ne fait pas plus que la hauteur d'une marche. Du coup, au moment où tu arrives à la salle au-dessus, ce que tu vois, c'est qu'il y a trois ou même quatre squelettes qui entourent un espèce de gobelin qui a l'air un peu plus fripé, un peu plus moche que les autres. Un gobelin qui est en robe et qui est visiblement en train d'invoquer un espèce de larges cercles. Un cercle de runes qui est en train de briller au centre de la pièce et quelque chose est en train de se matérialiser, quelque chose de très très gros. Alors oui, chers amis, j'ai détecté là-haut une espèce de gobelin un peu spécial, bizarre, enfin encapuchonné avec une robe et qui est en train d'invoquer quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un cercle runique au C'était milieu de la pièce. C'était pas leur chef que j'ai affronté? Non, hélas, il est un peu plus puissant, mais de très peu. Il est entouré de 4 squelettes et je n'en sais pas plus sur le reste de la pièce, donc ça serait bien de faire une action coordonnée pour essayer de ce serait surtout bien de se manier le fion, parce que s'il invoque 4 squelettes et qu'il invoque un truc encore plus gros avec un cercle à ses pieds et que c'est un chaman, c'est encore plus la merde, donc c'est allons-y. Et je sais pas s'il y a d'autres gobelins dans la pièce, donc voilà, il faudra agir très vite. De toute façon, contre les squelettes, il faut du contondant, donc il faut absolument Grunleg devant, il y a absolument... Voilà. Oui, c'est pour ça que je peux pas agir, mais moi je propose d'envoyer Icy comme une dératée, comme une kamikaze en fait, et foncer directement sur l'espèce de chaman, quoi. Ça va rien faire. Faut qu'on arrête de faire se péter nos familiers parce que. Oui, je sais. Au moment où on monte, pour pas qu'ils aient l'effet de surprise, enfin qu'on ait c'est un petit effet de surprise tout léger. Qu'il y ait un petit décalage en fait pour que voilà, ils soient un peu alertés. Vous allez donc monter dans quel ordre? Icy, Grunleck et Mani, et en couverture Shin et Bob. Shin, au moment donc où tu donnes l'ordre à Icy de foncer, tu vas me faire donc tout de suite un jet de mental pour voir si ton ordre est bien compris. Tu veux que je fasse quoi? 99. Que t'ailles mourir pour la gloire. Que j'aille acheter de gloire. Oui.
Donc, tu as Icy. Fais-moi avancer Icy un petit peu. Tu le fais avancer jusqu'au milieu de la pièce. Il avance tranquillement, nonchalamment, les mains dans ses petites poches de glace. En hurlant, il a pas très bien compris. Ils sont dans les escaliers. Il a pas très bien compris. Et il titube comme s'il était bourré en fait. Il a pas très bien compris ce que tu voulais lui dire. Par contre, tu vois toujours à travers ses yeux. Ce que tu vois, il peut baisser le slip du chaman comme ça. C'est ça que tu voulais. Au moment où Icy se montre en faisant coucou, c'est moi, je suis Icy, avec sa voix, avec la voix de Fistio au passage. C'est ça. Tu vois à travers ses yeux que l'invocation est terminée. Un énorme troll apparaît au milieu de la pièce. Oh. Les aventuriers sont toujours en train de nettoyer Fortigre pour que les forces de Castelblanc puissent en prendre possession. Cette position stratégique permettrait de dissuader Kirov de lancer une attaque directe contre Castelblanc et ainsi permettrait de repousser la guerre qui semble inévitable. Mais un énorme troll se dresse sur leur chemin et Icy, comme à son habitude, a fait une énorme boulette. Je sais pas qui va y aller en premier, mais j'aimerais pas être à sa place. Messieurs les aventuriers, et notamment Shin, ton lien mental vient de se briser avec Icy sous le coup énorme d'une massue d'un troll qui l'a littéralement explosé en des milliers de petits fragments de glace. Et toi, Grunlek, tu arrives là, pile à ce moment-là, où Icy vient de se faire exploser, et tu as des flocons de neige comme ça. Sans savoir qu'il y avait que là où il y avait un cercle runique il y a quelques secondes, maintenant, il y a un énorme troll qui te vous regarde. Vous m'aviez pas prévenu pour le troll, là, hein. Je sais pas, Icy m'a dit splouch. Je laisse deux personnes parmi vous agir en premier et ensuite c'est à moi. Alors, j'aimerais proposer. Si on suit la cohérence, ça devrait être Grunlek et Mani, puisque ce sont les deux qui sont arrivés en haut de l'escalier en colimaçon. Donc je vais agir parce que je suis tout devant. C'est qui la deuxième personne qui va agir avec moi? Mani. Justement. Du coup, c'est Mani, ouais. Normalement, ça devrait être moi. Parce que je suis le deuxième qui sort, mais je propose un truc alternatif. S'il y a quelqu'un qui peut faire ça derrière et qui peut tirer à distance, soit Bob avec du feu, soit Shin, moi avec mon corps défendant, j'active donc mes machettes par télékinésie pour faire rempart. Grunlek, il fait son action et comme ça, ça permet à celui qui est derrière d'être à la fois couvert et de produire son attaque en espérant que ça passe. Je te l'accorde, mais par contre, du coup, c'est comme si tu faisais une demi-action de plus. Je suis toujours en défensive, c'est-à-dire que je sers comme ça de caisse et je n'agis mais pas. Est-ce que tu, voilà, donc, mais tu vas quand même couvrir le personnage. Je n'agis pas, c'est-à-dire je reste devant. S'il y a quelqu'un qui doit se prendre un coup, ça va être d'accord. Moi. D'accord, très bien. Donc vous avez fait le choix, ça sera donc Shin et Grunlek, et c'est Grunlek qui commence. Ok, donc je vais tenter ce fameux jet. De Rocket Punch à distance en offensif. C'est parti. 62, ça passe. Donc full damage. Donc tu fais combien exactement? Alors c'est 6 plus 2 en temps normal, mais je crois qu'il y a un bonus quand c'est le Rocket Punch. Je crois que c'était plus 2, mais je me souviens plus exactement des règles. Il me semble que c'est ça, donc c'est 10 de dégâts. Donc tu lui fais 10 de dégâts, très bien, je note, sachant que. Avec le la force troll... d'impact en plus de la distance, donc peut-être que ça peut le déstabiliser un petit peu. Mais c'est un troll, donc je pense que. C'est... Une chose est sûre, ça va le surprendre. Une autre chose est sûre, ça le vénère. Vu ma hauteur, je pense que mon point est un endroit particulier qui peut potentiellement l'embêter. Je note du coup les dégâts que tu as fait, sachant que tu as senti une petite résistance au moment où tu as frappé. Sa peau est très dure, donc il a pris des dégâts. Ça pourrait tu aussi dire que c'est une femelle. Tu sens qu'il a encaissé le coup, mais peut-être qu'il a aussi un petit peu amorti. Chine. Du coup, je vais rester un offensif et je vais essayer de lui viser la tête. Donc soit au pire je l'éborgne, soit je lui fais un headshot. Et parce que voilà, si je fais une réussite critique, bon je demande, mais ça je devrais pas demander. Délicieux. Est-ce qu'il pourrait tomber sur le chaman derrière en fait et se décaster en même temps? Il n'est pas encore assez affaibli pour qu'une réussite critique puisse vraiment faire mais ce genre rien, de choses. C'est l'œil, c'est à part si. T'as quelques scénarios. Voilà, bah là, évidemment, je parle de la situation, le cas de toute où façon, tu réussis. De toute façon, critique, on sait tous que tu vas rater. Tu as un malus de 30 pour les yeux. Bien évidemment. Ok. Donc là, 90, donc 60. 60 si je reste en offensif. Donc c'est parti. 60, honnête. 80, évidemment, dans le coin. 80, tu rates. La flèche passe à côté de la tête du troll. Tu avais essayé de viser les yeux. Ça aurait été peut-être plus sage de viser le corps, tout simplement. Et du coup, c'est à moi d'agir maintenant. C'est ça, quand on fait confiance au reste de l'équipe. Le troll avance lentement vers vous.
Il n'est pas encore à portée de vous ce tour-ci. Par contre, il le sera à partir du prochain. Les archers qui sont sur les côtés, vous voyez ici, il y a deux archers gobelins sur les côtés. Vous les voyez qui commencent à essayer de se disperser. Ils sont en train de se répartir ailleurs dans la salle pour pouvoir mieux vous viser au prochain tour. Tandis que de son côté, le mage gobelin, lui, ne fait rien. Il se contente de regarder. Tu ne sais pas trop pourquoi. Peut-être est-ce parce qu'il ne peut pas agir tant que son invocation est active. En tout cas, tout ce qu'il fait, c'est de rapprocher les squelettes de lui pour faire une espèce de bouclier. Et peut-être qu'il a plus de mana aussi. Hein, parce que faut pas déconner, ça reste un gobelin, il a des limites. Peut-être qu'il a claqué. Attends. Si on en établit par rapport à ce que j'utilise pour invoquer un cheval, ouais. 4 squelettes et un troll, alors que c'est un gobelin. Il a peut-être toute sa vie attendu ça, il a économisé, il a des potions de mana partout. Ou peut-être, après, c'est si le jour, le wifi de c'est le moment peut-être que lui connaît un MJ qui peut l'aider à faire des sortilèges. Je pense qu'il a glissé sa petite enveloppe, tu as été bien. Ou peut-être qu'il a des gemmes, ou peut-être qu'il capte bien le wifi de Castelnau, effectivement. Oui. Qu'on s'en fout et qu'on va essayer de lui bourrer la gueule. Je pense qu'il vaut mieux prévoir le pire et se dire qu'il a encore de la mana plutôt. J'ai fait preuve de pitié pour vous, je n'ai même pas attaqué ce tour-ci, je suis vraiment un MJ vraiment trop gentil. Mais par contre, au prochain tour, je vous défonce. Allez, d'accord. À vous d'agir. Oui, parce qu'il y a des archers sur les côtés aussi, on les a pas vus les cocos. Ouais, les archers n'ont même pas tiré. Bah, ils attendaient de voir, ils ont vu un rocket punch, il y a un troll, même eux ils sont du coup, en spectacle. Ceux qui n'ont pas agi au début du tour peuvent agir maintenant ? Exactement. Très bien. Bob et moi donc, bah du coup, moi je suis en défensif ici. Grunlek, est-ce que tu comptes du coup te déplacer ou est-ce que tu vas rester ici tanker ? Oh, je vais tanker. Ok, bah moi je vais faire le tour, je vais aller essayer de m'occuper de... Je vais faire le tour, d'accord ? Je vais essayer de m'occuper de ceux qui tirent à distance peut-être. Par où est-ce que tu vas passer ? Par la droite. Sur ma vie. Ici. Tu vas passer donc par la droite, donc tu essayes de contourner en restant à l'abri derrière les pylônes pour te servir de couvert derrière les, pour les archers. Absolument. Très bien. Parce que l'idée c'est de m'occuper de celui-là. Sachant que, évidemment, l'archer qui va tirer sur Grunlek, Grunlek n'étant pas vraiment comparable au niveau de l'envergure par rapport au troll, du coup, je vais plutôt essayer de prendre de l'avance, d'anticiper sur les prochaines actions pour m'occuper de ceux qui pourront nous opposer résistance avant d'arriver face au chaman. Ouais, tu fais le fufu quoi. Va les assassiner. Je ne te fais pas faire de jet effectivement parce que le troll était en train de se déplacer au moment où tu as décidé de bouger, donc pas besoin de faire de jet de finesse. Ensuite, c'était à qui d'agir ? C'était à Bob. À moi. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Moi, je vais arriver, tu vois, dans la cage d'escalier en poussant un peu Chine de l'épaule et. Non, je vais tirer avec mon bâton directement dans le torse. Charge-le d'abord, comme un fusil à pompe. Non, mais c'est... Alors, c'est, tu vas tirer avec ton bâton, mais je te mets un malus de 5 à l'échec critique, parce que Grunlek est juste à côté. Alors, sachant que je me suis mis en offensif, je l'ai précisé, mais c'est ça semble délicieux, ce qui va arriver. Écoute, no. 82, est-ce que ça passe ? 80 de mental... Non, ça ne passe pas, malheureusement, ça rate pas. De pas grand-chose. Ton trait de feu passe juste à côté et vient s'écraser sur le plafond de l'étage. Où on est des stormtroopers tous les deux, on est au fond du couloir. Il vous faut une cible plus grosse, c'est quoi le... Nouveau tour. Alors par contre, vraie question, autant c'est un troll, mais est-ce qu'il a vu passer le trait de feu, est-ce que ça l'a surpris ? Peut-être non, que le... même ne serait-ce pas. Que pendant... C'est un troll, il est stupide. D'accord. Nouveau tour. Deux parmi vous, ça va jouer. Ah bah du coup, faut que j'agisse pour passer en défensif, hein, c'est obligatoire. Et moi, Proms, secondo, je vais retirer un coup d'air. Le premier c'était pour viser. Okay. Je vous conseille tellement de réussir à faire un truc à ce tour-ci. Ah bah oui. Ok, bah moi je passe en défensif et je continue d'essayer de le frapper. Il passe en défensif. Voilà. Fais une roulade, esquive-le, je ne sais pas, déplace-toi. Ne reste pas en ligne droite devant moi. Viens là le troll, viens, je t'attends. Donc tu as passé en défensif, tu modifies ton icône s'il te plaît pour montrer que tu es passé en défensif. Et tu vas me faire tes jets de dégâts si tu essayes de taper le troll. Fais tes jets de parti, donc j'enlève l'offensif, je mets le défensif et j'essaye de le toucher. Je fais un magnifique 23, tel Michael Jordan, je le touche. Tu me fais tes jets de dégâts. Dunk. Vas-y, dunk-le. Mais jette dégâts et je fais un 8 dégâts max. Voilà. 8 Putain, c'est Little Mac. Non, mais dégâts, tu lui mets des patates insane, là quoi. Tu lui mets des patates. Donc j'avais précisé les coucougnettes, hein, n'oubliez pas. Hein. De toute façon, c'est tout ce que tu c'est tout ce que tu peux atteindre. J'ai bien noté les dégâts, effectivement. Donc tu as mis un coup au troll assez sévère. Il grogne un petit peu et te regarde. J'ai mis 18 pour le moment. Il est pas content. Ou peut-être pas, encore une fois, j'ai dit que peut-être il avait une armure.
Oui, oui, oui. Ensuite, c'est à qui d'agir. Slip clouté. C'est à Bob. Alors, ce coup-ci, je me remets mieux. Hein, je me remets un tout petit peu plus devant parce que j'étais dans les escaliers. J'étais pas sur mes appuis, là. J'étais pas bien. Et là, du coup, par contre, je vais lui en balancer un. Pareil, un spell qui va me coûter de la mana. Donc 3 points parce que je suis toujours en offensif. Et d'ailleurs, je demande même à y mettre 4 points, quitte à reprendre le malus à l'échec critique, histoire de le supercharger un petit peu. Parce que c'est vexant d'avoir des sorts qui. Tu auras toujours un malus à l'échec critique, plus 5, toujours. Pas de soucis. Et bah, du coup, dans ce cas, je le supercharge à pas 3 points de mana, mais 4, hein, histoire de le saucer un petit peu. Offensif, bam! Plein torse, 36, merci. Ça fait. Alors, combien fais-moi tes jets de dégâts? Alors, normalement, c'est offensif, et normalement, l'enfer sur Terre fait 6 points de dégâts par tour lorsque tu t'y trouves, mais c'est situationnel aussi, parce que ça dépend des résistances magiques, ça dépend des créatures, ça dépend aussi si c'est du. Mais là, pour le coup, j'imagine que ça ne le tue pas d'un coup, mais je l'ai superchargé, je rappelle, avec un point en plus. Ok, donc le feu est en train de se répandre sur la peau du troll qui vous regarde, mais malgré tout, il n'est pas affolé, il n'a qu'une seule chose dans ses yeux, c'est Grunlek, il a envie de te tuer, ça va être à lui d'agir. Et il est en feu, il est pas paniqué. Tu as un troll en feu qui lève une massue énorme qui se prépare à l'abattre sur toi et ça passe. Mais je veux quand même essayer de petite esquive tout ça, je suis en défensif. Oui, je te conseille. C'est le moment de réussir. C'est le moment de réussir, vas-y, vas-y, donne tout, vas-y, vas-y, 68, oh non, je crois que ça rate de 3. Non, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ça moi, je suis content, parce que si tu l'avais réussi, tu l'aurais esquivé, c'est moi qui me le serais bouffé derrière, tu vois, avec la portée de sa massue. Tu rates l'esquive. La massue, elle est en feu ou pas? La massue n'est pas en feu, c'est juste le troll qui est en feu. Je lance mes dégâts, 1d12 plus 4. Allez, vas-y. 14 points de dégâts. Moins 8, je prends 6. Je prends 6. Prends 6 points de dégâts dans la face. Une énorme. Une énorme manchette dans le flanc qui, par ailleurs, t'envoie jusqu'ici. Tu pars. Voilà, ça y est, on peut encore voler les nains, quoi. Non. Ça, non, attends, Grenek là. Pour l'équité de la chose. Qui que ce soit dans le groupe, aurait été propulsé à la même distance. Et même, j'ai envie de dire, t'es peut-être propulsé le moins loin parce que nous tous, c'est toi le plus lourd. Donc, quelque part, tu vois, il y a. Grunlek, tu viens t'écraser contre ce pilier ici. Tu es sonné, tu me mets un carton jaune en puissance au passage. Très bien. Oh, est-ce que le pilier il explose comme dans Saint Seiya, tu sais, la maison de. Ah ouais, oh. C'est stylé, quoi. Pendant ce temps-là, ça va être aux deux archers d'agir. Maillard, l'archer qui est juste ici, essaye de te viser. T'es à couvert, donc je lui mets un malus de 20, c'est-à-dire il n'a que 10% de chance de te toucher. Il réussit, il rate, du coup. Quant à toi, Grunlek, l'autre gobelin qui est ici vient de te voir atterrir à quelques mètres devant lui. Il essaye de te toucher également, mais tu es à couvert. Et il rate également, malgré à cause du couvert. Et t'es à couvert sous les gravats, en fait. Je suis caché. Voyant que la situation est en train de tourner en leur faveur, le mage gobelin qui est au fond de la pièce envoie ses minions. Il en envoie deux dans votre direction, à Bob et à Shin. Donc vous avez deux squelettes qui sont en train d'avancer dans le dos du troll. À vous de jouer. Bon. À toi de jouer. Shin, bon bah nous de mourir. Mani. Ok, Mani, tu veux faire un truc, moi je veux faire un truc. Donc dis-moi si. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux faire un cross-up, tout simplement. Je veux faire un saut élémentaire et atterrir de l'autre côté, enfin, le plus loin possible, passer au-dessus du troll, en fait. Ok, donc, après, passer au-dessus du troll, c'est très intelligent, oui. Voilà, moi, j'ai selon la résistance. Attends. Est-ce que c'est jouable par rapport à la hauteur du plafond? C'est complètement jouable. Ah, mais ben, je peux incliner mon saut comme je veux, en fait. Moi, j'ai assez de distance pour arriver au corps à corps face à l'archer. Oui. Et à me mettre grâce à tes lames télékinésiques, effectivement, là, tu as assez de puissance pour attaquer l'archer de là où tu es même. Très bien, parfait. Bah, c'est en faisant deux petits pas, quoi. Donc, je te le fais pas compter comme un mouvement. Très bien. Bah, je me mets en offensive, du coup. Très bien, mais on va d'abord commencer par Shin. Alors, du coup, moi, je repasse en focus. Voilà, oui. Pour économiser un point de psy. Ce qui fait que, voilà, j'ai un point gratos et ça me bouffe toute ma psy. J'ai plus rien, donc. Tac, tac, tac. Et du coup, je fais un jet de finesse, c'est ça? Ou... Oui, tu fais un jet de finesse. Un jet pour 5. C'est parti. Hop. 4, ça passe. Ça passe. Donc, où est-ce que tu veux atterrir exactement? Eh ben, face au chaman nécromancien. Hommage. C'est un peu loin par rapport à l'angle. Tu vas peut-être atterrir. Ou alors dans son dos, parce que j'aurais bien aimé atterrir. Effectivement, tu vas atterrir pas devant le chaman non plus, pas dans le dos du chaman, faut pas exagérer. Tu vas atterrir entre le gobelin et les squelettes. Donc, tu déplaces ton token, tu arrives ici.
Voilà. C'est quand même pas un endroit très safe. Ouais, je sais, c'est chaud, attends, mais là, il faut... Il est peut-être pas un endroit très safe, mais si le MJ est fair, et il est safe, c'est que si le squelette, à son tour, il s'est peut-être pas encore rendu compte que le Shin va arriver, il a peut-être pas l'attaque d'opportunité, parce que... Non, les squelettes, de toute façon, n'obéissent qu'à un ordre. Là, l'ordre, basiquement, c'était foncer droit devant, donc, pour l'instant, c'est à Maillard d'agir. Ah, du coup, je fais un mouvement de kata elfique très obscur et je tends mon bras vers l'archer et mes machettes. Les techniques légendaires du je me chie dessus. Et je tire. 12 en offensif. Et donc, qui fait combien de dégâts? 8. Donc, 8, il est mort. Donc effectivement, tu taillades le gobelin qui s'effondre au sol avec des pigeons. Je l'ai fait revenir vers moi. Oh, comme dans Ken le survivant, c'est le gobelin Nienit, il prend. Nouveau tour de parmi vous. Alors, moi j'aimerais bien agir, sinon je vais bouffer. Non, mais en même temps, t'es obligé d'agir. Peut-être même très énervé. Il y a Bob qui est exposé. Peut-être que tu devrais reculer dans le couloir. Bob, tu devrais peut-être agir maintenant. Moi je dirais Bob et Shin. Alors moi je serais très intéressé d'agir effectivement, oui. Parce que j'ai pas forcément l'envie de reculer, mais je... Puis suffit qu'il prenne son énorme massue, qu'il la rentre dans les escaliers alors que t'es dedans, et qu'il tourne comme ça, tu vois. Oui, mais il faudrait qu'il ait la volonté de le faire, et j'ai plus d'un tour dans mon sac, donc faut pas déconner. Oui, pour ça faudrait que tu puisses agir, donc ça serait bien que tu agisses. En même temps, s'il peut être décasté, tu vois, si j'arrive à pourrir l'autre, lui mais tous les deux, agissez. Moi je suis à couvert, Grunlek il est à couvert aussi sous les gravats, donc du coup, nickel. Regarde. Et on va même la jouer faire. Si jamais le fait de tuer le chaman gobelin décaste le troll, rien, je perds mon tour. Pour ça. Je perds mon tour quand même, alors que j'ai demandé à agir en premier. On n'en sait rien. Bah c'est fair. Allez-y tous fair. Les deux. Moi je m'en remets au MJ. Moi je les vois bien juste annuler les squelettes, pas le troll. Si tu veux tirer sur le chaman, je te laisse faire. Hein. Après, est-ce qu'il va des pop ou pas, ça je sais pas. Ah bah c'est la question, mais il faut tenter. Donc quoi qu'il en soit, je repasse en offensive. Je te propose, on l'a pas encore fait, un dé d'aventurier. Un dé d'aventure. C'est vrai. Un dé d'aventure. Effectivement, mais ça me réussit jamais. Moi. Donc, bah justement, c'est pour ça. Okay. Il n'y a pas cette difficulté. Est-ce que tu veux utiliser un dé d'aventure? Pour l'instant, vous en avez deux. On est à deux aventures. Tout à fait. Ouais, dé d'aventure, ouais, effectivement. Allez. Ah, okay. Allez, dé d'aventure. J'aime bien cette mécanique. Un dé d'aventure, trois mésaventures pour moi, donc. Allez, okay, Shin. C'est parti, je brise fais le scénario. Mon jeu de physique pour 90. Reste en offensif. Non, j'étais en focus, je suis repassé en offensif en fait. Pour lui mettre des gamma max oui, dans la couille. En offensif, tout à fait. Voilà, donc la génération de flèches de glace va me pomper un PV. Voilà. Et je balance un dé d'aventure en plus, c'est parti. Donc 33, ça passe. Et 6, c'est un in extremis. Ça passe large, effectivement. Donc tu vises le chaman. Je vais quand même tenter un ultime truc, parce que le chaman est en focus. Par contre, les squelettes qu'il y a à côté vont essayer de s'interposer. J'ai quasiment pas de chance de réussir. Ça veut dire quoi, quasiment pas de chance? J'ai moins de 30. T'as un tiers de pas de chance. Voilà. Ouais. Ça rate. Voilà. Effectivement, tu étais en offensif. En offensif. Tu es en offensif parce qu'il nous fait 10 de dégâts, c'est bien ça? 6. Donc là, la flèche, elle est dans la bouche. 6 de dégâts. Ouais. Donc effectivement, tu mets une flèche mortelle au gobelin qui s'effondre au sol. Mais est-ce que le troll va disparaître? Je sais pas. Un deuxième apparaît. Non, le troll ne disparaît pas immédiatement. Par contre, il commence à devenir un petit peu vaporeux. Il commence à légèrement s'évanouir, comme s'il disparaissait. Mais c'est mignon. Ça va pas arriver tout de suite encore. Je suis pas d'accord. Donc, pourquoi? Ah parce que je veux le défoncer. Je me relève. Allez, le défoncer. Oui, mais justement, c'est pour ça il faut se dépêcher. On entend le bruit du cosmos. Il faut se dépêcher de toute façon. C'est un nouveau tour, donc du coup, c'est spécial. C'est à toi d'agir. Ok, pardon. C'est à moi. On est toujours dans les premiers, donc bien joué, Shin. Vraiment, c'était magnifique. Merci. C'est mon tour. Ce coup-ci, par contre, j'aimerais donc faire un feu d'enfer. Un feu d'enfer, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est-à-dire le cône, oui. Le bon vieux cône, et le maintenir, parce que c'est ce que je fais d'habitude, hein, c'est je continue à épuiser de la mana pour le maintenir tour par tour. Oui, donc là, ce coup-ci, ce sera pas une boule de feu, ce sera littéralement un petit océan de flammes. Donc il faudrait que le troll il va se rendre compte qu'ils y sont. Tu vois, il va falloir que là, pour le coup, l'instinct va fonctionner. Je te laisse donc, faire tes dégâts, du coup. Je vais le saucer, en offensive, toujours, et je me demande si je claque un dé d'aventure. On va pas. Moi je te propose. Il va avoir 4 dés de mes aventures derrière. Je te propose que oui. Voilà. Mais si je foire mon coup, je suis saucé moi. Ouais. Donc, bah.
pour tenter le tout pour le tout, sachant que derrière on a comme filet de sécurité Grunlek et moi qui peut revenir en tenaille. Je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent d'utiliser le dé d'aventure maintenant, en fait. Alors dans ce cas, je le sauce vanilla, c'est parti. Oh, 95. Oh, t'avais un malus, à l'échec critique en plus. Mais, il n'y a plus Grunlek en face de moi qui était le responsable de dommage, cet échec critique. Si j'avais su, mais c'est comme prévu, Grunlek a très bien joué de cette cachette sous les gravats. Merci, tu as reconnu ma technique. Si j'avais su, dans l'étage en dessous, avec la caisse, diversion, tout ça, bien joué. Si j'avais su, j'aurais vraiment laissé Grunlek. Je perds quand même la mana. Tu perds la mana et effectivement, donc tu fais une espèce de paix de flamme qui. qui tu vois, le dé d'aventure là, il aurait servi pas grand chose en fait. Donc, ça aurait été chaud. Mais sachant qu'on est exposé. C'est donc à moi d'agir maintenant. Je vais commencer par les. Parce qu'il est pas amusant. Je vais commencer par les squelettes qui sont à côté de Shin et qui se retournent sur lui pour essayer de le taper. Le premier rate, les squelettes ont 50. Est-ce qu'ils... Le deuxième réussit. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un malus du fait de la surprise du saut de Shin? Un squelette surprise. Pas bien sûr. Ils n'ont pas l'habitude des squelettes de voir des élémentaires arriver au milieu de leurs armées. Je dirais moins de la surprise plus que du temps de réaction en fait. Mais un peu de tendresse aussi peut-être. 3 de dégâts. Celui-là t'inflige 3 de dégâts, Shin. D'accord. Ça va. D'armure, je crois. Tu j'avais 2 points ensuite... d'armure en fait. Donc ça va. Oui, donc ça fait 1. Donc ensuite, c'est à l'archer gobelin de gauche d'agir. Donc celui-là qui va essayer de viser Grunlek et qui rate. Et enfin, c'est au troll d'agir. Il n'a plus qu'une seule chance. Je t'attends. Il est où ton dieu là? Le troll fonce vers toi. Bob, il lève sa massue énorme dans ta direction. Il va essayer de t'asséner un coup direct. Il a combien? Il a 35. C'est bourrin. 77. Est-ce que je reste debout comme ça les bras croisés? Bam. Réessaye. Il frappe juste à côté. Il vient détruire un. Ça fait qu'une flaque en dessous de Bob. Ah, t'as pas osé hein? Il vient détruire la flaque inflammable, la flaque de pétrole. Je me chie dessus comme ça. Il vient détruire un petit morceau de mur qui s'effondre juste à côté de toi. Tu as une goutte de sueur qui perd le long de ton front. Mais tu sais qui part en ébullition quand. Et juste après ça, il finit de se disloquer, de même que les squelettes se tombent sur eux-mêmes. La tour, il y a des gens qui n'ont pas agi dans le tour, ils peuvent pas le frapper avant qu'il disparaisse, c'est pas possible. De toute façon, suite en fait à la mort du mage, il leur restait que très peu de temps de vie. Du coup, tous les squelettes tombent sur eux-mêmes. Tous les squelettes tombent sur eux-mêmes et le troll, lui, disparaît dans un petit nuage de fumée. Alors que le cercle qui est au sol disparaît également. Est-ce que je suis peut-être un sac, on est peut-être des sacs, mais heureusement que les Strum en face, c'est autant des sacs que nous. Parce que sinon... Ah non, mais Shin, il a géré, Shin, avec son saut élémentaire, il a complètement géré. Est-ce que je peux apparaître dans la poussière donc, du troll et piétiner la poussière? Ne reviens plus jamais! Ah, sinon! Sinon quoi? Une caisse avec moi. Messieurs, d'accord Mani, mais fais juste attention, la poussière va te mettre au feu. Vous êtes donc à l'avant-dernier étage. Au-dessus de vous, il y a le toit. La tour est dans un état absolument déplorable. Il va falloir la remettre en état, mais ça va être le travail des paladins si vous voulez vraiment vous y installer. Est-ce que vous redescendez ou est-ce que vous allez aller voir sur le toit pour voir ce qui se passe? On va voir sur le toit. Attends, avant ça. On n'a pas eu le boss final, le vrai. Avant ça. On prend 5 minutes et on respire. Parce que j'ai un truc éthérique qui vient détruire un morceau de le chaman aussi. On n'a pas des senzu. Il y a peut-être des gemmes. Vous êtes épuisé. Non, sur le chaman, tu vas trouver quelques gemmes, mais des gemmes de mauvaise qualité. Si vous voulez les prendre, je vous laisse les prendre. À ce moment-là, vous notez 2 gemmes de mauvaise qualité. Moi, j'en ai besoin. Une denrée rare, même une gemme de mauvaise qualité. J'en ai bien besoin pour utiliser mes pouvoirs, étant donné que je ne suis pas un catalyseur comme vous, du fait de la présence. Ah bon, on les lui laisse alors. Donc tu te notes, Mani, 2 gemmes de mauvaise qualité dans ton inventaire, et du coup vous montez à l'étage suivant. Oui. Parce que vous êtes dans un état déplorable. Sans aucune hésitation. Non, on n'est pas dans un état déplorable. C'est bon, il me reste 10 points de vie. Si, mentalement, on est un peu usé. Je lui ai mis plus cher qu'il m'a mis. Okay. Je lui ai mis 18, il m'a mis 14. Voilà.
Ça va bien se passer, Shin. Je lui frotte les épaules comme ça. Messieurs, vous arrivez donc sur le toit. Et là, subitement, tout ce que vous avez pu voir dans les derniers étages prend sens. Vous aviez vu, je vous avais parlé au rez-de-chaussée qu'il y avait des cadavres qui avaient été à moitié sucés, dont les os avaient été brisés. Vous aviez vu des traces de sang tout le long du donjon, comme si on avait tiré des corps jusqu'ici, jusqu'au toit. Et là, subitement, vous comprenez qu'en fait, les gobelins étaient en train de nourrir une créature. Peut-être une créature qui devait défendre le coffre, puisque vous arrivez sur le toit, vous voyez un coffre, et dans le ciel, un immense cri retentit. La journée est déjà bien entamée et Fortigre est presque intégralement nettoyée. Seul reste une menue bestiole sur le toit, mais bon, je pense pas qu'elle devrait poser trop de problèmes, n'est-ce pas? Par ailleurs, j'espère que ce petit donjon vous aura également servi de tutoriel concernant les nouvelles règles d'aventure. Alors je fais un très bref rappel, elles sont très simples. Désormais, lorsque les joueurs voudront effectuer une action hors combat pur, ils devront donc lancer un dé égal ou inférieur à la caractéristique de l'action demandée. Shin a par exemple 5 en finesse, hein, s'il veut sauter par-dessus un trou, il devra donc faire 5 ou moins sur un des 6. Et si moi je veux corser la difficulté, ben, je vais pas lui demander de lancer un des 6 mais par exemple un des 12, parce qu'il est plus facile de lancer 5 ou moins sur un des 6 que de faire 5 ou moins sur un des 12. Et après, pour finir, je rappelle concernant le côté échec ou succès critique que selon l'enjeu et la situation et le danger du moment, il pourra m'arriver de considérer des fois qu'un 1 sera un succès critique et qu'un 6 à l'inverse sera un échec critique. Voilà, je pense qu'on a assez parlé, maintenant, place à l'action. Messieurs, félicitations, vous avez enfin atteint le toit de la tour et grâce à vous, les paladins vont pouvoir l'investir d'ici quelques minutes et l'occuper. Cependant, rappelez-vous, hein, lorsque vous êtes arrivé en haut de la tour, votre sang s'est glacé pendant une seconde parce que vous avez vu une immense ombre passer au sol. Pendant un quart de seconde, votre cœur s'est arrêté, vous avez cru que c'était un dragon. Or, en levant les yeux, vous voyez qu'en fait, il s'agit plutôt d'un immense gros poulet. Grossièrement, vous n'arrivez pas trop à le décrire, pas trop à savoir ce que c'est, à moins que vous me faites un jet de morale, hein, peut-être, allons-y. Un jet de savoir, pardon. Des jets de savoir, tu veux dire. Est-ce que je peux faire un jet de savoir, du coup? Une volaille de morale. Même si je puis me permettre, je présumerai. Enfin bon, je vais pas présumer. 5, ça passe, pile poil, juste, mais ça passe. Non, voilà. Plissez les yeux un peu, peut-être. Oui. Voilà, j'ai plissé les yeux, j'ai sorti les lunettes. J'étais, attends, fais voir. Allez, c'est une cocatrice, c'est ça? Allez, c'est une cocatrice, effectivement. Bon, ça, je vais pas. Tu le savais déjà, mais ça, c'est. Ça, en raison ça paraît, de tes compétences. Effectivement, c'est une cocatrice qui vole en cercle au-dessus de la tour. Pour l'instant, elle n'a pas fait attention à vous. Pourquoi? Parce que son attention est plutôt occupée par les paladins qui sont au pied de la tour et qui sont en train de monter le camp. Hein. Vous les entendez d'ici. Par contre, ce que vous voyez également, c'est que il y a un grand nid, hein, qui est là, en face de vous. Et à côté de ce nid, il y a un coffre. Alors, on va jouer un petit peu, c'est que finalement, vous n'êtes même pas obligé d'être là. Vous pourriez très bien laisser ce coffre au paladin et repartir. Hein. Je veux dire, la cocatrice ne va pas venir vous chercher dans les tréfonds du donjon. Elle ne peut pas passer les escaliers. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de laisser tomber. Et de laisser ce coffre-là fermé. Et lors de la lumière, là, ils ont rien foutu. Ils vont arriver déjà, ils vont arriver dans la tour. Ils vont mettre les bannières. C'est vrai que vous comprenez. Les paladins vont pouvoir s'occuper éventuellement de cette cocatrice. Alors, mais après, vous savez quoi, il y a des démarches administratives à faire. C'est pas sûr que les gens reviennent. J'ai juste une vraie question très importante. Est-ce que c'est le type de cocatrice qui pétrifie? Ah, ça, tu as un peu de mal à le dire, mais d'après ton jet de savoir, tu dirais que non. Réussi. D'accord, sûr, ok. Tu bah, dirais que non, bah, ça veut dire que t'es sûr ou t'es pas sûr. C'est... Non, mais a priori, tu es sûr à 90% non. Que non. Non, parce que, soyons sincères, si c'est le type qui pétrifie, l'ordre des paladins de la lumière en bas, ils vont se faire massacrer. Et si nous, on y va, on va se faire massacrer aussi. Mais si c'est pas le type qui pétrifie, c'est juste un gros poulet avec des griffes qui font 4 mètres de long. Donc ça se gère, ça se gère. Voilà. Cependant, moi je propose une solution pacifique alternative. On a, pour être très sincère, trois plans. Soit on essaye de s'infiltrer en se faisant passer pour un cadavre et en essayant de jouer à un 2-3 soleil jusqu'au coffre, ce qui me paraît risqué. Soit on l'attaque, ce qui me paraît risqué, jouable. On va y laisser les plumes. Ça, aura... Moi j'ai un peu voilà, usé mes forces. Je suis fatigué, vite, Et là j'ai un plan. Soit je peux tenter de mettre le feu à son nid étant
détruit, il va s'installer ailleurs, et donc on aura techniquement rempli notre mission de vider la tour. Il y aura toujours une cacatrice qui se baladera dans la région, mais c'est pas un problème. Je vais demander à tous également de faire un jet d'instinct. Alors attention, parce que vous avez une immense créature qui vous survole, donc à partir de maintenant, je vais peut-être considérer que certains jets, si vous faites un 1 ou un 6, hein, ça sera un échec ou une réussite critique. Ah, d'accord, ok, très bien. Ça réduit 4, un peu les cas. 4 aussi, ça passe. 4, ça passe aussi. Réussite critique pour Mani. Mani. Ça passe pour... Donc, je vais vous demander à tous, excepté Mani, d'enlever le casque, s'il vous plaît. Mani. Oui. Oui. Tu peux précisément identifier qu'il y a des piaillements qui viennent de l'intérieur du nid. Une créature visiblement trop petite. Apparemment, il y a un bébé cocatrice à l'intérieur du nid. Ça, tu l'entends particulièrement distinctement. C'est trop mignon. Quant aux autres, ce que vous entendez, c'est qu'effectivement, il y a des bruits étranges qui viennent en direction du nid. Vous ne saurez pas trop identifier ce que c'est en fonction à cause du bruit de la mer qui a autour. Concernant ton plan, Bob, le fait de brûler, mais il y a des animaux, quand tu brûles leur nid, ils ne se barrent pas tout de suite. Hein, ils viennent te défoncer. Hein. Ah non, mais oui, ça c'est sûr même. Alors non, il est hors de question, Bob, que tu ailles brûler le nid parce qu'il y a un bébé là-bas. Il y a un bébé humain ? Il y a. Gobelin ? C'est pareil. Non, ça, cocatrice. Là n'est pas le sujet. C'est un bébé. Tu ne peux pas brûler le nid. Et il faut que j'aille. Je ne sais pas. Ça peut faire une dinde tripotable pour le réveillon, je suis désolé. Par ailleurs, information complémentaire qui pourra peut-être vous servir, mais vous remarquez qu'il y a une corde qui pendouille autour du cou de la cocatrice. Peut-être est-ce que les gobelins ont essayé de la dresser ou pas, vous ne savez pas. Je veux dire, ça semble la chose la plus plausible pour la raison pour laquelle ils nourrissaient cette créature. Mon sang ne fait qu'un tour et je commence à entreprendre une démarche furtive et gracile en direction du nid pour sauver ce pauvre petit bout de chou de ses parents. Et pas du tout pour le loot. Alors, ça, pas du tout pour le loot, évidemment. Disons que le loot à côté, quand il sera majeur, je lui donnerai, je garderai le loot en attendant. Mais en tout attends, cas. Attends, j'essaie de comprendre. Tu veux sauver le petit, mais cramer le nid quand même ? Mais le petit, il veut sauver le bébé cocatrice de sa maman cocatrice. Oui, je c'est comprends ça. Pas la logique. C'est ce que j'ai en compris fait. Aussi. Est-ce que c'est pour qu'on le mange ? Parce que là, je comprends. Mais du coup, il y a. Oui, oui. Il fait partie des services sociaux. Il a eu des plaintes concernant cette maman. Ouais, il va changer de famille d'accueil, je pense. Je sais pas. Est-ce que cette maman se pique au jus de gobelin ? Mais peut-être. 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 Alors, Mani, je te laisse avancer ton token, mais simplement, c'est une difficulté relativement élevée quand même. Donc, je vais te demander un jet de finesse, non pas. Sur 6, mais je vais te le demander. Sur 12 pour l'aller. Est-ce que si je bois du rhum, est-ce que j'ai un bonus? Ah, le bonus Jack Sparrow, c'est ça? C'est ça. Ça ne marche pas comme ça, là. Mets un tricorne. Est-ce que je peux, juste avant que tu fasses ça, est-ce que je peux suggérer un plan alternatif peut-être? Est-ce que vous pouvez, genre, agiter les bras, histoire d'augmenter ma discrétion? Est-ce qu'on peut prendre des pompons et vas-y Maillard. Non. Est-ce qu'on peut descendre à l'étage en dessous, choper 3 cadavres de gobelins, les jeter devant nous, voir si la cocatrice les bouffe pas ou s'intéresse pas plus à eux qu'à nous, comme si on était des gobelins qui venaient nous. Il y a déjà son repas qui est là. Ouais, mais ils sont moins frais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Si on s'enduisait de sang de gobelins. D'accord Bob. J'y vais. J'y pensais justement. Et donc je commence à dire si les gobelins ont un coffre qui est là. J'ai raté. Ah là là, pas de chance. S'avance et rate son infiltration. La cocatrice se retourne vers lui, voyant qu'il s'avance, et commence à amorcer une espèce de manœuvre d'atterrissage. Mania fait diversion, on peut aller récupérer le coffre. Yes. Elle vole en cercle de sauvez plus en plus fermé et de plus l'enfant. En plus rapide. Elle va bientôt atterrir. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous avez encore le temps de réagir, les trois autres? Je cours vers le coffre. Le coffre. Je soupire lourdement. Je me retourne et je marche d'escalier lentement pour redescendre à l'étage en dessous. Voilà. Alors dans ce cas-là, vous allez tous me faire un jet. Deux qui vont chercher le. Donc Bob vous abandonne complètement. Non, et oui. Par là, en fait, je me mets plus planqué que je vous abandonne. Se dirige en courant vers le coffre et vont me faire un jet de finesse pour essayer d'y arriver le plus vite possible. Un jet de finesse sur 6 parce que vous avez laissé tomber la furtivité maintenant. Je hurle. 5, c'est raté. L'enfant. Oh, la finesse. C'est une réussite critique de la part de Shin. Shin qui se jette sur le coffre qui est le premier arrivé alors que Grunleck lui il est en train d'essayer de marcher un peu comme un rasmoquette. Non, je fais un truc différent. J'utilise mon poing grappin.
main et je balance mon poing sur le coffre pour aller jusqu'au coffre plus rapidement que Shin. Oh, est-ce qu'il peut essayer d'agripper le grappin? Tu as raté ton jet de finesse, donc tu es en train de... Non, mais ça n'a rien à voir, justement, je suis une action... Je fais une action avec mon réussite critique différente. Parce que, justement, je suis pas assez rapide. Oui, t'es pas assez rapide, mais tu le feras, mais au prochain tour. MJ, moi, je trouve ça super classe que t'as le bleu qui commence à dépasser le nain, et le nain, voyant ça, il balance le bras pour essayer de le rattraper comme un vieux sac. Ça fait Astérix. Les gars, ils se tirent l'amour total alors qu'il y a une putain de cocatrice. Et pendant ce temps-là, la cocatrice atterrit lourdement entre vous et Mani. Elle est okay. Là, Mani, elle est devant toi. Bon, je soupire, je la regarde droit dans les yeux, je fronce les sourcils, je lève mes poings au ciel et je fais vivre, je fais animer une quatrième machette. Je fais bon, très bien, à nous deux alors. Et ça, c'est capitaine. Capitaine Mani Sparrow. Mais capitaine suicide, bon, ouais, quoi. Bob, pendant ce temps-là, tu n'agis pas, tu as pris ton tour pour reculer. J'ai pris mon tour pour me planquer en fait dans cette ouverture, ce qui fait que le seul moyen qu'aurait la cocatrice de me choper, c'est de se mettre au-dessus et de tendre le cou et essayer de me choper. Je pourrais peut-être balancer une ou deux boules de feu en couverture, si mais là pour l'instant je vais être planqué, voilà, je vais observer, tu sais quoi. Je vais pas prendre de risque. Non, mais l'œil, Bob, j'ai mes quatre machettes qui se tiennent un peu en arc juste derrière moi et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de fondre devant moi en posture défensive pour me protéger pendant que mes deux autres camarades pillent le coffre et... J'ai hurlé, vous avez pu entendre les deux autres qui avaient foncé vers le coffre, moi qui disais « L'enfant, sauvez l'enfant de ses parents !» Effectivement, Mani, Shin et Grunlek, au moment où vous approchez du coffre, vous voyez, la chose suivante qui se révèle, c'est il y a un petit bébé cocatrice qui ne peut pas encore voler, visiblement, qui n'a pas encore toutes ses plumes, qui est à l'intérieur du nid, qui piaille un peu en vous voyant, il essaye de débattre de ses petites ailes sans plumes, et il n'arrive pas à faire spécialement autre chose. Du coup, je vais vous laisser deux personnes agir en premier avant que la cocatrice elle n'agisse. Choisissez bien. Les deux autres qui sont vers le loot, moi je vais faire diversion en mettant full défensif et en fronçant les sourcils et en la maintenant à distance comme ça avec mes machettes manipulées mentalement. Très bien. Et donc, moi je peux pas agir quoi que je fasse, j'ai décidé de me mettre à couvert. Donc ça sera Shin et Grunlek, c'est bien ça? Ouais, moi j'ai fait un succès critique, donc peut-être j'arrive au coffre. Tu arrives en premier, Grunlek, pour te rattraper et pour pouvoir agir dans ce tour, devra réussir son jet de grappin. Je fais un test de mental pour animer ma quatrième machette, à moins que tu me l'offres. Je t'en prie. Ce que j'en doute. Donc du coup, j'imagine que j'ai un malus à cause de la présence de la cocatrix. Oui, je te fais te mettre 10% quand même, parce que c'est une immense bestiole qui se tient juste devant toi. Et que même si j'ai assez peur dans le groupe des aventuriers, là c'est une peur un peu supérieure. 100 100 Oh merci. 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 Putain, beaucoup. C'est magique. C'est magique ce que tu proposes là. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. Tu rates complètement. Tu commences à insuffler de la psyché à l'intérieur de ces lames. Ah, elle commence à tournoyer autour de toi. Tu dois doubler la dépense de psy au moins. Hein ? Je dois doubler la dépense de psy. Mais pas que ça. Mais pas que ça, parce que je vais m'amuser. J'espère. Donc, ce qui se passe, c'est que tu doubles ta dépense de psy. Et en fait, tu commences à animer tes lames. Tes lames commencent à virevolter autour de toi. Et puis, à un moment, tu sais pas, t'as un moment d'égarement, peut-être parce que tu as croisé les yeux de la cocatrice. Elles retournent vers moi, comme ça, elles disent nope. Et s'en vont. Non, mais tu as toutes tes lames, par contre, qui tombent lourdement au sol, avec un bruit de métal qui retentit sur tout le sommet du toit, qui font blong, 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 blong. D'accord. Est-ce que t'as fait l'équivalent super bien diversion en tout cas. Hein, c'est... Est-ce que t'as fait l'équivalent d'un drop de mic, en face de la cocatrice? Bim blim drop les hatchets comme il se bat. Tu es Mani, tu es complètement sans défense face à la cocatrice. Non mais la cocatrice va se rendre compte que tu te rends et elle va pas t'attaquer. C'est sûr. Mais j'en suis sûr. On va voir ça. Écoute, on fera un jet de social avec la cocatrice tout à l'heure si tu veux. Grunlek, tu me fais tout de suite ton jet de physique donc pour atteindre, pour réussir à grappiner le coffre et te rapprocher. 70. Pour 65 donc. Est-ce que t'étais en focus? Je suis en focus. Oh c'est beau. Oh merci. Ça passe. Oh merci. Ça passe juste. Donc là, tu réussis. Non, c'est quand même je suis pas en focus. Ah, il est pas en focus. Bah, sinon, ça aurait été quand même la bourre du dernier moment. Ça aurait été bibi. C'est clair. La photo finish. Le point qui passe à côté. Tu lances ton bras pour attraper le coffre devant toi et tu essayes donc d'agripper le coffre pour te rapprocher. Simplement, en fait, ce qui se passe, c'est que ton corps est un peu trop lourd et du coup, tu frottes le sol.
en te rapprochant, ce qui te fait prendre un peu plus de temps. Et en fait, par contre, et ta Chine qui court sur le grappin comme ça, tac 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 sur la corde. C'est trop stylé. Par contre, Chine, tu es déjà près du coffre. Maintenant, il va falloir essayer de soulever la lourde, le poids de la coque du coffre qui est quand même assez lourd. C'est un très gros coffre, il fait deux fois ta taille. Je vais te demander du coup un jet de puissance. De puissance, très bien. Donc, alors je t'invite par contre, Chine, à utiliser un dé d'aventure s'il nous en reste. Je sais plus. Il nous en reste un seul. Je t'invite à l'utiliser histoire de tomber sur peut-être mouvement, parce que mouvement, ça voudrait dire que tu arrives à déplacer le. Effectivement, on lui donne 4 dés de mes aventures pour un truc qui est pas conseillé. Je vous conseille pas. Oui. J'ai vu ce qu'il fait déjà avec un échec critique. Je vous conseille pas. Ah, quoi que, on peut peut-être laisser le dé d'aventure pour Mani en fait. Mais tu t'es mis dans la merde tout seul, mon grand, t'assumes au bout d'un moment. Hein. Moi j'ai Bagdash, j'ai ça pas de problème, être. Je suis allez, en pleine santé. Chine, un jet de puissance, bon, allez, s'il te plaît, pour soulever ce coffre qui est extrêmement lourd. D'accord, un jet pour deux, attention. Un 3, c'est raté. Ça va me laisser le temps d'arriver, oui. C'est raté, effectivement, tu mets un petit peu de temps, il va falloir que Grunleg vienne t'aider. Mais maintenant, c'est à la cocatrice d'agir. Elle va essayer, Mani, de te saisir. Elle va essayer de te donner un coup de bec pour commencer. Eh bien, soit. Bec ? Genre, elle le picore ? Oui, elle essaye de le picorer. Je ne suis pas un grain de maïs. Ah, c'est une vraie volaille pour le coup, alors. C'est ça. 19, elle réussit à te remettre un petit coup de bec. Ça n'est pas, heureusement, son attaque la plus puissante. J'ai quand même essayé d'être sympa avec toi pour commencer. C'est juste, ça fait juste un des 12. Alors, donc, pour ça l'instant, va. Ça poke. La diversion fonctionne. Je vérifie par-dessus son épaule pour voir si ils ont atteint le loot ou s'ils ont sauvé ce malheureux Mani, bébé. Je vais faire un test d'esquive. Fait 5, elle te fait 5 de dégâts. Déjà, est-ce tu vas te calmer, s'il te plaît. Je vais faire mon test de physique pour faire mon esquive. Tu es en défensif ? Oui, je suis en défensif, tout à fait. Heureusement pour toi. Fais ton jet de physique. Alors. Mais t'as pas le droit de faire un jet de blocage. 10 ! Tu réussis extrêmement au dernier moment à esquiver le coup de bec de la cocatrice. Par contre, tu as vraiment des gouttes qui te perlent le long de ton front. J'en profite, puisque je fais une roulade, j'en profite vu que mes lames sont tombées au sol pour saisir l'une de mes machettes et pour me retourner vers elle un peu comme Néo. Très bien, ça c'est extrêmement badass, mais seulement si ça marche. Voilà, c'est ça. Oui, mais j'ai réussi mon esquive, je peux saisir. Écoute, moi Fred, voilà, je lui laisserai pour le spectacle, parce que là, il a aucune chance quand même à 1v contre 4. Tu réussis donc à esquiver au dernier moment le coup de bec de la cocatrice. La cocatrice, qui, énervée du fait que tu aies réussi à l'esquiver, commence à battre lourdement des ailes devant toi. Ça va peut-être te déséquilibrer un petit peu au prochain tour. C'est mais à je vous. Je ne suis même pas ça deux après, personnes. Objection. Est-ce qu'il y a... Donc t'as vu tout le cirque de ton point de vue. Écoute, nique la police, de là où je suis, parce que tu remarques un peu sur le diagramme, je peux littéralement dépasser la tête un petit peu de l'étage et voir ce qui se passe. D'accord. Je vais tenter, parce que je suis un enculé et que j'ai pas de cœur, je vais tenter un trait de feu vers le nid. Non, et ça, Bob. Si ça attire pas l'attention de la maman d'avoir son bébé qui crame... J'avais une idée, ça l'audience. Je préfère te la soumettre. Ah bah, avant de penser à l'audience, je pense à mes amis, moi. Et Mani, il compte. Voilà. Ah, même justement, si je voulais faire un truc, en fait. Il compte. C'est pour ça que je t'en parle maintenant. Je sais pas si c'est une bonne idée que tu m'écoutes. Bah, vas-y, je t'en prie. Bah, je voulais faire un espèce de Psycho Crusher à la bison avec mon seau élémentaire pour pousser le bébé hors du nid et le faire tomber. Comme ça, ça fera. Alors, malheureusement, vous faites un concours de cruauté. Mais c'est pour te sauver, Mani. Pour la légitimité, de la chose. Parce que le seau, ça va le cramer, ça va le tuer. Moi, c'est juste pour le faire tomber dans les douves. C'est cool, mais c'est quand même mon tour et je n'ai aucun moyen de savoir que tu as ce plan prévu dans la tête. Effectivement, qu'on n'est pas en connexion mentale. Donc, logiquement, je vais faire mon petit trait pour tenter de sauver Mani. Je te demande de faire ton jet de mental pour ton trait de flamme. C'est un petit trait, je rappelle, hein. c'est censé juste asticoter pour faire un peu peur, faire mais je vais couiner, pas ouais. immoler l'endroit, ouais. C'est pour ça. Donc j'ai de mental, écoute, indécent, j'arrive. Allez, 13, oh le snipe. 13, donc ça passe, ça passe. Donc, tu lances un petit trait de flamme, je suis en focus, donc, ah non, j'étais en défensif, mais attends, wait. Ouais, j'étais peut-être en défensif, donc c'est 3 points de mana dans ma gueule, c'est comme ça, hop. Alors je peux pas le mettre dans la bonne direction, donc on va dire que là il est bien.
Du coup, tu commences à lancer ton trait de flamme et effectivement, le nid qui est en paille sèche, commence doucement à prendre feu. Mani, c'est à toi maintenant. Si tu veux contre-attaquer, c'est le moment, hein, parce qu'ensuite, ça sera un nouveau tour. Alors, est-ce que tu considères que l'échec critique est encore effectif et je ne peux pas réanimer mes lames? Tu pourras réanimer tes lames, mais je vais te mettre un malus quand même. Avec grand plaisir. Il faut que tu réussisses ton jet. C'est littéralement le gars qui redémarre le moteur. J'ai. Ok, est-ce que j'ai assez? Est-ce que tu as assez de psy, effectivement, plutôt? C'est ça la question. Non, j'ai pas assez de psy, mais il y a une réserve de points de vie au pied de la tour. Et ça c'est caviar. Bon, il bosse pas souvent, mais bon, je vais peut-être miser là-dessus. Je vais utiliser ma psy pour réanimer les lames au sol, donc ils vont se relever. Je vais garder celle que j'ai dans la main et je vais puiser dans mes PV et arriver à 4 points de vie. C'est dangereux parce que si tu te prends un coup au prochain tour, je vais régaler. J'ai le choix. C'est soit c'est dangereux et je maîtrise ma mort, soit c'est dangereux et je meurs avec un bec qui me sort du dos. Donc quand l'ennemi te fait des pokes à 12 PV, je pense que tu peux risquer 3 points de vie. C'est pas... Très bien. Je t'encourage du coup à enlever tes points de vie et ta psy si nécessaire. Je dessine donc un symbole infini avec ma lame que j'ai dans la main et les autres lames se redressent en formant une sorte de triangle derrière moi et s'apprête à bondir devant moi pour me protéger, je l'espère pas du tout de la prochaine attaque. Et bien dans ce cas-là, je vais te demander un jet de mental avec un malus de 10. Je fais mon test de D200, moins 10, je suis à 65%. Est-ce que j'ai un bonus de pitié? Déjà, je trouve que pour un sang, tu t'en sors bien. Laisse-moi un tour et t'as plus aucun. Laisse-moi trouver une manière sympa de dire. Mais c'est l'homme de tous les extrêmes. Donc, sauver effectivement. L'enfant. Et les machettes s'animent. Comme dans. Combien de machettes tu as animées? J'en ai animé 3. Est-ce que avec ma réussite critique. C'est ça. Est-ce que tu en as une de plus à animer? Oui. Ben dans ce cas-là, donc tu en animes 4 grâce à ta réussite critique, effectivement. Très bien. Ok. Donc elle commence. Tes machettes commencent à virevolter. Tu te sens régénéré après ton échec lamentable. Il a littéralement pris une dread et il l'a tiré comme un moteur de tronçonneuse. Tu sais quand ça peut. Il est reparti. Ça y est. En fait, ce qui m'agace, c'est de voir effectivement cet enfant, maintenant tu es exposé au danger et à la mort. Et je hurle « Bob, non !» Et du coup, mon sang ne fait qu'un tour et je m'apprête sur toi à me protéger. Voilà, c'est tout. Et tu es donc prêt maintenant à encaisser peut-être le second coup. Qui est la seconde personne qui va agir après Mani? Alors peut-être soit Grunleck, soit Shin, mais... Je vais peut-être essayer aussi d'ouvrir le coffre. Pendant ce temps-là, je te demandais... T'as vu, j'ai trouvé un grappin, et toi, t'as trouvé quoi? Très bien. 5, ça passe pas parce que j'ai eu un malus juste avant. Ça passe pas, mais quand même, si je vais donner une chance à Shin de réussir parce que vous êtes deux. Et je vais mettre un bonus de 1 en puissance. Comme des sacs, quoi. Mais comment ça marche, la technologie? Mais le bonus, il est commun ou il est juste à Shin? Non, normalement, je t'aurais laissé que à toi de le faire, mais là, j'accorde à Shin une chance de le faire aussi. C'est ton échec qui donne un bonus à Shin parce que t'es quand même en train de forcer dessus, tu vois. Du coup, pour un jet de puissance, c'est ça? Ouais. Shin pour un jet de puissance aussi. Même normalement c'est pas ton tour, normalement c'est à la cocatrice d'agir. Mais comme vous êtes deux sur le coffre, je considère l'action que l'action est si d'accord, je te fais deux de toute façon, donc allez c'est parti, 4 c'est raté. Allez. Ils sont tous les deux sur le coffre. Vous ne réussissez pas à ouvrir ce coffre qui est décidément quand même bien rouillé. Et ce coup-ci, c'est à l'accord à la cocatrice d'agir. J'avais dit qu'elle commentait. Objection! J'ai envie de dire une objection, je l'attendais depuis tout à l'heure. Avec son regard des yeux sur le côté comme un poulet, elle a dû voir le trait de feu, parce que c'est pas un truc que t'ignores, qui a dû atteindre le nid. Donc, est-ce que ça détourne son attention avec un jet assez haut, ou est-ce qu'elle arrive à se concentrer avec son cerveau? Est-ce qu'elle veut tuer absolument Mani? Je sais pas. Voilà, mais je pense que l'instinct jouant, à mon avis, elle devrait faire un jet assez gros pour pouvoir réussir à rester sur Mani. Effectivement, je vais faire un jet ouvert sous 80 au moins, elle part pour aller vers son nid.
Donc, on va voir ça. Très honnête, j'aurais dit 70, mais... 73, effectivement. Comme je vous avais dit, elle commence à battre des ailes, Mani. Tu es un peu déconcentré par le souffle d'air qui vient littéralement vers toi. Et vous voyez, non, la cocatrice, je suis pas déconcentré, j'ai fait une lentement critique. À reculer un peu à marche arrière, en quelque sorte. Elle vous passe au-dessus, Shin et Grunlek. Elle commence à se diriger, vers son petit et le saisit avec les griffes. Par contre, il est très certainement que là, vous le voyez dans son regard, elle est un petit peu en colère maintenant. Là, elle va mettre son petit logiquement. Elle va le dévorer, sécurité. Peut-être, je sais pas. Oui, mais ça va lui prendre 30 secondes, ça. Elle va le poser en bas de la tour assez en sécurité, pour elle va revenir. Ils avaient la cocatrice donc saisit avec les deux griffes, elle saisit son petit, commence à s'envoler dans les airs, elle pousse un espèce de cri qui déchire l'air littéralement. Vous sentez les palanins qui sont en bas de la tour, vous sentez qu'il y a un peu de panique même en bas de la tour. Elle commence à s'envoler, elle va très certainement revenir au tour d'après. Je vous conseille. C'est avec toutes ces actions là, et c'est mon tour juste après, je peux tenter de faire un tir sur la cocatrice en l'air, histoire de faire genre un peu de DCA et de lui faire croire que bah barre-toi, saleté, t'es pas en sécurité ici, j'ai un canon balai. Non mais c'est une bonne idée. Non mais c'est juste, en fait c'est juste comme pour même si elle est, en fait c'est pas ça, c'est juste que même si elle est vexée, comme elle transporte son petit et qu'elle commence à se prendre des tirs, même si je tire à côté, c'est pas important, elle va peut-être se rendre compte que oula, ça pue ici en fait. Voilà, c'est ça. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement la cocatrice va disparaître pendant peut-être un ou deux tours maximum, le temps de poser son petit en sécurité au bas de la tour. Maintenant, déjà, ça va emmerder les paladins en bas de la tour. Et je souhaite lui tirer dessus avant qu'elle disparaisse avec son petit, c'est ce que j'ai dit. Je t'en prie, fais ton jet mental. Impeccable, attention. 17. Ah, si elle desserre ses griffes, elle fait tomber son petit, elle le tue. Par contre, pour être légit, je ne visais pas la cocatrice, je visais à côté, je lui faisais peur en fait, c'est pour ça. C'est ce que j'avais compris aussi. Donc tu 17, tires, c'est tu tires le à côté de la cocatrice, ça lui passe juste à côté de ses ailes. Elle manœuvre un peu pour essayer d'esquiver ton coup. Tu la vois qui continue à vous regarder avec un regard, avec ses petits yeux noirs de volatile, donc c'est pas vraiment d'esprit dedans. Mais elle vous regarde avec une envie de meurtre absolument fantastique et elle commence à disparaître au pied de la tour. C'est à bon, vous alors, maintenant. Je vais juste hurler quelque chose à mes compagnons. Je suis à sec. Là, il y a le bâton qui fume, j'ai plus de mana. Donc je suis à sec. J'ai plus de mana. Mani n'a plus de mana. Bob n'a plus de mana. Mani est blessé. J'ai plus de mana aussi. Je me dépêche d'aller vers là pour si je peux les aider. Effectivement, mais de toute façon, on va l'ouvrir ce coffre. Avant que ton coffre soit magique, il y a peut-être au bout d'un moment, j'ai un bras en métal qui est assez puissant, tout ça. Peut-être. Ah non, mais le coffre, il est pas magique, il est juste lourd. Hein. Oui. Du coup, quand même. Réessayez, ils avaient encore deux. Ils avaient encore deux tours. J'ai fois pour ouvrir le coffre. C'est à, ah bah si, c'est à vous faut, quatre d'agir maintenant. C'est à vous quatre. Donc on va le faire dans l'ordre classique, c'est-à-dire Mani, Grunlek, Shin, Bob. Mani, alors, qu'est-ce que tu fais ? Je vais prendre mon tour en premier parce qu'en fait, tout le long de ce tour, je vais leur hurler dessus de se grouiller en fait. Voilà. D'accord, donc, ça va être mon tour. Bob, voilà. Toi, il te faut le temps de rejoindre l'emplacement du coffre si tu veux y aller. Non. Il est fou lui. Allez, Mani, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là ? Tu cours en direction du coffre ? Ouais, je ne vais pas jusqu'au bout, je vais juste à distance de télékinésie, je finis de puiser un ou deux PV s'il le faut pour les aider peut-être, mais de quelque force que ce soit à distance pour faire pression supplémentaire, histoire d'accompagner le groupe dans son effort. Ok, très bien. Donc, Grunlek, s'il fait un échec critique, enfin il soulève le coffre, il le pose sur les donc, grâce à Shin qui est juste à côté et grâce à Mani qui t'appuie avec son pouvoir télékinésique, tu as donc 2 de bonus sur ta puissance. Donc, c'est bon, c'est réussi, j'ai 6. C'est 6, donc tu réussis automatiquement, évidemment. Voilà, je ne te fais pas faire de jet du coup. Tu 5 réussis quand même à ouvrir le coffre, mais attention, à l'intérieur, il y a tout un tas de matos. Il y a du bazar, il y a des épées rouillées, il y a des boucliers fendus, il y a diverses choses, du matériel, des cordes, des trucs comme ça. Enfin, des choses qui pourront servir les paladins en bas. Et il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser. Comme c'est toi, Grunlek, qui a ouvert le coffre, je vais te demander de tirer un des 6. Et c'est ton jet qui va décider ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre. On peut savoir ce que c'est, le choix ou pas ? Par contre, on partage. Il y a un truc pour chacun d'entre vous, et ensuite il y a des trucs qui vous servent à chacun. À tout. Premier sur le coffre, on partage. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut rajouter la musique de Zelda ? Avec Grunlek qui monte. Deux. Tu trouves un arc en bois qui a l'air absolument magnifique. Ah. Et quoi ? Il est juste en bois en fait. Il est juste un peu classe. Il est en bois noble. En ronce de noyer. C'est un arc en bois vraiment noble, très bien taillé. Tu sens qu'avec ça, tu vas pouvoir peut-être faire des flèches qui seront un petit peu plus puissantes. Ah cool, parfait.
Bah, merci Grenade, et en même temps je suis arrivé premier donc quelque part. Voilà, oui, mais c'est moi qui l'ai ouvert. Donc, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, t'en avais besoin. Mais merci. Au moment où vous sortez l'arc de ce coffre et vous le contemplez en faisant ouais, il est joli ce truc, tu entends un cri énorme, la cocatrice qui vient de déposer son petit au pied de la tour et qui est en train de remonter bon, faut, la force. Voilà. C'est peut-être le moment d'essayer l'arc. Hein? Ah, carrément! Non. C'est le moment de partir, je pense. Attends, si j'avais voulu qu'on la tue, j'aurais visé les ailes pendant qu'elle portait son petit. Elle aurait chuté de toute la tour et elle se serait payée une bouffe. Non, mais elle aurait et là, lâché forcément, le bébé. Elle serait revenue à midlife, voilà. Je vais rejoindre Bob en hurlant: je n'ai plus de rhum! Et donc, vous courez, la cocatrice d'un coup surgit par ce coin-là, la tour qui était à moitié détruite. Vous me faites tous un jet de finesse, mais un jet tranquille, un jet sur 6. Juste pour voir s'il y en a un qui se casse la gueule au passage, qui fait un 6. Ce que je fais. 3, je rate 2. 4, ça va. Fred. Non, ça passe. Ce que je fais, c'est que, étant donné que j'ai animé mes lames en mode défensif et que ça a été mon focus le tour dernier, bah, je couvre la fuite. Histoire que celui qui se prenne les dégâts, c'est celui qui a déployé une armure. Mais là, il faut fuir. Le seul moyen que t'aies d'échouer, c'est de faire un 6. Voilà, là, parce justement, on ne cherche pas des rôles particuliers dans une situation de fuite. Donc fais ton. Voilà. Faites ce que vous voulez, moi je me casse. Vous réussissez à fuir, effectivement. Seul un échec critique aurait pu vous faire trébucher et vous ralentir ici. Mais je suis capable de tout. À disparaître dans les méandres de la tour et vous redescendez en bas, là où les paladins vous attendent. Un petit peu effrayés parce qu'ils viennent d'entendre quand même une grosse cocatrice assez énervée. Tu veux dire que la légion de paladins qui voit sortir 4 seulement aventuriers disent: oh mon dieu, il y a un cocatrix au-dessus, c'est horrible! Et nous on sort avec. Alors moi je vais m'approcher de Grunleck quand même et je vais faire: non mais j'aime beaucoup Théo, vraiment, mais je crois qu'il va falloir qu'on se mette dans la faction de Kirov pour cette guerre parce que ça m'a l'air d'être des glands. Vous arrivez au pied de la tour, fatigué, épuisé. Manny est blessé, il a vidé sa psy, Shin a vidé sa psy, Bob a vidé sa psy, vous n'avez plus rien dans les chaussettes, vraiment pour le coup, vous êtes crevé et vous arrivez au pied de la tour, vous voyez que les paladins, ça y est, se sont installés, ils ont disposé leur matériel, ils ont posé les tentes, et vous voyez aussi devant vous, là où je ping ici, qu'il y a Warren, Théo et Victoria qui sont réunis autour d'une table et le nez penché sur une carte où ils sont en train visiblement de discuter. Okay. Alors je tiens juste à dire avant de s'approcher que comme on est Manny et moi-même les seuls à avoir techniquement aggro le boss, on est les seuls à avoir l'XP. Voilà déjà, comme ça au moins on est sûr. Aggro le boss, il s'est planqué dans les escaliers, le loot. Le mec, L'XP elle était dans le coffre, donc oui, voilà. Vous avez le loot, ça c'est dégueulasse, tu vois. On refait. Non, hein. Mon dieu. Très bien. Vas-y, allez, vous avancez, donc je vous laisse avancer vos tokens jusqu'ici. Effectivement, quand vous arrivez, quand vous vous rapprochez, Victoria vous regardez et vous fait « Oh, vous êtes dans un sale état. » Ça va pas trop fatigué d'avoir monté le temps, ça devait pas être facile, hein, dis donc. Hein. Oh bah, attends, c'était notre mission quand même, mais attention Victoria, autant les gobelins, tout va bien, autant en haut, il y avait quand même une petite cocatrice avec son bébé, alors elle l'a emporté ailleurs, il va falloir nous amener des balistes parce qu'à 4, on s'est pas senti, sincèrement. Non, hein, on a vu la cocatrice, effectivement, elle a déposé, on l'a vu s'envoler et déposer son petit un petit peu plus loin. Ça va, vous arriverez à gérer ça ou pas? On va envoyer, merci pour votre ton condescendant, Chine, on va envoyer des archers là-haut pour finir le travail, mais j'ai cru comprendre que vous aviez brûlé le nid parce que j'ai vu de la fumée se dégager de là-haut. Ah bah c'était pour détourner son attention, puis elle a pris petit, elle s'est tirée et voilà, oui, mais c'était compliqué. Mais tout va bien partir, hein. Peut-être qu'elle va partir. Tout je pense que normalement elle devrait partir effectivement, mais on va quand même poster des archers là-haut pour la dissuader de revenir avec quelques flèches de flamme. Merci. Pour poster des archers en haut d'une tour, ça m'a l'air d'être une bonne décision stratégique. je sais que les paladins sont en train de mobiliser absolument toute leur psy pour dresser les tentes, mais s'il y en a un par exemple qui ne fait rien du tout et qui a de la psy en rab pour me soigner, ah, le crack-addict comme ça. Vous avez pas un fixe, s'il vous plaît. Écoutez, il y a pas de problème. Vous pouvez demander à n'importe lequel de nos paladins ici. On est la magie demande est légère ici, Théo, mais on est quand même. On est quand même sous la zone. Les gemmes sont légalisées dans notre pays. On est quand même sous la zone d'influence de Castelblanc. Du coup, la magie est encore présente ici, bien qu'elle soit un peu faible. Alors, par contre, du coup, si je puis me permettre, outre le merdier de cette tour qu'on vient de nettoyer, qu'est-ce qu'on regardait sur la carte? Quelle est la situation? Justement, c'est ce que je vous invite à faire. Venez, parce qu'il faut qu'on parle. Donc, vous vous penchez le nez sur la carte également. Et Victoria commence à vous expliquer la situation. Ok, alors Victoria, vous dites tout d'abord, écoutez, je sais, je comprends, vous ne voulez pas prendre parti dans cette
guerre qui n'est pas encore arrivée, et je respecte votre décision. Simplement, on peut avoir besoin de vous encore pour empêcher cette guerre. Croyez-moi, notre but à tous est d'empêcher cette guerre. On ne veut pas aller dans la mêlée, mais ça veut pas dire qu'on ne veut pas régler les problèmes. La magie qui disparaît, si on peut aider... C'est dans l'intérêt de Castelblanc et dans l'intérêt de Kirov qu'il n'y ait pas un conflit armé qui se déclenche. Voilà la situation. Actuellement, nous venons de prendre possession de Fort Tigre, qui est ici. Nous sommes à la limite de la zone d'influence de Castelblanc. Nous savons que Kirov... Il y a des troubles à Kirov. Il y a des troubles civils en raison de nombreux gens qui se convertissent à la lumière et qui sont en train d'oublier leurs cultes locaux. Quelle tristesse, n'est-ce pas ? Oui, vous ne voulez pas la guerre, mais en attendant, vous ne faites rien pour empêcher ces débordements. Écoutez, on ne peut pas empêcher les civils de croire à ce qu'ils ont envie de croire. Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre la parole, essayer de les apaiser et ne pas les empêcher de se convertir, mais au moins... Ils ont quand même des tentes à dresser, c'est pas facile. On l'a vu quand on était avec votre confrère. Très sincèrement, Grunleg, je comprends tant bien même que vous n'appréciez pas Milich. Milich est un prêtre. Moi, je suis une militaire. Je suis là pour faire mon travail de militaire. Simplement, je vous dis les faits. Il y a des troubles actuellement à Kirov. Kirov est en train de mobiliser son armée pour l'instant, mais on pense que c'est juste une mesure préventive. Nous, on est venu s'installer à Fort Tigre également pour les dissuader d'aller plus loin. Pour l'instant, on en reste là. Le but, c'est juste de les dissuader de nous attaquer et de se placer à un point stratégique pour éviter qu'ils ne puissent marcher sur Castelblanc. Du coup, voilà la situation. Actuellement, nous savons, grâce aux informations que Mani nous a transmises, que l'empereur de Kirov n'est pas spécialement chaud pour la guerre. Simplement, il est poussé à la guerre par une partie de ses conseillers qui, eux, y trouveraient un intérêt. Des conseillers qui sont plus agressifs et qui pensent que la situation serait simplement de venir à Castelblanc et de se servir la magie là où elle est. Petite question par rapport à ça. Est-ce que les personnes qui sont derrière cette volonté de guerre, est-ce que vous savez si elles font partie d'un groupe, si c'est une guilde, si c'est quelque oui, chose de particulier ? Nous avons entendu parler d'un groupe appelé la Métalignée. Nous n'avons pas vraiment plus d'informations là-dessus. C'est tout ce qu'on peut savoir. C'est la tout ce qu'on sait pour l'instant. La Métalignée, ouais. Oui. Est-ce qu'on peut faire de la noblesse, de savoir ou difficile, ou je ne sais pas quoi, voir si ça nous dit quelque chose à l'un d'entre nous. Je t'annonce d'avance, hein, c'est de la noblesse, c'est de l'inceste et c'est Game of Thrones, hein, mais à part ça... Un jet de savoir, mais je pense que l'un d'entre vous a peut-être quelque chose à dire là-dessus. Je m'approche après avoir pillé les caisses de ressources, avec genre un poulet sous le bras, je fais la Métalignée, vous dites. Oui, la Métalignée, c'est un groupe visiblement, une espèce de groupe souterrain qui opère auprès de personnes d'influence, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Apparemment, on peut pas juste en rester là et être récompensé par les paladins et considérer que c'est plus notre problème. Quoi, ils ont mis ta tête à prix ? Vous connaissez quelque chose là-dessus, Mani ? C'est probablement un groupe de complotistes le plus ambitieux que j'ai connu à ce jour. Et ils ont les moyens. Ils ont les moyens armés. Ils ont les plans et ils sont patients. On est dans une... Merde, ils manipulent sur quoi ? Le réchauffement climatique, la subversion des masses, des détails un peu, non. Parce que là... Ils sont spécialisés dans le kidnapping. Ils conditionnent des personnes talentueuses pour s'en servir comme assassins afin de servir des plans centenaires, des plans sur des générations. Un truc que les elfes pourraient vivre en fait. Avec un fond, un culte, quelque chose, ou c'est purement des marchands, des nobles, qu'est-ce que c'est ? Personne ne sait vraiment qui est à la tête de ceci, sauf que de ce que j'ai pu connaître à un moment, ils n'ont absolument aucun problème avec la morale. Je n'ai plus faim, je pose des victuailles sur les caisses et je vais chercher s'ils ont... Donc Mani recule et repart manger son poulet. Et donc Victoria vous donne la deuxième information. Voilà, la deuxième chose. Alors nous pensons que ça a un lien avec... Au début on n'avait pas fait l'association parce que c'est lié à la Tour des Mages. La Tour des Mages, nous avons perdu tout contact avec la Tour des Mages depuis maintenant un certain temps. Jusque là on n'avait pas trop fait attention parce que vous savez, les mages ce sont pas des gens qui répondent spécialement quand on leur envoie du courrier. Au début on pensait que c'était juste leur mauvais caractère habituel, mais là maintenant ça fait plusieurs fois que nous envoyons des messages par pigeon voyageur et que ces messages nous reviennent sans être délivrés. Nous pensons peut-être
que la tour des mages a un rapport avec la réapparition de la magie d'une quelconque manière que ce soit. J'y avais pas pensé du tout. C'est plutôt grave ça, parce que si la disparition de la magie a affecté d'une manière ou autre la tour des mages, ce qui peut ou ne peut pas être le... enfin peut ou ne peut ne pas être le cas, soit ils sont retournés à l'état sauvage et c'est littéralement Ken le survivant là-bas avec un mec qui est sur un cheval avec des pics partout et qui se bat avec des bâtons de mage pour taper sur les autres et piller les ressources. C'est des mages, soit ils ont toujours de la magie, ils savent ce qui se passe et ils sont en train d'essayer d'y bosser. Il s'est passé... Mais c'est Ken le survivant, c'est pour ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, si jamais ils ont toujours la magie, pour une raison que je révélerai peut-être plus tard, mais si jamais ils ont toujours la magie pour ce que je pense, ça veut dire qu'ils sont peut-être en train d'y bosser, il s'est peut-être passé quelque chose de terrible là-bas. Donc du coup, ça m'inquiète, et ça m'a l'air d'être un point plus intéressant en fait pour nous à explorer, parce que le problème, c'est que si on se pointe à Kirov pour enquêter sur la lignée obscure de Mani qui a fui parce que c'est le prince des ténèbres, si on enquête là-dessus, on va se retrouver au milieu d'un jeu politique ou même d'un jeu militaire dans lequel aucun d'entre nous ne peut travailler en fait. Voilà les deux choses que je vous propose. Ou alors, il faudrait se rendre à Kirov pour essayer de trouver un moyen, un quelconque moyen de faire chanter les conseillers qui sont impliqués, les conseillers qui poussent l'empereur à la guerre, voire même, si la solution la plus extrême, s'il n'y a que ça, de s'en débarrasser. Ou alors, il faudrait peut-être aller voir à la Tour des Mages et essayer de comprendre ce qui se passe avec la magie. Je pense que pour l'instant, ce sont les deux choses essentielles qu'on peut faire, ce sont les deux choses les plus importantes. Et de ce côté-là, nous, avec les paladins, on va rester ici, on va dissuader Kirov d'aller plus loin. Et vous, si vous voulez rester neutre dans cette affaire, et si votre but est d'empêcher cette guerre, il faut que vous alliez vous occuper de ça. Je vais être clair. Moi, je préconiserais d'aller voir du côté de la tour des mages, déjà, pour voir les congénères de Bob. D'un côté, on peut enquêter sur un cercle. Mais aussi, si on doit tremper les mains dans les affaires politiques de Kirov, ça nous met au premier plan de la guerre. C'est même pas les affaires politiques de Kirov, parce que d'un côté, on peut enquêter sur un cercle d'assassins millénaires qui ont une espèce d'agenda secret qui maîtrise la caste. Moi, ça me donne pas. Je pense que Mani est plutôt chaud pour la tour des mages aussi, vu sa réaction. Et de l'autre côté, on peut rentrer chez... Ça me donne pas envie, du tout. On peut rentrer chez moi, et moi ça m'intéresse en fait. Parce que t'as envie de prendre des nouvelles de tes mentors ou de... Sinon, il y a Théo qui est à côté qui fait sinon, on peut aussi prendre notre armée et leur rentrer dedans. Hein. On a la magie, pas nous. Comme dans la tour avec la cocatrice, tout à fait. Je suis assez d'accord. Non, mais là, ce coup-ci, Théo, malheureusement, en face de toi, elle est plus raisonnée. En face de toi, dans leur armée, ils n'ont pas de petite fille, donc t'as peu de chances d'y survivre en fait, réellement. Donc ça se passera mal. Donc pour le coup, on vote. Victoria qui sourit, qui dit « Toto, tu m'avais raconté cette histoire avec la petite fille, mais elle est pas morte, tu m'avais dit. » C'est vrai que c'est Toto. Faut pas croire tout ce qu'il dit, vous savez. La tour des mages, sinon, moi, paraît pour la tour bien. Des mages. Voilà, tour des mages pour moi. Des mages. Messieurs, vous avez donc fait votre choix, ça sera la direction de la tour des mages. Après vous être reposé quelques heures, avoir régénéré votre psyché, avoir pansé vos blessures et pris un petit peu d'équipement de base, vous partez donc le lendemain en direction de la tour des mages. Et toi, Toto, tu restes là, par contre, hein, dit Victoria, j'ai besoin de toi ici. La tour de Fortigre étant nettoyée, les aventuriers peuvent désormais se consacrer à essayer d'empêcher cette guerre qui approche. Cela fait maintenant plusieurs mois que les mages ne répondent plus aux messages. Bien qu'ils ne soient pas connus spécialement pour leur côté amical, cette absence de réponse coïncide étrangement avec le retour de la magie. Les aventuriers ont donc fait leur choix, leur chemin les mènera vers la tour des mages. Messieurs, vous êtes donc en route vers la tour des mages, mais sur le chemin de la tour des mages, vous allez devoir faire une halte à un petit village que Bob, tu connais. C'est le petit village de l'Ermitage qui se situe à quelques kilomètres à l'est de la tour des mages. Alors, il faut comprendre déjà, pour commencer, que la tour des mages ne se situe pas vraiment dans cette partie-là du continent. Elle ne se situe pas dans ce pays, elle est de l'autre côté des monts d'argent que sont ces grandes montagnes que vous voyez ici. Ce qui fait que finalement, l'Ermitage, c'est pas spécialement un village avec lequel la tour des mages commerce énormément. Normalement, la tour des mages commerce plus avec les pays qui sont de l'autre côté. Hein, parce que si on va vers l'ouest, ici, on tombe sur les endroits du cratère que vous avez déjà visité, la forêt d'émeraude, etc. Du coup, l'ermitage, c'est plus un village auquel les mages vont habituellement pour aller à la taverne, échanger quelques objets magiques avec la population, échanger avec les nains aussi, qui passent plutôt par ce côté-là du continent, échanger avec aller voir les filles au village, ce genre de choses. Donc, surtout,
Surtout, essentiellement, voilà, il faut le savoir. Voilà, mais c'est un petit village, c'est un petit hameau, une petite dizaine de maisons, etc. Donc, vous êtes en route vers le village de l'Ermitage. Vous mettez quelques jours à y aller, hein. C'est quand même pas la porte à côté depuis Fort Tigre. Mais, avant ça, félicitations messieurs, parce que, bah, avec toutes les aventures que vous avez vécues, la saison 3, machin, tout ça, vous avez vaincu des démons, vous avez vaincu des cocatrices, vous avez pillé des loots, etc. Bah vous avez gagné un niveau. Félicitations. Ah, bah voilà. Enfin, GG, le niveau dans le titan. Ce niveau. Putain, félicitations. Le lag sur ce serveur, les deux enfants. Deux niveaux à ce stade. Effectivement, et du coup, je vais vous demander, je vais vous envoyer sur un écran que voici tout de suite, et vous allez voir, donc, il y a quatre textes de correspondant à vos couleurs. Vous allez choisir ou un sort qui va booster l'un de vos sorts existants, c'est-à-dire c'est une amélioration d'un de vos sorts, ou un nouveau sort. Donc, je vais vous demander de me dire, de les lire déjà, et de me dire lequel vous choisissez, et de me dire en une ligne pourquoi. Voilà, pour le... Ok, très bien. Je commence du coup, je suis en... Bah écoute, on va faire dans l'ordre classique, Mani. D'accord. Alors, j'ai droit à deux talents, la défragmentation qui me permet d'animer non seulement... Non, qui me permet pas d'animer. Apparemment, ça me permet de téléporter en quelque sorte un objet, mais qu'il faut que j'anime au préalable, dans lequel il faut que j'insuffle de la psy, donc c'est un truc qui coûte très cher. Et l'autre, c'est... Tu peux téléporter un objet que sur un endroit que tu vois. Tu ne peux pas téléporter derrière un mur que tu ne vois pas, par exemple. Voilà. Oui, mais derrière une fenêtre, par exemple. Ça peut être intéressant. Ça fait un coup imparable dans le dos d'un ennemi, donc c'est quand même assez puissant. Ouais, ah non, c'est de la vraie strat. L'autre, par contre, c'est quoi? C'est répulsion. Donc en cas d'affrontement avec un ou plusieurs ennemis, l'antagoniste, l'adversaire... ne te choisira pas forcément. Alors, je vais être très pragmatique, ça ne marche pas. Tu vas générer une très forte odeur, en fait, c'est ça. Ça ne marche pas, je suis très pragmatique, on a pu le voir avec la Cocatrix, du coup, je vais plutôt prendre ce sur quoi le mystère est total. Tu choisis la défragmentation. Tout à fait. Tu l'ajouteras donc sur ta fiche Grunleck. Qu'est-ce que tu prends, toi? Alors j'ai le choix entre Iron Man et Berserker. Déjà les noms sont très très classe. Ouais, si ça m'énerve, je veux changer mieux. Les miens parce que c'est Iron trop pété. Dwarf. Alors Iron Dwarf, ses capacités grappin coûtent 1 point de psy, peu importe la distance. Donc ce qui est bien, c'est normalement c'était 1 point de psy plus X selon la distance. Et en plus ça me donne un bonus de parade de 10 qui manque énormément vu que bah, quand je bloque j'ai un score qui est assez faible. Donc ça peut être très très intéressant. Bah, c'est ça Iron Man en fait, c'est Bionic Commando en fait. Et Berserker, le nom est tellement beau. Balayage permet d'infliger des dégâts de zone un cône d'ennemi devant 1d6 dégâts de zone. Alors c'est très kikou, mais ça va être pour des petits ennemis parce que s'ils ont de l'armure, c'est plus important de tanker des boss. Donc je pense que je vais prendre Iron Man. Ah mais c'est pas, ça coûte pas de psy par contre Berserker. Non, mais par contre ça fait moins de dégâts que son coup ah, de base. Ah c'est vrai que je le prends. Mais en offensif tu fais ça. Offensif tu fais 6 à tous les gobelins du monde, tu les déglingues. Mais en même temps on a pu Théo. C'est avantageux quand vous affrontez masse de petits ennemis en fait. Ouais. Pour le coup, je pense que Iron Man peut-être. Enfin, je choisis pas à ta place, mais en termes de mobilité, c'est peut-être mieux. Mais après, oui, pour le grappin, tout ça. Donc oui, on va prendre Iron Man. Prends donc Iron Man, c'est noté. Tu modifieras ta fiche également. Chine, qu'est-ce que tu prends? Alors, donc, moi au menu, j'ai flèche améliorée, donc flèche de glace basique gratuite. Donc voilà, j'ai pas besoin de cristalliser, d'avoir un coup de psy pour générer des flèches de glace. Pardon. Et je peux avoir plus 2 de dégâts par point de psy insufflé supplémentaire. Voilà. C'est clair, c'est ça. Tout en rajoutant à l'arc que tu as eu dans l'épisode précédent. Exactement. Qui est un arc en bois noble et qui te donne donc une capacité de percer les armures. Donc pas complètement évidemment, mais ça te donne une capacité de plus 1 en perce armure. Cool. Formidable. Mais du coup, ça veut dire que tu peux faire des flèches plus 2 en focus gratuites. Avec un de perce armure. Oui, donc, avec un de perce armure. Donc c'est classe. Donc effectivement. Donc si j'insuffle toute ma psy et que je suis en forme élémentaire, ben alors là je peux tuer des boss à l'appel et ça va être rigolo. Ah, c'est potentiel. Non, si tu prends ça, c'est toi notre plus gros damage dealer maintenant. Oui, mais évidemment, mais attends, mais c'est craqué parce que tu invoques littéralement un sapin et t'es là. Ah mais je vais tirer des troncs. Et tu tires un sapin sur l'ennemi quoi. Donc tu fais le sapin à 32 points de mana quoi. Enfin à 32 points de dégâts.
Tu choisis la flèche améliorée. Et avec ceci, bon, je vais lire la deuxième, même si mon choix est déjà fait. Donc c'est maître de glace, capacité à sculpter des formes de glace plus complexes, plus vite et plus larges. Donc voilà, le souci. Vous voyez pas, tu peux te sculpter une waifu, tu sais, le mec. Exactement. Ouais. Edouard aux mains d'argent. Pour les soirées mondaines, ouais, voilà, ce genre de truc. Une oie géante à mettre sur la table comme ça, avec des petits fours dessus. Non, ça peut être très classe, mais c'est très contextuel. Ouais. Tout dépend de la situation, donc je sais pas. J'ai envie de viser pour l'efficacité, donc plus de dégâts, donc je vais prendre flèche améliorée. Tu prends la flèche améliorée, très bien. Et ensuite, pour toi, Bob. Juste avant, Shin, par rapport à IC, est-ce qu'elle gagne un level? Effectivement, oui. Elle n'est pas mentionnée, mais je suppose que le level up va l'influencer un petit peu. IC gagne un niveau, effectivement, et sa forme aura légèrement changé. Tu le verras la prochaine fois qu'elle apparaîtra. Ah, je veux un stand. Est-ce que devient... Ah, je veux une forme humanoïde qui apparaît derrière moi. Est-ce qu'elle est capable de faire des additions et des soustractions maintenant? Est-ce qu'elle peut parler? Est-ce qu'elle est capable de dire non aux ordres à la con? C'est ça, parce ouais. Ça, déjà, ça lui rajouterait de la durée de vie. Hein. Allez, violence. Bob, qu'est-ce que tu prends, putain. Moi, heureusement que mon bourrin, il prend mes ordres parce qu'il a pas d'âme, hein, putain. Alors, sculpture de flammes permet de dessiner des structures de flammes plus évoluées. Ça, c'est cool, ça veut dire que je peux leur donner les formes que je veux. C'est une maîtrise de flammes beaucoup plus améliorée. Un peu comme moi, finalement, aussi, pareil. Ouais, pour empêcher le feu de se propager ou pour accélérer sa propagation, c'est encore mieux. Mais du coup, est-ce que les structures de flammes, est-ce que tu peux développer vaguement? Je peux faire une structure de flammes. Bah, disons que pour l'instant, par exemple, si tu voulais tracer une ligne de feu au sol, tu pouvais faire simplement une ligne droite. Là, grâce à ça, oui. Tu vas pouvoir faire des formes un peu plus complexes. Tu vas pouvoir tracer des serpentins. Tu vas pouvoir faire des formes 3D simples. Des pavés, formes 3D simples, pyramides, des formes cubes. Solides ou pas? Voilà, ok. Par exemple, est-ce qu'il peut faire une corde de feu, par exemple? Il se balance tellement. Non, ça reste des flammes. Il peut faire un cercle de feu autour de nous pour nous protéger. Ça reste immatériel. Ça reste des flammes. Mais je peux faire, si on est dans un couloir, littéralement une porte fermée de flammes. Accessoirement, si on est à court de thunes, une cascade de flammes. Si on est à court de thunes, on peut se produire dans les villages et ce sera du plus bel effet. Aussi, mais le cirque. Venez voir le nain aux bras mécaniques incroyables, Shin, et sa capacité à tirer des poutres. Mani qui jongle, mais il touche à rien. Il est en et toi, tu fais des cercles de feu, je tire des flèches dedans. Et c'est ici qui passe à travers et qui saute dedans. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que c'est ça ou c'est la prison de flammes? Attends, et la troisième, c'est prison de flammes pour 3 psy, permet d'enfermer dans une prison de flammes des créatures mineures pendant 3 tours. La cible ne peut pas sortir et prend 1 des 12 de dégâts si elle essaye malgré tout. C'est très stylé, mais c'est une capacité que je qualifierais purement offensive et surtout c'est pour des créatures mineures. Si c'est des gobelins ou des créatures mineures ou des humains, je peux déjà les nucléariser. Donc c'est cool, ça permet de gérer les mobs, mais en même temps, je préfère la sculpture de flammes parce que ça permet de faire des formes de crowd control un peu plus développées. Et puis tu restes pas juste focus sur du combat, ça te permet vraiment de faire des situations vraiment différentes. Et puis ultimement, la prison de flammes, je peux la faire avec la sculpture de flammes, théoriquement, mais ce sera pas aussi bien défini et ça coûtera beaucoup plus cher. La dimension. Donc, voilà, mais c'est pour ça. Mais je préfère sculpture de flammes, c'est beaucoup plus situationnel. Et surtout, ça augmente mon contrôle sur les flammes et surtout sur leur non-propagation, si jamais on en a besoin. Eh bien, votre choix est fait. Donc, vous notez. Et est-ce que mon cheval devient plus gros? Genre comme Goku, c'est le cheval de Ken Survivor. Ah oui, il a une armure, hein, par-dessus. Eh bien, justement. Non, il devient bœuf. Oh non, un poney. C'est parce qu'il a pas d'âme, c'est pour ça, mais laisse tomber. C'est pas grave. Allez, du coup, votre choix est fait, vous modifierez tout ça sur vos fiches. Mais donc, pour l'instant, votre voyage touche à sa fin, car au bout de quelques jours, vous arrivez enfin au petit village de l'Ermitage. Vous entrez donc dans le petit village de l'Ermitage. Bob, tu es déjà venu quelques fois à ce village, hein, et justement, ça te surprend à l'instant même où tu arrives. C'est que le village est quand même dans un état assez déplorable. Il y a des trous dans les chaumières. Il y a des trous dans les chaumières, il y a les murs qui sont abîmés, il y a des cailloux qui traînent un petit peu partout. Et surtout, ce qui te surprend, c'est qu'il y a quasiment que des vieux, en fait. Tu vois vraiment un village qui est beaucoup plus désert que ce que tu avais connu la dernière fois où tu étais venu, et avec quasiment que des personnes âgées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne en dessous de 40 ou 50 ans ici. Non, merde, surtout, on est en région PACA. Surtout, ils sont 8. Non, mais surtout, ils sont 8, alors que c'était un village d'une cinquantaine de personnes, quoi, en comptant les visiteurs. Mais je veux dire, là, ils sont quoi? Ils sont 8 à tout péter, il y a des vieux, ils sont avec leurs chèvres. Dans les maisons, tu estimes qu'il ne doit même pas y avoir une quinzaine ou une vingtaine de personnes, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as survendu l'endroit, enfin, je suis désolé, mais c'est pas dans la brochure, ça. Au moment où tu serais allé à la taverne de la grosse Gisèle, je te jure, mon gars, t'aurais... La taverne est toujours là, d'ailleurs, c'est ce bâtiment que tu vois ici. D'ailleurs, quand tu rentres, quand vous rentrez dans ce village, mais surtout toi, Bob, en fait, les gens vous dévisagent, mais tous s'attardent sur Bob comme s'ils avaient vu un fantôme passer, en fait. C'est parce qu'il est rouge, c'est ça?
Parce que je suis mort, c'est ça? Bah après, non, mon Dieu, t'as encore un petit peu des écailles sur le visage ou pas, au fait? Ah, ouais, non, mais ça, oui, c'est les mages. T'as du fond de teint ou pas? T'as pas un sort de maquillage? Attends. Si tu crois que les écailles sur le visage, c'est le pire qui puisse arriver à des gens qui sortent de la Tour des Mages et de différentes écoles de magie, c'est que tu connais pas les élémentaires, les druides ou les enchanteurs, mon gars. Il y a une vieille femme qui s'approche de toi, qui est juste à côté, qui te passe la main sur l'épaule et qui fait « Vous êtes réel ?» Oui, et vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, mais tous les mages sont partis? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Bob, d'ailleurs, tu reconnais, en fait, ici, juste devant toi, il y a un vieux monsieur que tu avais déjà croisé quelquefois, parce que c'est une des personnes, c'est notamment la personne du village, qui échange avec les enchanteurs de la Tour des Mages, hein, parce que c'est essentiellement l'école des enchanteurs qui viennent ici pour échanger des petits objets enchantés avec la population, des petits services... Ils n'ont pas d'argent, ils échangent du matos magique contre tout le reste, en des fait. Produits venus de l'extérieur, etc. Et donc, c'est le pente, le bijoutier du village, qui n'est pas un mage, mais qui en général aussi, c'est lui qui reçoit les gemmes brutes de la part des nains, qui les taille et qui les renvoie aux mages, notamment à l'école des enchanteurs. Le pente, quand il vous voit arriver, se dresse difficilement avec sa canne et fait un mage. Oui, un mage dans le petit village de l'Ermitage qui est en ruine, alors que ça fait, bon, je l'accorde, ça fait bien une petite dizaine d'années que je suis pas venu, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'en voyez pas tous les jours des mages? La Tour des Mages, c'est à côté, non? Enfin... Ça fait des mois qu'on n'a plus vu de mages ici. Les gens du village commencent à se regrouper autour de vous. Ils sont curieux, hein. Il y en a qui étaient en train de planter des graines dans les plantations, là, qui sont en train de se diriger vers vous, parce que vous attirez la curiosité, effectivement. Ah bah oui, pour le coup, mais ils en font pas, ils sont mais pas hostiles. Vous voyez plus de mages ici, mais vous avez envoyé du monde vers la Tour des Mages? Mais oui... Mais ça fait des... On nous a envoyé des gens vers la Tour des Mages, évidemment, mais on n'arrive plus à rentrer. Il y a une espèce de bulle qui nous empêche d'approcher. On sait pas trop, vous savez, on n'a pas de mages ici. Et... Attendez. Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que les mages vont revenir? Calmons-nous bien. J'ai quitté la Tour des Mages il y a cela plusieurs années maintenant, et donc j'y retourne. Donc je ne sais absolument pas ce qui s'y passait, vu que vous savez qu'on n'est pas forcément les plus communicatifs. Cependant... Une bulle? Depuis quand? Oh, ça fait... on n'a plus eu de contact avec eux pendant un certain temps, et du coup, on s'est décidé à envoyer quelques personnes là-bas, mais c'était il y a plusieurs mois de cela, peut-être, il y a deux saisons, quelque chose comme ça. Et au début de l'âge de fer, vous savez, on a vu les mages quitter en grand nombre la tour, on a même vu des archimages qui quittaient la tour. On ne sait pas où ils sont allés, peut-être... Peut-être qu'ils sont allés trouver un moyen de faire revenir la magie, je ne sais pas, mais depuis, plus aucun contact avec la Tour des Mages, et comme la seule raison d'existence de ce village était d'échanger des objets magiques avec la tour, maintenant tous les jeunes sont partis et notre village tombe en ruine, regardez. C'est pas la production de coton et de maïs qui va sauver le village, c'est sûr. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous? Est-ce qu'on souhaite se diriger vers la tour et voir ce qui s'est passé? On peut peut-être enquêter ou comprendre. Faire revenir les mages, je vous en supplie, faites-les revenir. Regardez, notre village est dans un état déplorable. Je ne peux même plus rentrer chez moi. Ma maison est en ruine. Il y a Je propose de transformer cet endroit en paradis fiscal. Ça devrait faire revenir les mages. Ouais, on va attaquer. Légalisons la Chine, les jeux. Faire un mur. Et là, je fais des dés de glace. Allez, hop là. C'est pour ça. Bon. La taverne de la grosse Mireille. La taverne est là, si vous voulez. Vous pouvez y aller, mais les filles sont parties. Laissez-moi vous inviter à boire un coup là-bas, si vous voulez. Ah, je sais pas, il va falloir quelques minutes, les pertes de cette bière. Mais quelques minutes autour d'une bière, c'est bien, c'est encore mieux. Bon. T'as toute la barre. Ah, la magie est revenue. La grosse Bertha se réveille. La grosse Mireille. Non, c'est Gisèle. Gisèle, pardon. Gisèle Mireille, c'est comme vous voulez, mais voilà quoi. Vous comprenez, si seulement vous pouviez faire revenir les mages ou les convaincre, peut-être que les jeunes pourraient revenir. Mon fils est parti à Castelblanc pour travailler parce qu'il n'y avait plus rien à faire ici. Et depuis, je ne peux même plus entretenir ma maison. Écoutez, pour ma part, vous connaissez les différentes classes, je suis pyromage, donc je ne pourrais pas forcément aider à réparer les maisons ou quoi que ce soit. Peut-être Mais une chose est sûre, c'est que... Est-ce que je peux vous demander un service?
Depuis, vous savez, normalement, les mages veulent nous protéger régulièrement des bestioles qu'il y a autour du village. Et il y a quelques semaines, une grosse araignée est venue s'installer chez moi. Est-ce que ça vous dérangerait éventuellement de... Alors, grosse, genre grosse comme non. La tour des mages, grosse ou ah, une non, grosse araignée. Grosse comme une grosse araignée. Voilà, depuis ouais, combien de temps comme une table. Grosse comme ça, je montre une araignée dans. Arrête avec ça, c'est dégueulasse. Sur mon épaule. brûle ses cheveux. Eh bien écoutez, oui, avec plaisir, j'imagine qu'on peut aider. Grosse elle n'a attaqué personne. Oh, c'était il y a quelques semaines, non, elle n'a attaqué personne dans le village, elle s'est juste installée à l'intérieur de ma maison et elle n'en sort plus maintenant. Fred, du coup, je ne peux même plus. Je ne peux. Quoi ? Fred, je montre l'une des araignées que j'ai. Oh j'élève non, et que elle est beaucoup plus grosse que ça. Non. Alors, je vais me retourner. Beaucoup plus gentil alors. Voilà, je vais me retourner vers Grunleck et je vais le prendre par les épaules, bas, et je vais faire. Non, c'est un druide. Je suis sûr, c'est un druide. Il est resté bloqué dans sa forme. Il s'est installé là et il est devenu débile. Il a attaqué personne. C'est bizarre. Quand même, voilà, non. Ça fait pas de sens. Et pourtant, juste à 200 mètres de la tour des mages, une araignée gigantesque attaque personne et qui est pacifique. S'il te plaît, je crois pas au quoi. Les gars, je vous ai entendu, mais on va dire que je vous ai pas entendu. Donc si je la croise, je la bute. Je déteste les araignées. J'habite à la maison. Ben c'est pas difficile. Oui, la maison avec des toiles d'araignées énormes. C'est là. Voilà, c'est ça. Laisse-moi deviner. La maison de Spider-Man là-bas, on est bien. J'emboîte le pas et j'y vais. Okay, du coup, est-ce qu'il y a une petite piécette ? Il y a quoi à la clé ? Je suis désolé, moi je veux bien dératiser les marques. On demandera juste le gîte et le couvert. Si vous avez besoin de dormir ou de vous reposer, je vous invite à l'auberge. Il n'y a pas de problème, je connais bien l'aubergiste. Très bien. Et je suis désolé, c'est par principe, tout travail mérite salaire. Tu vas pas piller le village d'à côté de mon enfant. Mais je dératise pas gratos, c'est tout. Voilà. Non, déjà, estime-toi heureux que tous les gamins se soient barrés, comme ça il y en a au moins pas trois qui peuvent prétendre que t'es leur père. Déjà d'une. Pendant que vous marchez en direction donc, de sa maison, il continue à vous poser des questions et vous dit « Mais d'où est-ce que vous venez et pourquoi vous êtes là ? Vous êtes revenu ici juste pour aller voir la tour des mages ?» Longue histoire, effectivement. Sauver les araignées et les orphelins. Les orphelins peut-être. Longue histoire. Et effectivement, depuis la disparition de la magie en général, on a pensé retourner à la Tour des Mages pour voir comment ils avaient traité le problème, vu que vous savez que le puits de magie de la Tour des Mages est, disons, spécifique. Mais sans donner plus de détails, voyons voir le problème donc de votre maison. La porte est ouverte. J'espère que vous réussirez, parce qu'à l'intérieur, il y a pas mal de matériel qui est à moi. Et si je pouvais récupérer mon atelier, je pourrais recommencer à vendre et ça me permettrait d'avoir des fonds pour réparer ma maison. Si elle n'a pas attaqué les gens à l'extérieur, à mon humble avis, puisque je pense pas qu'elle soit foncièrement dangereuse. Elles sont gentilles, les araignées. C'est un peu comme les bébés cocatrix. Donc, vous rentrez à l'intérieur de la maison abandonnée donc par Le Pente. Messieurs, vous pénétrez à l'intérieur de la maison de Le Pente. Il y a des toiles d'araignée absolument partout dans cette maison. Ça va rendre votre progression un petit peu difficile. Évidemment, il fait sombre, les volets sont fermés. Vous remarquez notamment que la maison est dans un état assez déplorable. Il y a des planches qui sont effondrées. Il y a même des trous dans les murs et des trous au plafond. Comme s'il y avait eu une bagarre ici, ou comme si la bestiole en question s'était amusée à tout casser pour le plaisir. Attends, les volets sont fermés. De connaissance, les araignées, ça ferme pas les volets. Pas si elles sont pas intelligentes. Non, non, mais s'il faut, c'est pas elle qui ferme les volets. Le lit est fait. Au moment où l'araignée est arrivée dans la maison, Le Pente n'était pas dans la maison, heureusement. D'accord, bon. Mais tu fermes tes volets avant de partir de ta maison. Logis. Bah oui, je ferme mes volets avant de partir de chez moi, qui le fait pas. Ok, pas de soucis, non mais continuons. Moi j'habite, genre, tu vois là, j'habite à l'étage, donc j'ai pas de vrai problème. Donc, vas-y, continue. Du coup, vous entrez dans la première pièce et effectivement, vous voyez qu'il n'y a rien. Vous voyez qu'il y a une porte qui mène vers la seconde pièce ici. Il fait assez sombre. Qui passe en premier dans ce groupe ? Je rentre devant quand même au cas où pour prendre le choc. Dans ce cas-là, je vais te demander d'avancer ton token devant les autres si tu veux passer devant. Hop, et puis en plus, il me semble que Grunleck a une meilleure vision dans le noir. Donc, je vais te demander du coup de me faire un jet d'instinct et pour symboliser le fait que tu as cette meilleure vision dans le noir, je t'accorde un bonus de 1. Oh, c'est cool. 3, c'est réussi. Je vais suivre Grunleck. Tu réussis effectivement, tu te concentres et sur ta vue et sur ton ouïe et tu réalises qu'il y a quelque chose qui gratte au plafond comme s'il y avait une araignée dans les combles de la maison ou peut-être dans la pièce à côté, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est pas très loin d'ici.
Alors, est-ce que je peux allumer mon bâton juste devant les yeux de Grunlec, histoire de lui faire un petit coup de flashbang, tu vois, alors qu'il a activé la vision nocturne. Le coup de pute, tu sais. Alors, effectivement, en théorie, normalement, tu ne devrais pas faire de jet pour allumer simplement ton bâton. Simplement, comme là, il y a des toiles d'araignée absolument partout et c'est extrêmement inflammable, je vais te demander de faire un jet pour contrôler ta flamme. Un jet de mental. Le gars qui allume son bâton et il voit juste les bouteilles butent à gaz avec une qui fuit. Oh, merde. Le vieux gag. 75. Et eh ben ça passe. Non, ça va, j'ai 80 de mental par défaut, donc... Tu réussis effectivement à allumer ton bâton en faisant une légère lueur diffuse dans la pièce qui te ne permet pas de voir l'araignée, parce qu'elle visiblement elle n'est pas dans cette pièce. Mais en tout cas, ça permet à Grunlec, qui est devant toi, de voir un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous faites? J'avance un peu de progresser, du coup, on n'est plus bloqué par les... On n'est plus bloqué par les... l'étoile, vu qu'il les brûle au passage. Et est-ce que Mani, avec ses quatre, enfin ses trois haches magiques, fait des barbes à papa? Tu sais, elle les enroule autour des... Bon, vous avez par contre... Ah, il prend les manger, hein, autour, il a apprivoisé des araignées. Tu vois Mani qui est empêtré comme ça dans... Je suis une araignée. En fait, tu te retournes, tu vois Mani qui marche au plafond, mais tu sais, en mode film d'horreur, avec la tête à 180 et comme ça... qui va pénétrer dans la seconde pièce en premier, dites-moi. La porte est ouverte. Allez-y. La porte est ouverte. Par contre, je vous préviens. Juste passer le nez avec Grunlec. On peut peut-être juste donner un rapide coup d'œil pour essayer d'analyser l'espace et savoir le degré de danger qui nous attend. Donc, ma tête et la tête de Mani au-dessus. Moi, si je la vois, je la flingue. Je vous le dis de suite. J'ai un arc tout neuf. J'ai envie de le tester. Je vais mettre mon index sur la bouche de Shin. Je vais vous demander. Non. Et moi, je fais ça sur la tienne. Je vais vous. Dans la mesure où il y a un ennemi. C'est très bizarre ce qui est en train de se produire. Il y a peut-être un ennemi dans cette maison. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous demander effectivement un G. Et si ça sera un 1 ou un 6, ça sera un échec ou un succès critique. C'est un G avec de l'enjeu pour le coup. Donc, si vous voulez, vous regardez tous les deux, vous me faites tous les deux un G d'instinct. Mais s'il y en a un seul qui. Un G de finesse. Mais s'il y en a un seul qui rate, je propose que Grunlec le fasse. Mais comment ça, finesse? Pour discrétion. Finesse, parce que tu es discret. La discrétion, tu ah es alors discret. Vas-y. Pas très très discret. On sait très bien comment ça va se finir. Ah, t'es devant, donc t'y vas, hein, je suis désolé. Ça va, ça passe. Ça passe. Donc, effectivement, tu regardes à l'intérieur de la seconde pièce, et ce que tu vois, c'est une énorme araignée qui est au plafond et qui, pour l'instant, ne t'a pas remarqué. Elle est en train de manger un rat ou quelque chose comme ça. Tu ne sais pas trop ce qu'elle fait. Ah. Elle est en train de faire sa vie. Pour l'instant, elle ne t'a pas remarqué. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est une bien belle ce araignée australienne. Elle est gentille. Et ouais, du coup, on va voir j'avance. Ça. Mais elle est vivante, donc c'est un défaut en soi. Donc, nous, on reste à la porte. Tu avances discrètement. Si tu avances, le jet de finesse, attention, le jet de finesse n'était que pour observer. Si tu avances, je vais te redemander un jet de finesse. Un jet de physique ou un jet de finesse? De finesse, toujours. Ok, j'essaie de prendre le moins de danger qui... Comme tu as réussi ton précédent jet, je t'accorde un bonus de 1. Tu as combien en finesse? Ok, j'ai 5, donc ça fait 6, mais il y a l'échec critique qui guette. Allez, oui. Ça ferait juste un échec du coup, mais bon, vas-y. Oh, 2. 2. Tu réussis à avancer discrètement tel je sais pas. Une anguille dans l'étoile d'araignée. Dans une meule de foin, ouais. Tu réussis à avancer discrètement jusqu'au centre de la pièce. L'araignée ne t'a toujours pas vu. Elle est toujours tournée pour l'instant. Et si elle se tourne vers moi, je ne bouge plus. Son. Ok. Mon acuité vision est basée sur le mouvement. Fais-moi, Mani, un jet d'instinct, s'il te plaît. Ok. Ça passe. Ça passe. Ce que tu remarques, c'est que dans la cheminée, sous une pierre de la cheminée, il y a un espèce de collier qui brille. Un collier qui visiblement, la manière dont il a été dissimulé sous un caillou, a été caché là. Mais caché là... Assez récemment, peut-être. Pas très bien caché, apparemment. Est-ce que... Parce que je veux pas trop m'exposer au danger. Est-ce que je peux utiliser... La télékinésie? Voilà, ma télékinésie pour essayer de déplacer ça. Et tu peux, effectivement. La mener vers les autres personnages. Tu peux, effectivement. Est-ce que nous, on est tous dans l'encadreur de la porte, enfin... Mais qu'est-ce que tu fais, ça? T'es les trois têtes, comme ça. Et je regarde ça, je fais... Ok, d'accord, je fais ça. Tu vas donc me faire, Mani, un jet de mental. C'est Hot Shot 2, tu sais.
coup-ci. Parce que tu utilises ta télékinésie, du coup. Un jet de mental, c'est ça? Oui, un jet de mental. Est-ce que j'ai un malus à, genre à l'échec critique, étant donné que la scène quand non, je suis face non, à... non, pour la simple raison que déjà, c'est, ce okay. sont des araignées, bon, et va. Tu n'as pas spécialement peur puis des elle est araignées, gentille. Parce que... Non, ça t'en sort. Oh, c'est de la merde. On verra. Mais tu n'as pas spécialement peur des araignées et surtout, elle ne t'a passe, pas vu. Ça passe, ça passe. Tout passe limite. Tout, 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 tout passe limite. Tu réussis à faire vibrer le collier et à le soulever légèrement dessous le caillou pour le ramener c'est vers propre. Toi. Le ramener vers tes collègues, ça va être peut-être un petit peu plus difficile. Bah, j'utilise un point de psy supplémentaire pour les ramener vers eux. Alors, je vais t'en demander deux. Parce que c'est comme ça. Non, parce que c'est extra discret. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est ce que j'avais prévu au départ, c'est l'année vers eux. Donc, si je dois fournir un effort mental supplémentaire, ouais. je n'hésite pas. Mais surtout, que ça limite mes mouvements. Moi, et donc, ça m'expose moins en danger. À penser que tout ceci est. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais je continue à penser que tout ceci est forcément non nécessaire. Puisque soit c'est un familier, soit c'est un druide. Soit il n'y a pas de cocon d'être humain. Non. On est d'accord qu'il n'y a pas de cocon d'être humain qui pendouille. Oui, c'est vrai, ça reste qu'il y a rien. Non, il n'y a rien dans la pièce. Visiblement, mis à part le fait que tout est un peu cassé, tout est un peu en ruine, alors que pourtant ça fait que quelques semaines qu'elle est là. Ça fait aucun sens. Qui saisit l'objet chez vous ? Dans la pièce. Le collier arrive dans les mains de la première personne qui est là, c'est-à-dire Grunlek. Bah, vas-y, je prends. Ok, je. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand je prends le collier ? Non. Ah, d'accord. Tu vois juste la pierre sertie du collier vibre d'une couleur un peu verdâtre, pâle. Alors, oui, si je puis me permettre, tout ceci était très très joli, mais je rappelle qu'on est là pour gérer l'araignée, soit en exactement. La butant, soit en discutant. C'est là, pour l'instant, on est en train de piller. Je vais être sincère, on est en train de rien dit depuis tout à l'heure. Mais regarde ce collier, ça tirait très bien, Bob, ce collier. J'ai rien dit depuis tout à l'heure, mais dans la maison d'un gars qui fait de la joaillerie pour récupérer du matos d'enchanteur, trouver des colliers, des bagues et des diadèmes, ça me paraît pas absurde. Donc dans l'absolu, oui, non, c'est ce que je dis. On est en train de voler l'homme qui nous a confié la mission de nettoyer. Mais en sécurité, les mecs ils sont là. T'en fais pas. Je vais virer le gobelin de ton sous-sol. Puis il sort avec les candélabres. Bah qu'est-ce que tu fais? Je vide les meubles. Il change sa voiture. La place. Salut espèce de nul. C'est la reine. Les candélabres en argent. Bon, on la tue ou bien? Juste avant de la buter. Elle est agressive. Est-ce que Bob, tu pourrais faire un contrôle mental avec... Non, je peux pas faire de contrôle mental, mais je souhaiterais tenter un lien mental et de lien mental, si oui, jamais je me suis c'est trompé. Un druide, ah, c'est un druide ou que c'est un ancien être humain qui a été transformé... Quel que soit le résultat de ce lien mental, qu'il soit réussi ou raté, ça va attirer l'attention de l'araignée. Ah bah oui, mais c'est pas grave. T'as ton arc qui est prêt. Ah oui, moi je suis prêt à l'essayer. Là. Je m'interpose en train de au le cas où elle nous charge, histoire de protéger le groupe. Très bien, donc qui rentre dans la de pièce de protéger Shin de lui-même. Vous rentrez tous dans la pièce? J'ai pas besoin de rentrer dans la pièce et non, je vais faire mon lien Bob mental. Face, ouais. Moi j'avais juste ma main pour prendre le collier. Et très bien. Alors donc, par Bob, contre, partant du postulat que même si c'est un druide qui est transformé, il a quand même un cerveau d'araignée. Donc est-ce que on en est pour l'appel Skype et qu'ils comprennent que c'est un appel Skype, est-ce que j'ai un gros malus? Tu auras quand même un malus de 20. C'est honnête, très 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 honnête. Donc du coup, ça aura 85 parce que je suis en focus. On se prépare moins 20, ce qui nous ramène à 65. On essaye. Oh et c'est un sang. Il se passe quoi avec les sangs? Ah, il change de corps en fait. L'araignée rentre dans le corps de Bob. Alors là, normalement, si je mets pas le feu à un rayon de 3 mètres autour de moi, je sais pas ce qui se passe. Ah, bah non. C'est du contrôle mental, c'est pas du feu, on sait pas. C'est du. C'est ah, oui, bien mental. Dis-nous tout. Ce qui se passe, c'est que tu essayes d'établir un lien mental avec l'araignée et il y a une espèce de bug qui se passe dans ton cerveau, l'araignée commence à convulser et tombe lourdement au sol. Pff, sur le dos. Est-ce que moi j'ai une envie subite de manger des mouches et de pondre des œufs? Elle tombe. Est-ce que j'ai envie de pondre des œufs? Il faut que je tisse sur le dos. Et Bob, tu une prise de mal de crâne absolument atroce. Je te mets non pas un carton jaune mais un carton rouge en savoir direct parce que c'est un sang que tu as fait. Tu n'es plus bien joué. Capable. Tu n'es plus capable d'utiliser ta compétence savoir pendant les jours qui viennent à partir de maintenant. Oh bah non, on arrive à la tour des mages. On va avoir besoin de toi. D'accord. Ça se manifeste de la manière suivante. Tu as une horrible migraine. Très bien, mais ça n'affecte pas ma mémoire. C'est-à-dire les choses que je connaissais déjà sont toujours là. Oui, mais t'as un malus de 50% du coup. Sauf s'il faut que j'y réfléchisse, je suis d'accord. Mais là où j'habite, ça me paraît... Oui, bien sûr. Bon. On peut lui mettre le collier histoire de parfaire la panoplie. Tu sais, effectivement, tu auras des malus sur absolument tous tes jets liés au savoir. Mental.
Pendant ce temps-là, l'araignée est en train de convulser. Bon, bah, j'y vais voir comment est-ce qu'elle va. Les si amis je peux des faire animaux, il faut prendre une décision parce que le contrôle mental, enfin le lien mental n'a pas fonctionné. Je vais voir l'araignée. L'araignée est en train de convulser au sol. Non, mais écoutez, vous lui avez grillé le cerveau. Elle est morte. Ah, il y a des grosses séquelles, d'accord. Ok, c'est un légume. Un festin avec une si grosse araignée. C'est vrai. Bon, bah, cela dit, mission accomplie, j'ai envie de dire. Oui, ouais, oui. Ouais, ouais, bravo Bob. Écoute, bien joué. Maintenant, il faudra réussir de faire félicite. Ça quand il y a un ennemi. Hein. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de parler si fort? 5 secondes. Vu que je te gèle le front, ça peut c'est faire vrai que nous, on ne sait pas qu'il a fait un échec critique. On a vu ça, on l'a vu se concentrer, oui, l'araignée. Oui, pouf, c'est vrai. Il a pas... Et on s'est dit, wow, one shot. Je quitte la pièce en colère et je sors vite. La main sur le front. Et quand je sors, t'entends. Et quand je sors, t'entends au loin, quand j'ouvre la porte, t'entends. Oh putain, la lumière naturelle, ça vous ressortez de la maison après avoir triomphalement accompli votre devoir, du coup. Bon. Est-ce qu'on peut transporter l'araignée à l'extérieur? Ouais, je pensais à ça aussi, qu'on la porte. Manière victorieuse. Ouais. J'annonce de toute façon, si c'était un druide, le meurtre intermage à la tour des mages, c'est quelque chose qui est très commun, donc c'est pas très gênant. Tant que c'est pas dans ta propre caste. Effectivement, on ne le saura pas. Vous ne le saurez jamais. Et peut-être effectivement. On vient peut-être de tuer un élément de scénar très important. Vous venez ouais, peut-être humain, tuer quelque chose qui est sympa. On verra. Un bienfaiteur, ouais, je sais pas. On a peut-être tué le boss de fin. On a peut-être tué un enfant à Chine. Voilà, on ne sait pas. On ne sait oui, pas. Il en a plein. Vous ressortez donc de la maison et le pente vous voit arriver, te voit arriver Bob, les mains sur les tempes, et te dit « C'est bon, l'araignée, vous l'avez tuée ?» Ah, putain, bah oui, mais on arrive avec... J'ai besoin d'un œuf, de tequila et d'un grand verre d'eau, et s'il vous plaît, parlez pas si fort. Prenez ça pour un oui. Prenez ça pour un oui, monsieur Lepin. Ah ben, je vous remercie, vraiment, c'est vraiment très gentil de votre part. Je sors avec des larmes aux yeux. C'est horrible ce qui vient de se produire à l'intérieur. Grâce à vous, je vais pouvoir enfin réinvestir mon atelier et je vais pouvoir recommencer à vendre mes produits. Je vous remercie vraiment. Hein. Du coup, monsieur Lepin, pour être tout à fait honnête avec vous, on a trouvé... Monsieur Lepin, pas collier. Le porn. Oui, non, j'ai dit Lepin. Oh. On est tombé sur ce collier à l'intérieur de votre maison, au niveau de la cheminée. Donc, montrez-moi. De quel regardez. Collier tu parles, Shin ? Montre-lui, il faut rester honnête, je suis désolé, on a rempli la mission. On ah, ce collier l'araignée. Ah oui, ce collier celui-là, là, ouais. Effectivement. Celui qui est dans ta ce poche. Candélabre. ce candélabre volé, voilà. On va. Est-ce que je peux observer le collier, voir les gemmes, si ça me parle, si c'est quelque chose oui. Je vais te demander, pour normalement, ça aurait plus été Bob qui aurait dû l'analyser. Je vais te demander un jet de savoir. Là, il y a la mesure. Dans la mesure où ça n'est pas Bob qui fera ce jet, mais ça sera toi, Grunlek, je vais te demander de le faire non pas sur 6, mais de le faire sur 10. Ok, ça va pas être facile. Ah oh, oh, oh. Alors, j'ai une question. Okay, j'ai une question. Est-ce que du coup, l'objet est de manufacture naine, ce qui fait qu'il sait d'office ce que c'est, en fait? Bah oui, alors, je connais non, ça, ça s'achète au Super U. Le collier lui-même n'est pas de manufacture naine, mais par contre, la pierre, elle, l'est. Tu as déjà vu une fois ça dans un livre, mais alors vraiment, ça remonte à très loin, et tu as vraiment une chance extrêmement élevée de t'en souvenir. C'est un collier d'annulation. C'est-à-dire que c'est un collier qui, lorsqu'il est mis au cou d'un porteur, il va immuniser complètement le porteur à la magie. Donc le porteur ne pourra plus lancer de magie et ne pourra plus du tout en recevoir également. C'est vraiment, ça forme une espèce de bulle anti-magie autour du porteur. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que ce collier ne peut être enlevé qu'au bout de plusieurs semaines. C'est un peu un objet maudit. Enfin, si ce collier, il n'annulait pas mon bras, ça voudrait dire que je pourrais mettre et être immunisé à la magie. Ce serait magnifique. Alors par contre, bon, j'ai une question. Il y a immunisé à la magie, mais être immunisé aux effets élémentaux ou conséquents à la magie. Par exemple, si je te balance une poutre télékinétiquement parlant, ça n'annule pas la poutre. Tu vas te prendre une boule de feu. Tu ne prends pas la boule de feu parce que c'est du feu. Par contre, la boule de feu, ça peut compter. Mais attention, les flammes subséquentes, c'est-à-dire d'un bâtiment qui commence à brûler tout ça, tu vas bouffer la fumée et tout le reste. C'est mais la boule de feu, tu peux la prendre. En tout cas, c'est une très belle trouvaille. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et c'est. Qu'est-ce que ça fait? C'est normal d'avoir ça ici, oui. Écoutez. Je me souviens pas, il faudrait que je vérifie mes registres, mais je me souviens pas du tout avoir ça chez moi. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Bah, chez vous, à côté de l'araignée. Oui, mais où? Sur mon établi? Sur... T'es coincé au niveau de la cheminée, il me semble? Oui. Enfin, c'est Manny qui l'a tout à fait. Derrière un caillou. Il n'y a rien caché derrière la cheminée, je ne comprends pas. Ne faites pas l'innocent. C'est un collier d'annulation, c'est ça? C'est...
C'est difficile à dire pourquoi est-ce que j'ai ça chez moi. Je ne sais pas, je ne suis désolé. Écoutez, je ne veux pas de problème. Hein. Moi, je suis juste le bijoutier du village. Mon rôle ici, c'est de recevoir les gens. Est-ce que vous aviez des assistants les... Est-ce que vous avez des personnes Non, je travaille tout seul. Non, je travaille tout seul. Mon fils m'aidait avant, mais il est parti à la ville. Mais sinon, je travaille tout seul. Non, habituellement, je reçois les gemmes des nains, je les taille et je travaille avec les enchanteurs qui me renvoient le collier enchanté ensuite, pas plus. Est-ce que vous verriez un inconvénient qu'on le garde en tant que paiement pour vous avoir aidé Oh oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne sais pas d'où vient ce collier, j'en ai aucune idée. Mais tout ce que je voulais, c'est récupérer ma maison. Grâce à ça, je vais pouvoir revendre mon matériel et réparer ma maison. Je vous remercie vraiment. Y'a pas de quoi! Putain, j'ai pas trouvé des loots! Alors, par contre, on est d'accord la que la restauration le collier... de votre demeure a valu le sacrifice d'un être important. J'espère que vous vous attendez, rendez compte. Groupe, vous pouvez récupérer sa guillotine et faire des ornements tout on à fait parfois. On est d'accord que le collier, on ne l'approche pas au bout d'un bâton à moins de 50 mètres de Chine. Pourquoi? Effectivement, ça et pourrait être intéressant. Qui est un élémentaire constitué à 50% de magie. De demi-élémentaire juste pour voir ce que ça fait. Mais je voulais essayer. Ça donc, soit je redeviens humain comme dans un Disney ou quoi, ou soit je me transforme soit en. Soit la moitié de tes organes échoue. Enfin, la moitié de tes organes s'arrête en fait. C'est ça, ouais. Je fonde. Non, on va pas essayer. Enfin, ouais, voilà. Perso, je tenterai pas le diable si. Et on découvre qu'en fait, c'est Ariel, la petite sirène. Du coup, vous mettez en route vers la Tour des Mages maintenant? On peut faire une petite pause à la taverne. J'attends à la taverne. Et des boissons. Au moins 24 heures que le mal de tête devienne un carton jaune. Parce que là, il est hors de question que je fasse quoi que ce soit dans cet état. Je ne vais nulle part. Il faut beaucoup de temps pour atteindre la Tour des Mages. Peut-être que Bob peut récupérer. Ah, juste quelques heures. Allez vous faire foutre, moi je passe la nuit chez la grosse Mireille, hein. C'est fini. Là, aujourd'hui, c'est fini, vous m'avez saoulé, la maison m'a saoulé, l'araignée m'a saoulé, la tour des mages avec saoule. Sa peinte. Voilà. Marre, chier, les araignées. Très bien, donc, Ah non mais là aujourd'hui, là mon personnage il est autour d'une peinte et il regarde Mireille et il fait avec le... Putain, c'est les jours comme ça, j'ai envie de voter Front National. Très bien, on va pas aller voir tes anciens mentors alors dans cet état-là. C'est ça, il est vénère. Vous reposez donc quelques heures à l'auberge du village avant de repartir donc le lendemain. Bob, ton carton rouge s'est effectivement transformé en carton jaune. Il faudrait que tu restes encore 2 jours de plus ici pour que ça disparaisse complètement, mais ça vous fait mais perdre du temps. Mais carton jaune, c'est déjà mieux. C'est quoi? Est-ce que je récupère 3 points de psy avec les vous récupérez votre psy, effectivement. Tu récupères ta psy, vous vous êtes reposé, vous avez fait une nuit complète, vous avez mangé, vous êtes en bon état, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste que le malus de 2, Bob demandait, c'est un malus, carton rouge malus de 2, mais quand t'as un malus de 2, en fait, ça annule la compétence. Et carton jaune, c'est malus d'accord. De 1, uniquement. Oui. Malus de 1. Actuellement, si vous étiez allé comme ça directement à la Tour des Mages, tu n'aurais pas pu réfléchir. Littéralement, tu aurais à quoi que ce soit. Compétence voilà, savoir non, était merci. Interdite. Voilà. Du coup, merci, voilà. Vous vous reposez une nuit complète et le lendemain, vous partez en direction de la Tour des Mages.